Bonsoir, bonsoir tout le monde. Moi qui disais que je ne vais pas faire le direct aujourd'hui, voilà, je vais faire quand même parce que voilà, les surprises. Coucou mes chéris, bon dimanche à tout le monde, bon dimanche à tout le monde, bon fin de week-end à tout le monde et bon début de week-end, de semaine à tout le monde. Voilà, je suis là. I am just here. Je vais faire un direct. Hein. Femme battante. Merci beaucoup, Julienne. Toujours rayonnante. Et merci, ma chérie. Oui, ma chérie. Oh. Pour être rayonnante, il faut choisir. Hein. Depuis que j'ai décidé d'être rayonnante, je suis rayonnante. Voilà. Au fait, si on choisit d'être heureux, on choisit. Être heureux, c'est un choix. Hein. Voilà. Être heureux ou bien malheureux, c'est un choix. S'agripper sur des personnes, c'est un choix. Compter sur les anges, les gens, c'est un choix. Mais quand tu comptes sur toi-même, tu ne dépends que de toi, franchement, ça fait du bien. Voilà, ça fait très bien du bien. Ça fait du bien. Voilà. Oh là 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 là. J'ai un petit direct que je vais faire. Ça concerne un peu nos soeurs de la diaspora, là. En particulier Coco. Coco Lago. Voilà. En particulièrement Coco Lago, parce que son histoire est toujours devenue dans les réseaux sociaux, avec son histoire de qu'elle n'a pas de logement. Moi, ici, que moi, je suis déjà des personnes. Quand les gens, il y a certains blogueurs, quand elles font leur direct, dès que je passe dans leur direct, elles me. Mon nom est tellement facile à crier. Et si j'écris quelque chose, dès qu'une blogueuse tombe sur mon direct, elle crie mon nom jusqu'à ce que c'est comme si me chasser. Elle m'a dit que Coco Lichanaïdo, Koutanaban. Je ne sais pas ce que j'avais de Camerounaise. Dès qu'une Camerounaise fait son direct, si je viens écrire quelque chose qu'elle lit, parce que c'est qu'elle dit la vérité, elle va seulement crier mon nom. Oh, Valentin, oh, Lydia Miller, je ne sais pas. Pourtant, même si tu parles dans mon direct, je peux voir. Il y a qui a bien, moi je les apprécie, tout ce qu'elles écrivent, moi je ne. Sur notre blog, quand peut-être je fais le direct, elle vient dans mes directs, je suis trop content de la recevoir dans mes directs. Elle écrit, je peux pas, même si elle me reproche, je ne vais pas commencer à crier son nom. Mais les Camerounaises trient le nom des SD. Je vous dis, je suis malchanceux dans les réseaux sociaux. Là. Je ne sais pas pourquoi les blogueuses ne les m'aiment pas. Oh, et c'est passé dans le direct de Lolo une fois. C'était la semaine passée. Lolo, elle m'a dit, oh, voilà, tu es coach. Va. Et bien, quand je vais faire l'histoire de parler, tu viens de parler. Il y a un Lydia. Eh, qui est? Elle m'a compris. Elle m'a dit, eh, qui est? Pourquoi ça m'agresse comme ça? Pourtant, j'ai seulement écrit quelque chose. Je ne l'ai même pas insulté. J'ai seulement écrit, comment on disait que pour les femmes, voilà. Pour les femmes, comment on disait que les femmes ne doivent pas quitter les hommes à chaque moment. Elles seront. C'est mieux de supporter. J'ai dit, ça dépend. Ça dépend des femmes. Ça dépend des situations. Elle est tombée sur moi. Pourtant, je n'ai rien avec Lolo. Donc, je remarquais que dans son direct, dès qu'elle a vu, elle a crié. Elle a dit, tu es déjà coach, non? Va dans ta page et tout. Ça a dit, waouh. Pourtant, je ne venais pas avec mauvaise intention. Vous savez, mon nom, là, quand les gens me voient, c'est les gens qui m'accueillent bien. Tata Doudou, quand je passe dans le direct, elle m'accueille bien dans son direct. Ce qui fait que ça frustre même que je ne peux pas passer dans le direct d'une soeur camerounaise. Et qu'elle sent que je suis là. Je ne sais pas pourquoi. Elles sont frustrées de me voir. Je ne sais pas. Pourtant, une peut venir à mon direct. Depuis même avant, je faisais compression. Venez, je vois, je la salue et puis ça passe. Hein. Donc, je suis pas là, je suis contente au moins qu'une autre blogueuse vienne, parce que je n'ai pas de problème avec ces femmes-là. Moi, je ne suis pas dans l'hypocrisie, je suis une femme très directe. Je suis une femme, je ne suis pas là pour me faire aimer, parce qu'après les réseaux sociaux, il y a la réalité, parce que ma réalité, je vis toute seule dans ma réalité, personne ne m'aide. Alors, je ne peux pas faire semblant dans les réseaux sociaux, pour qu'on m'aime, alors que si j'ai un souci dans la réalité, personne ne pourra m'aider. C'est ça la réalité. C'est ça l'héros. Donc, je suis comme je suis là. Je n'ai pas besoin de me maquiller, porter des belles habits. Ce sont les bijoux. Je suis une femme que j'adore les bijoux. Voilà. À part les vêtements, vous avez remarqué, les vêtements, ce n'est pas mon truc. Mais si vous l'avez remarqué, moi, c'est les bijoux, mon truc. Il y a les femmes, il y a certains, le maquillage, ce n'est pas mon truc. Mais moi, les bijoux, ce n'est pas les pacotiers. Hein. Ce n'est pas du tout les pacotiers. Donc, moi, c'est pas. Moi, j'investis beaucoup dans les bijoux, au fait. Vous comprenez un peu. Les habits, je n'investis pas. Je peux prendre un habit de 5 euros et porte sur moi. Je ne regarde pas trop. Voilà. Pour dire que la beauté du corps, là. C'est les bijoux que j'embellis mon corps avec. Je suis un peu comme une musulmane, au fait. C'est-à-dire que tu portes un tissu paille, tu embellis ton corps avec des bijoux. Ce n'est pas les bijoux qu'on te remarque, au fait. Je suis un peu le genre des femmes, là. Bon, ouais, un peu. Je cherche à être toujours cette femme-là. Voilà. J'arrange ma peau. Je travaille mon corps. Je vieillis. Mais je me respecte, au fait. Je ne vais pas avec les gens pour les insulter. Voilà, ma peau aussi, elle est, et ma peau aussi, ma chérie, Rosie, Rosita, voilà. Si vous me voyez en face, ma peau, elle est comme vous voyez. Si vous me voyez en face, vous allez voir que ma peau,
Aussi, quand on va se voir au Cameroun, toi-même, tu vas confirmer. Moi, ma peau est comme ça. C'est pas comme vous voyez les réseaux sociaux. Parfois, bientôt, ça me fait, ça m'éclaircit beaucoup. Mais si vous me voyez, Coco, Hortense m'a déjà vu. Elle ne peut pas m'insulter parce que Coco Hortense m'a vu en face. C'est les bijoux, c'est le corps. Elle ne peut pas. Parce qu'elle m'a vu simple, mais elle a remarqué qu'elle a dit ma peau, j'ai une belle peau, bien soignée. C'est la chose qui me, que je me fais remarquer avec. Même si je reste au Cameroun parfois sur le soleil pendant longtemps. Même si le soleil me noircit, mais ça reste toujours cette belle peau-là, au fait. Parce que je ne fais pas la longueur ensemble et tout ça. Ma peau, je ne fais pas la longueur ensemble. Non. Je ne fais pas la longueur ensemble. Bon, je voulais parler un peu. Parce que nous sommes à la diaspora ici. Moi, je voulais parler un peu de l'histoire Coco, de Coco Lago. Voilà. Hier soir, lorsque je tournais un peu dans la. Parce que c'est depuis que son histoire dure avec Lorraine Munger. On ne parle pas. Bon, je vois beaucoup qui. Nous, on supporte. Moi, je supportais Coco Lago au style que. Au style que, bon, elle pleurait ses choses. Quand elle a commencé avec. Lady Ponce ici, bon, elle a tellement insulté Lady Ponce. Moi, j'ai pas supporté qu'elle insulte. Parce que quand on héberge chez toi, quand tu héberges dans sa maison, hein, parce qu'il faudrait qu'on apprenne. Parce que moi, j'étais aussi au niveau du Cameroun. Moi, au niveau du Cameroun, je vais parler un peu de moi. Moi, j'ai hébergé mon propre frère. On dit même père, mais dans ma maison, dans ma propre maison. Et mon propre frère m'a menacé, il a volé mes trucs, il a fait des trucs. Ma maison était dans l'insalubrité. Il me menaçait quand j'étais au téléphone. Parce que, il veut dire que la menace qu'on te fait quand tu es à distance, c'est très dangereux. Parce que moi, je l'aide, je lui donne ma maison. Je lui donne ma maison parce que c'est très dangereux que quelqu'un habite chez vous. Et quand vous n'êtes pas là, il vous menace alors que vous lui donnez la maison gratuitement. Que ce soit les femmes. Hein. Parce que quand vous parlez, comment je vois les gens ici. Quand Lorraine Munger va maintenant agresser Coco, je vois beaucoup les gens qui se plaignent sur Lorraine. Mais il faut savoir aussi que les injures, c'est aussi une agression psychologique. Vous comprenez, c'est pas seulement parce que l'autre a attrapé l'autre, mais parce qu'il y a aussi les insultes. Les insultes sont très dangereuses que quand on t'attrape. Moi, j'ai subi ça aussi parce que ici, moi, j'ai merci beaucoup, Julie Matignon. Moi, j'ai vu ici, là, voilà, dans les réseaux sociaux, les gens disent que Lorraine, non. Lorraine était menacée psychologiquement là où elle était. C'est-à-dire que Coco Lago l'agressait avec verbalement. Et les agressions verbales, ça blesse quand tu ne peux pas venir. Ça te tue. Parce que même je suis sûr aussi que quand elle insultait Lady Ponce qui n'était pas à la main, Lady Ponce souffrait. Parce que quand tu insultes quelqu'un à distance, la personne ne peut pas venir, la personne a pitié de toi, la personne ne riposte pas. Tu insultes. Tu es en train de blesser, tu es en train de combattre la personne psychologiquement. La personne peut tomber d'une crise, hein, parce qu'à t'écouter, comment la personne va penser que mais je t'ai aidé, mais toi, tu me insultes verbalement dans les réseaux sociaux, tu me insultes de tout, tu touches à ma famille, tu touches à mon couple, tu touches à tout, mes chéris, ça tue plus que quand on... Moi, il peut faire qu'elle vienne m'accueillir la bagarre, tu me foutes. Mais pas de s'asseoir sur ma famille, ma vie privée, ça tue plus. Et c'est ce que Coco Lago fait. Parce qu'il ne faut pas que vous... Les gens sont trop hypocrites. Je suis allé dans son direct hier soir. Autant j'ai dit, elle a dit, bon, c'était pas le même système. Moi, je n'ai pas supporté ça. Parce que c'est Lady Ponce qui l'a gardé, qui l'a tendu la main. Alors, s'il arrive un problème, la seule chose que tu fais, quand la personne te tend la main, tu ne perds pas le droit. Même si tu perds un petit truc, déjà que tu restes chez la personne, tu devais quand même. En tout compte, souvent que l'humilité précède la gloire. Quelqu'un qui t'héberge la maison que tu ne peux pas payer, même si tu perds même ne serait-ce que l'eau et l'électricité, mais déjà tu ne peux pas payer un loyer. Si tu perds l'eau et l'électricité, c'est normal. C'est très normal. Ça ne fait pas de toi propriété de cette maison. Bon, pour les qui pensent, elle a filmé un peu les endroits de la saleté, elle a gardé. Vous savez, moi, je ne peux pas insulter Coco Lago. Mais ce comportement qu'elle a, il faut que vous lui dites la vérité. Vous dites qu'on veut les Coco Gants. Non. Moi, je suis entré dans son direct. En plus, j'ai la pitié pour elle. Je ne peux pas l'insulter, mais j'ai de la pitié parce que Coco, ça fait depuis plus de 25 ans. C'est-à-dire que c'est les filles qui sont venues avant nous en Europe. Elle était d'abord en Suisse. En Suisse, ici, je l'ai rencontrée. Quand je venais d'arriver, je l'ai rencontrée comme ça, là. Mais j'entendais parler d'elle. Et quand j'avais rencontré dans les fêtes comme ça, au début, quand nous on était encore les arrières, on la voyait, c'était les femmes qui avaient vraiment de l'argent. Coco Lagom, parce que ce n'est pas la peine de retarder dans le passé. Ça, c'est les souvenirs que j'ai d'une fille raffinée, belle, intelligente, qui sortait avec des beaux sus, riches, roulée dans de belles voitures. Mais le passé, c'est le passé. Et quand on tombe, il faut chercher à se relever. Parce qu'elle est belle, elle est mince, elle est la femme que vraiment n'importe quel homme pourra prendre. Mais elle fait bien la cuisine. Mais je n'arrive pas à comprendre comment elle ne peut pas se faire même loger par elle. C'est-à-dire qu'avoir un homme pour pouvoir, parce que tu peux même être comme ça, tu cherches même un homme qui va te prendre, parce qu'en Europe, ici, les hommes, il y a même les blancs, hein, qui aiment les femmes, mais c'est 55 kilos quand même, hein, elle va attraper un blanc.
Au moins, ce qu'elle décide de ne plus être, parce que c'est une femme qui était les femmes des blancs, elle a décidé d'aller avec les Africains. Et c'est comme elle a commencé à aller avec les Africains, sa vie a commencé à basculer. Il faudrait qu'elle comprenne qu'elle est le genre de femme, qu'il faudrait qu'elle se retire des Africains, parce qu'elle est gens comme ça. Si tu es une personne qu'avec les blancs, ça marche. Si ce que tu parles des Africains, ça ne marche pas avec ta communauté, rentre là où les blancs sont pour essayer à refaire ta vie. Oui, tu n'as pas le choix. Si c'est là où tu as la tranquillité et le bonheur, va là-bas. Et si tu vas cacher chez tes frères, parce que c'est une femme qui a beaucoup, elle a du tempérament, au fait. Coco Lagoa du tempérament, ça ne marche pas. Vous comprenez? Moi, je n'ai pas supporté son attitude avec Lady Pons. Hein. Parce que quoi qu'on dise, elle a fait le combat pour dire, mais ça n'a rien abouti parce que les réseaux sociaux, ça trompe les gens. Vous comprenez? Parce que c'était mieux, parce que les gens qui adorent les femmes se faire salir comme ça, les gens qui adorent les femmes venir insulter les gens qui l'ont aidé, et on va venir faire croire à Coco Lagoa qu'elle a raison. Non, elle n'a pas raison. Non. Même chez le blanc, quand on vient chez le blanc, pourquoi il t'aide à te donner les papiers, tu donnes un dossier, mais si tu fais un crime, tu es quelqu'un de désordonné, on te retire les papiers. C'est comme ça. Vous n'avez pas dit, quand tu vas te retirer les papiers, tu ne vas pas dire que, oh non, les blancs sont méchants, les blancs, non, ils t'ont donné les papiers pour te permettre. Et quand tu fais un délit qui est grave, ils te retirent ces papiers-là, on te rapatrie. C'est partout. Je te donne ma maison gratuitement. Mais quand tu viens, si toi et moi on a les problèmes, on peut discuter derrière. Mais ça ne donne pas le droit de me gronder. Parce que nous, on a cette habitude-là de gronder la personne qui nous reçoit. C'est-à-dire qu'on va un peu jouer le genre. Parce que là, elle joue un peu, c'est elle qui est maltraitée. Non. Le jeu que Coco Lagoa joue, c'est très dangereux. Parce qu'elle croit qu'elle est intelligente. Elle croit que le fait de venir crier dans les réseaux sociaux, ça fait à ce que les gens ont pitié. Non. Elle s'est salie. Elle s'est elle-même salie. Parce qu'elle a fait pendant presque beaucoup de mois salissant Lady Ponce. Mais elle s'est salissée parce que. Lady Ponce, elle a sa vie. Tout ce qu'elle peut dire, Lady Ponce a quand ses papiers, elle a le logement, elle a une vie, elle peut voyager comme elle veut, elle n'est pas quoi qu'en Europe. Tu vois, tu vas la salir tous les jours, et puis tu vas à Lourdes, tu vas prier. Et moi, je me dis, quelqu'un qui va prier doit rester calme et rester dans la prière. Hein? Parce que ça n'a pas de Lourdes qu'elle a fait là, je ne sais pas. Tu ne peux pas aller faire la prière, tu pries le Seigneur de t'aider, mais tu passes ton temps à insulter les gens et les diffamer, et puis. Ou soit c'est pas Dieu que tu pries, ton Coco Lagoa, c'est Lucifer que tu pries. Tu fais semblant d'aller prier Dieu, mais tu pries Lucifer. Parce que Dieu que tu pries, Dieu demande d'être pardonné. Il demande, c'est-à-dire que de te battre, de pardonner à tous ceux qui t'ont fait du mal. Et quand tu demandes à Dieu de t'aider, ma chérie, il faut demander pardon à ceux que tu as fait, à ceux que tu as fait du mal. Même s'ils t'ont fait du mal, demande. Parce que quand tu demandes même pardon à ceux qui t'ont fait du mal et que tu as fait des échanges, Dieu va regarder ton cœur et il pourra te conduire vers des personnes qui vont t'aider. Tu ne veux pas aller faire la prière, même en faisant la prière, tu commences à dire, j'ai prié sur vous pour que votre vie bascule. Dieu ne peut, tu ne peux pas prier, mais quand tu pries, c'est ta vie que tu tues. Parce que les femmes qui vont à Lourdes, je ne comprends pas. Quelqu'un va aller à Lourdes prier pendant 7 jours, c'est, ou bien c'est 10 jours. C'est mardi, je fais ce que le feu de Lucifer vous bat. Non, chez Dieu, il n'y a pas ça. Quand tu viens chez Dieu, ça veut dire que enlève ce que tu as comme problème. Tu entres dans le temple de Dieu. Avant d'entrer dans son temple, tu demandes d'abord pardon à Dieu pour tout le mal que tu as fait. Parce que vous venez tromper les gens dans les réseaux sociaux. Ce que tu as sali, ce que tu as détruit, ce que tu as diffamé, tu demandes d'abord, Seigneur, pardon pour ce que j'ai fait. Même pardon pour ceux qui m'ont fait du mal. J'ai envie de recommencer à zéro. Seigneur, guide-moi. Mais quand tu fais tes prières, c'est dans le calme. Et tu parles en bon, en bien, pour ton cœur. Et que le Seigneur essuie tes larmes. Et qu'il t'aide. Mais moi, j'ai dit sa prière, c'était que, oh, j'ai pris le Dieu de ceci. Marie, quand je suis les gens, j'ai fait les prières de ma chère pour les autres. Ça ne marche pas. Ta vie va aller à l'enfer parce que Dieu n'est pas pour ça. Dieu n'est pas pour les gens qui mentent. Parce que tu mens. Dieu n'est pas pour ça. Jamais tu vas prier Dieu contre les autres. Tu pries Dieu. C'est pas comme ça. Prie pour ta vie qui ne donne pas. Prie pour ta vie qui ne donne pas pour qu'il t'aide. Même si les gens t'ont fait du mal. Prie-le. Moi, j'ai eu un moment que les gens m'ont fait du mal. Vous savez ce que j'ai fait. Je n'ai pas fait du mal à ces personnes. J'ai pris ma Bible, Nyangono. Je me suis mis à prier. J'ai pleuré à chaud de larmes. J'ai dit que Seigneur, pardonne-les. Je n'ai pas dit au Seigneur de les punir. J'ai dit Seigneur, pardonne-les. Peut-être j'ai été bien ou peut-être j'ai fait des fautes. Seigneur, aide-moi à changer ma vie. Aide-moi à trouver mon chemin, Seigneur. Pardon. Éclaire ma lanterne. Je ne veux plus entendre parler d'eux. Fais à ce que je les oublie dans ma vie. Même s'ils m'ont fait du mal, Seigneur. Je ne les veux pas du mal. Je les laisse partir avec les machins. Mais aide-moi à retrouver mon chemin. La paix intérieure. La paix intérieure spirituelle, Seigneur. Et que je puisse trouver l'amour. Et Seigneur, dirige-moi vers quelqu'un autre qui pourra me partager son amour avec moi et qui sera vrai. Et oui, ça marche. Parce que là, tu demandes pardon. Tu dis, Seigneur, je ne veux plus avoir affaire à ces personnes. Même s'ils m'ont fait du mal, pardonne-les. Et aide-moi. Oui, parce que ton cœur, tu te libères. Libère-toi. Coco Lagoa. Tu ne peux pas faire que.
Les gens te donnent la maison, mais il faut parler la vraie. Parce que vous êtes ici, Coco Gam. Ça, c'est les réseaux sociaux. Coco Lago est une belle femme, 55 kilos. Moi, j'avais cru, sans vous mentir, quand j'ai vu dans la maison, la cuisine, je ne sais pas si c'était la cuisine de Lorraine Mungo. Vous avez dit que Lorraine Mungo a fait. Moi, j'ai dit que c'est un cadeau empoisonné, oui. Puisque c'est ce qu'elle même dit, moi, j'ai considéré que c'est un poison. Parce que quand je réplique, c'est pour te dire, bon, comme c'est un poison empoisonné, quitte dans cette maison-là. Puisque c'est empoisonné, quitte de là. Maintenant, venant dans les réseaux sociaux, vous accusez Lorraine Mungo. Qu'elle est méchante, qu'elle est ceci. Non, ça n'a rien à y voir. Même s'ils ont les problèmes, c'est Lorraine qui est à la maison. Et moi, j'ai vu là où Coco Galagoa passait toutes les journées à insulter Lorraine Mungo. Dit comment elle va gâter le mariage, comment elle expliquait la vie de ce monsieur alors que nous, on n'était pas au courant. Écoutez, ce n'est pas Lorraine Mungo, hein? Attention, parce que vous êtes là maintenant, vous dites non. Lorraine Mungo a souffert. Moi, j'ai vu son direct quand elle venait de la gare. Elle pouvait tomber d'une crise. Parce que le fait de penser que le Coco Lago ait fait les directs en étalant sa vie, Lorraine a souffert aussi. Et je l'ai vu une fille abattue tomber chez elle dans sa maison quand elle a souffert. Elle nous montrait qu'elle, même si c'était son homme, vous voulez parler du Coco, parce qu'elle dit ce n'est pas son mari, mais c'est l'homme avec l'homme qu'elle a trouvé la maison. Nous tous nous passons par là. Nous tous nous passons. On ne peut pas venir dire qu'elle a dit que Lorraine Mungo n'est pas mariée avec le monsieur. Elle va gâter, elle va chercher un autre monsieur. Elle dit que le monsieur c'est son frère. Arrêtez souvent de gâter la vie des gens. Dieu ne peut pas t'aider, Coco Lago. Si tu veux, tu fais le direct demain, tu m'insultes. Je suis véridique avec toi. Quand quelqu'un te fait quelque chose, ma soeur, t'aide. Même si la personne la première, appelle parce que tu n'es pas sûr. Tu es. Mais comment en Europe ici, trouver quelqu'un qui te donne la maison quand elle n'habite pas dedans, tu habites dedans. Et tu es là toute la journée à faire les directs alors que tu peux chercher un boulot. Moi, j'ai parlé un direct là, dans le premier direct avec lui. Je pense que pour te sauver en Europe, cherche un boulot. Tu es une bonne cuisinière. Cherche un petit boulot pour avoir au moins, à moins un petit CV. Cherche un boulot. Tu es une cuisinière. Va dans une des cuisines. Va aussi porter garante pour être cuisinière chez les Blancs. Pour avoir un contrat de travail. Et au moins un contrat de travail. Quand tu gagnes, même si tu gagnes même 1000 euros, c'est déjà bien pour toi. Ça essaie de t'aider toi-même. Tu as déjà un contrat de travail, tu gagnes peut-être 1000 euros. Et puis, en dehors de cela, tu fais ta cuisine aux femmes qui les gens, parce que ce n'est pas tous les jours que tu as la clientèle. Là, maintenant, avec ce papier, tu peux avoir un logement, même de 2 pièces, parce qu'ici, chez les Blancs, il y a les pièces de 400 euros. Oui, c'est joli, petite cuisine, la petite chambre, la douche, tu es là tranquille avec. Mais c'est beau. Ici, les Blancs construisent les choses toujours. Peut-être que tu veux Paris, tu sors dans Paris, mais tu t'éloignes. Tu cherches un petit endroit avec ton CV. Tu ne peux pas t'en sortir que tu es cuisinier, tu fais la cuisine, les gens t'appellent. C'est un truc qui n'est pas reconnu par l'État. Et alors aujourd'hui, Lorraine Mungo a raison. Vous allez me dire que non, quelqu'un va t'insulter pendant le moment de foi. C'est le moment que quand tu sais que c'est le foi. C'est à toi d'appeler Lorraine Mungo, même si c'est passé dans Facebook. Au lieu que les gens t'encouragent, les gens disent que non, tu as raison, on est derrière toi. Non, moi je ne suis pas derrière toi, ma chérie. Tous ceux qui parlent sont les gens qui te. Mais prenez alors Coco Lago chez vous. Pourquoi vous lui dites que Capion avait Capi, Capion avait. Mais je suis sûr que vous ne pouvez pas l'accepter chez vous. Son comportement, vous supportez, vous envoyez 5 euros. Ça ne sert à rien d'envoyer 5 euros à quelqu'un que elle-même, elle ne veut pas changer sa vie. Elle-même sortir dans ce bordel-là. Parce qu'il faut dire la vérité. Je ne suis pas en train de la clasher. Franchement, je ne la clashe pas. Il faut qu'une personne lui dise la vérité. Même si demain elle m'insulte, moi, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, même si demain. Il faut qu'elle écoute, elle voit mon direct et qu'elle m'écoute. Je ne suis pas son égal, elle est ma grande soeur. Je sais. Je ne suis pas sa petite soeur de loi, mais je suis un peu. Voilà. Mais je veux lui dire ici. Tout ce qu'elle fait, ça se retourne contre elle. Il ne faut pas qu'elle écoute les choses et que les gens vont lui dire capi. Capi de quoi? On est capitaine quand on a déjà un bateau, une propriété de bateau. On est capitaine quand on a une propriété. Tu peux être patron quand tu as déjà ta propriété. Tu peux être capitaine quand tu as ton bateau déjà. Qui est pour toi? Maintenant, tu emploies les autres. Elles sont là, capi. Mais deux qui t'appellent capi, elles sont chez elles en Europe, elles te supportent. Moi, j'ai cru que c'était ta maison. Moi, je n'ai pas su que c'était la maison parce que Lorraine n'avait monté la cuisine. Mais quand j'ai vu, Nyan connaissait des temps, si je l'ai vu dans les cuisines, j'ai dit que ah ben, c'était d'abord l'hôtel. Après, je l'ai vu dans une maison, toujours un endroit qu'elle montait. Je me suis dit que ah ben, moi, je ne savais pas que c'était sur Lorraine. Je me suis dit que peut-être elle a trouvé un appartement. Sans vous mentir, j'avais cru que c'était son appartement. Mais sans vous mentir, que moi, même si c'est ma maison que je te vois en train de faire des vidéos tous les jours chez moi, je vais me fâcher. Ça va commencer là-haut par l'énervement. Je vais m'énerver, dire que non, ne filme pas ma maison, tu veux faire les vidéos, va faire ta dehors sur la rue, je passe chez moi, ça va commencer les disputes. Il va dire que non, moi-même chez moi, je ne fais pas les vidéos, je suis la seule personne qui doit faire les vidéos dans ma maison. J'avais cru qu'elle avait trouvé la maison, hein. Je ne vous mens pas, mes soeurs. C'est maintenant la case sort encore que c'est Lorraine Mungo. Il m'a dit que mais merde, c'est pas possible, c'est encore chez Lorraine Mungo et qui. Ma chérie, à fond, c'est comment? Pardon, il faut aller au Cameroun, tu vas te laver, ça, il y a quelque chose qui est mystique là. Va te laver, tu as ta famille qui vit, ta mère vit, je ne sais pas moi, quelqu'un de ta même ta tante t'amène au village. Franchement, on peut aussi te laver, on enlève cette poisse-là. Et dorénavant, ma soeur, quand quelqu'un te donne la maison, arrête de venir diffamer la personne. Non, ne supportez plus. Parce que changez-moi un peu aux gens qu'elle a diffamé là.
Changer, moi je dis qu'elle était une personne bien à l'époque. Oui, elle hébergeait les gens à l'époque en Suisse. Elle est parce que son temps, le temps, les années, machin, les années 2000, ce n'est plus les années 2023. Ça fait peut-être 15 ans aujourd'hui ou 20 ans aujourd'hui que tu as hébergé les gens. Ne crois pas que comme tu as hébergé ces personnes, il faut que les gens que tu as hébergé, que tu as aidé, doivent t'aider. Parce que les gens qui t'aident aujourd'hui, tu ne les as jamais hébergés. Parce qu'il ne faut pas qu'elle prenne la raison que moi j'ai donné les gens, j'ai aidé les gens. Mais nous aidons tous les gens. Nous aidons tout le monde. Moi j'ai aidé les gens aussi. J'ai gardé mon propre frère que j'ai hébergé dans ma maison. Qu'est-ce que je l'ai fait? Je l'ai chassé sans préavis. Quand je suis parti chez moi, je l'ai mis parce que j'étais psychologiquement abattu parce qu'il me menaçait au téléphone. Il me dit que les menaces qu'on te fait quand toi tu donnes ta maison à quelqu'un, hein, la personne te menace. Il est au téléphone, il t'accroche au téléphone, il vient, il s'amène, il parle à tout le monde que il va te faire ceci. Mais quand je suis devenu minuscule comme ça parce que c'est ma propriété. Parce que tu as insulté le Raymond, tu as insulté son nom. Moi, j'ai suivi comment tu as insulté tous les dégâts de moi, je suivais. Tu as insulté ton nom un peu. Oh, Omar, c'est mon grand frère, il va m'aider. Je vais quitter de là. Quand il m'aurait dit de quitter, je ne quitterai pas de là. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ici en Europe, que les gens ne vous manquent pas. Quelqu'un te prête sa maison. Le jour que la police vient, la police demande d'abord si tu as un contrat de bail. Ce que vous racontez, la coco, la goa, hein. La police vient lui dire d'arranger ses bagages et partir l'accompagner. Ce n'est pas que la police vient chasser le règne et son compagnon. Jamais de la vie. Ils n'ont pas de contrat. J'ai même parlé à mon chéri ici. Il a dit que maintenant. J'ai parlé à la police. Il m'a dit que jamais. J'ai écouté. Après, je l'ai fait un peu expliquer. Il a dit que jamais. Si la dame lui a donné la maison gratuite, c'était elle qui devait remercier la dame en ce moment de foi. Et que si elles sont en foi, elle ne devait même pas faire les directs pour insulter la dame qui lui a donné les papiers. Et n'est pas privé, c'est-à-dire que parler de la vie. Même si la dame a un copain, c'est des copains, c'est deux personnes qui sont connues avant, ils ont fait les choses ensemble. C'est Lorraine Mengue, on a vu, c'est elle qui a arrangé cette maison, c'était pas Omar. Lorraine Mengue, on nous a montré comment elle a entretenu la maison, elle arrangeait, elle faisait des trucs elle-même. On a vu. Il n'y a pas une femme, elle partait défricher, elle faisait défricher, elle arrangeait tout, la cuisine, tout ça, on mettait. Elle était là quand la maison, elle nous a montré comment la maison était encore, elle a fini d'arranger. Et puisqu'elle n'habite pas, on te donne la maison, ma chérie. Il faut dire gracias. Tu dis merci, Seigneur, même si tu as les problèmes avec elle. Mais tu ne peux pas venir préparer parce que c'est qui m'énerve. Vous, les Camerounais, tu es comme ça. Tu viens, tu prépares la nourriture, tu commences à dire comment tu as préparé son copain, t'appréciait. Voilà. Donc tu viens, ça veut dire qu'elle t'a amené pour que tu viennes gâter ça, son foyer. Non, non. Ça ne marche pas comme ça. Parce que ce que tu racontes, c'est du n'importe quoi. Tu viens parler de la vie de Omer. Tu viens parler de la vie de Lorraine Mengue, comment elle vient avec son mari. Tu parles de sa mère. Tu parles de... Elle t'a aidé pour que tu viennes entrer dans la vie de sa famille. Ce n'est pas possible. Mais là, je vois le théâtre. Je vois un théâtre sur les réseaux sociaux. Et on apprécie. Moi, je n'ai pas apprécié. Je suis allé dans son direct hier. J'ai essayé d'écrire. Je ne pouvais pas. Parce qu'à un moment, je voulais écrire très mal. Après, il dit que si j'écris mal, elle va se retourner contre moi. Parce qu'elle tapait un peu qui va écrire n'importe quoi. Mais je vais faire ce direct en disant, ma chère. Tu vas la porter, tu vas les porter plainte. Ils t'ont donné la maison gratuitement. Il n'y a aucune plainte qui va. C'est l'Europe chez le blanc. Il n'y a aucune porte. Ils t'ont tendu la main chez le blanc. Tu n'as pas un contrat de bail. Ton nom n'est pas écrit. Tu n'as pas signé un papier avec eux. Si j'avais signé un papier avec eux, que tu allais payer le loyer, c'est là où tu devais avoir raison. Parce que la police allait exiger le tribunal. Le jour que tu trouves un logement avant que tu quittes là parce que tu payes le loyer, là ça veut dire que c'est comme quand tu loues, tu es patron. On ne peut pas t'enlever comme ça. Et là tu auras raison. C'est eux qu'on allait demander de partir. Mais là, ils t'ont tendu la main. Que les gens de Kokonga écoutent très bien. C'est Lorraine Mengue qui a tendu la main à eux. Maintenant, si Lorraine Mengue apporte toutes les vidéos qu'elle parlait, la police serait contre Coco. Vous comprenez? Écoutez, parce qu'elle a trop parlé des choses. La police ne sera pas. Même si Coco, même si Lorraine Mengue lui a plaqué le sol. Non. On va comprendre que c'est deux Africains dans la colère. Vous comprenez? La police ne va rien faire à Lorraine Mengue. Je crois que Lorraine Mengue est française. La police ne va rien la faire. Mais restez ça, on sait que c'est des Africains. On va même mettre là parce que comment, on sait comment. Vous savez encore en France là, ils vont se mettre ça comme ça. Il suffit que le copain de Lorraine Mengue et de Lorraine Mengue, il suffit que les deux bouchons ensemble, c'est terminé. Hein. Coco Lago père, si le copain, parce que j'ai vu son bouchon, il a dit, tu m'as insulté, je t'ai tendu la main, tu m'as insulté. Alors ça veut dire que Coco Lago, c'est lui, c'est sa maison. Alors il va dire, je suis avec ma femme, ma copine, alors Coco Lago est à l'écart. Vous croyez que Coco Lago va venir déplacer Lorraine Mengue dans cette maison? Parce qu'elle a dit, je vais te déplacer, je vais récupérer la maison. Ma chérie, quand ils ont commencé, tu n'étais pas là. Mais alors, disons la vérité. Disons la vérité. Que quand tu tends la main, ma soeur, même si vous avez les problèmes n'importe comment, apprenez souvent à résoudre vos problèmes derrière. Et quand tu envoies les voices pour l'insulter, envoie les voices intelligentes. Tu n'insultes pas. Waouh, 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 waouh. Tu es ceci, je vais te montrer. Je vais te faire ceci. Et maintenant, quand la propriété arrive, tu te calmes, tu dis comme ça, tu es plus forte que moi. Non, arrêtez ça. Les gens qui te supportent parfois dans les réseaux sociaux, là, maintenant quand tu n'as pas même personne, et allez à Coco Gang, et allez héberger alors Coco Lago. Vous parlez, allez l'héberger s'il vous plaît. Vous êtes à Paris, non? Appelez-la, vous la mettez chez vous. Parce que moi, je ne pouvais pas. Hein. Parce que la façon qu'elle voit la maman, je vois ma mort. Je vais souder mon mariage. Je ne veux pas que demain, quelqu'un comme ça entre chez moi, elle va étaler toute ma vie.
Parce qu'elle elle est un peu. Coco Lago n'est plus elle-même. Regardez un peu. Cette fille a un problème. Elle a un problème. Finalement, quand je l'ai vue même sur la route assise, elle appelle. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est en, elle est en dépression. Elle va venir mentir si qu'elle n'a pas. Non, Lolo, Coco Lago a des problèmes. Elle a besoin d'aide. Elle a besoin. Attention. Vous allez trouver comme ça ici l'Europe, comme ça qu'elle est devenue folle. Vous comprenez? Parce que quand elle a pensé à tout ce qui l'arrive là, elle peut déprimer, devenir folle. Il ne faut plus l'encourager. Dites-lui, t'appelles-lui 5 coups, dis ma soeur, sors dans les réseaux sociaux, va t'occuper de ta vie. Si vous voulez l'aider, chercher le boulot, vous l'appelez de venir faire les vous montez là où on cherche le boulot pour commencer à l'aider et vous l'hébergez alors pour 2 mois pour qu'elle cherche un boulot. C'est comme ça qu'on est, vous ne pouvez pas aider avec les 100 francs. Tu vas donner, vous allez donner les PayPal. Demain, elle va les retirer, ça va finir, ça ne va pas changer. Ça ne peut pas l'aider à prendre le logement, sauf peut-être l'hôtel. Oui, les hôtels qu'on prend, ce sont les petits hôtels. Combien de temps? Vous allez payer combien de temps les hôtels? Et même si vous réussissez à prendre l'argent pour lui donner, il ne faut pas qu'elle s'assoie toute la journée à faire les directs. Il faudrait que le coco la gauche cherche un boulot. Je veux dire que le boulot, c'est l'assurance en bain. Est-ce que ce n'est pas le bavardage? L'Europe, si c'est l'assurance, c'est le travail. Tu ne peux pas avoir un contrat de bail si tu n'as pas le boulot. Est-ce que je mens? Est-ce que je mens? Elle va aller au CMU. Elle va aller maintenant au 114. Alors, si ce sont les mamans avec les enfants qui sont prioritaires et les personnes âgées, hein. Une femme qui est belle, jeune comme ça, on va la mettre d'abord de côté. Hein. On va lui donner un petit endroit pour dormir dessus. Hein. Mais c'est bon. Hein. Dès que, même là où elle est à l'hôpital, on va la soigner. On attend qu'elle est vous parce qu'il fait froid. On va lui donner un endroit pour dormir. Dès que ça commence à finir, on va lui demander. Elle doit se chercher parce qu'on ne peut pas quand même. Elle n'est pas handicapée. Elle n'est pas handicapée. Elle raisonne bien. La seule chose qui pourra aider Coco, il faudrait qu'elle quitte dans ce milieu-là. Qu'elle arrête de prendre les aides des gens. Parce que quelqu'un ne peut pas t'aider demain. Parce que quelqu'un t'aide demain, c'est la personne qui est mauvaise. Oui, c'est comme ça dans notre milieu. La personne qui te tend la main, c'est la personne qui devient la plus mauvaise. Et la personne qu'on tend la main devient la plus dangereuse. C'est elle qui joue. C'est elle qui joue les westerns. C'est eux qui viennent les westerns. Ou bien les ninjas. Tu veux un ninja dans la propriété de quelqu'un. Sur le blanc en Europe ici. En Europe, la personne se décide même à minuit, tu mets dehors. Si tu n'as pas de contrat, tu crois que la police va lui faire quoi? La police vient demander est-ce que ton nom est dedans? Tu dis non. Est-ce que c'est comment on dit qu'on t'a aidé? La police va t'aider à prendre tes bagages et partir. Oui, la police t'aide. Il va te dire tu ne connais pas loin. La police t'aide. Sors-tu pas de mieux poste de police là-bas? C'est comme ça que les policiers. Chez le blanc, ça n'existe pas ce que vous pensez dans les réseaux sociaux là. Tu n'as pas ton nom sur la porte et que tu n'es pas reconnu. Ton nom n'est pas dedans. Ma chère, le blanc regarde le contrat de bail. Ton nom n'est pas là. Si on t'a donné gratuit, si tu as un contrat de bail que tu payes le loyer, tu as déjà un point. Tu as gagné un point. Tu as déjà. Mais l'aide que vous entendez, l'aide là, n'importe quoi. La police vient te retirer là-bas. Oui. Et on te demande de me faire le bouillon. On te porte dans les carrés. C'est toi qui aimes la folle. Là, maintenant, c'est elle qui est la folle. Hein. Parce qu'on va trouver un couple qui habite là-bas. Et les voisins vont témoigner que le couple. Parce que la police demande aux voisins. Laurent n'a jamais fait le bruit là-bas. Parce que si Laurent faisait les problèmes avec les voisins là-bas, là où elle habite, on va comprendre qu'elle, elle est une femme qui fait. Mais elle était là-bas avec son homme. Jamais. Mais c'est Nyangono qui arrive dans le quartier. Elle appelle les voisins. Oh là. Voilà, même les voisins ont témoigné que non, depuis que le couple est ici, on n'a jamais entendu le bruit. Et puis, on va dire, dès qu'elle est arrivée, c'est elle qui a appelé. Ça veut dire que c'est toi qui as les problèmes. Chez les blancs, on va dire, c'est toi qui as les problèmes. Dans un quartier, on ne t'a jamais vu. Dès que tu arrives, c'est toi qui fais le bruit. Le blanc n'est pas. Ce n'est pas l'Afrique que tu vas connaître un policier qui pour. Chez le blanc, ça n'existe pas. Hein. Ça n'existe pas. Donc, dites à votre coco. Moi, je l'ai parlé en soi, je dirais que ma soeur quitte de là. Tu ne peux pas faire le bras de fer avec quelqu'un qui t'a donné. Vous partagez pour dire que oui, Lorraine, parce qu'elle était Lorraine, que vous partagez. Allez l'aider maintenant. Là maintenant, elle est sans abri, vrai, vrai. Là maintenant, elle est sans abri. Et quand elle va encore trouver encore la dormir, elle va encore mettre ses chaussures, aligner ses chaussures, les sacs, venir s'habiller tous les jours, ma soeur. Trouve la situation d'abord où tu vas vivre. Parce que l'Europe, c'est quand tu n'as pas, tu es une junkie. Junkie, une junkie. Maman, je préfère avoir mes deux pièces et je suis dedans tranquille. Parce que l'Europe, c'est la seule chose qui est plus importante. Quand tu as la maison, on te respecte. Même ces deux pièces. Mais si tu es quelqu'un que tu n'as pas, tu es, je dis que tu es plus sans caleçon que sans caleçon. Tu vas aller chez qui ici en Europe? Tu vas aller chez une soeur camerounaise, elle te garde deux jours de chasse. Tu vas aller chez un frère, tu l'as amené, puisque tu ne vas pas, il ne va pas te donner un domaine dans sa maison. Lui, pas travailler, il paie l'électricité, il paie le loyer, tu dors. C'est en Afrique qu'on loge les gens, parce que moi, au Cameroun, je peux loger les gens parce que je suis seul. Je ne paie pas de loyer. J'ai l'envie de l'accompagner. Mais ici, je ne peux pas loger quelqu'un chez moi. Si tu viens te loger une semaine, maman, deuxième semaine, ma tête commence à jeter l'air, parce que c'est moi qui vais payer l'eau. Tu te laves avec l'eau, c'est moi la facture que je paye. Tu te laves, c'est moi qui paye l'électricité. Et puis, dans tout ça, elle avait l'eau et l'électricité. Qui payait? C'est les Lorraine qui paye avec son nom. Oh, on a venu couper. Moi, j'ai vu, on a coupé. J'ai eu pitié de paix parce que couper comme ça le foie. Elle vient dire qu'ils m'ont coupé. Ils m'ont coupé. Maman, elle se fâche. Elle gronde. Non, ma chérie. Tu devais supplier. Enlever les faits. Elle dit que ma banane, tu te mets même à genoux. Oui, dans les sions, on se met à genoux. On dit que l'humilité possède la gloire.
Tu te mets à genoux, tu dis que pardon. Tu coupes toutes tes vidéos là. Le jour que tu fais tes vidéos, tu ne les insultes plus. Tu dis que oh, tu vas faire ceci, tu vas la montrer, tu vas la montrer. Tu vas montrer comment que quand tu ouvres sa porte, tu lui viens de montrer la bagarre, mon frère. Hein, Coco Lago. Que quand tu ouvres sa porte, même si elle est n'importe comment, passer de toi en elle, tu vas dire qu'elle est ceci, mais elle a quand même des logements à Paris, elle a ses enfants. Elle est quand même française, elle a sa mère qui est là. Ça veut dire que si ça va pas, elle va dormir chez sa maman. Et j'ai vu le Omer, que tu parlais de Omer au début, que oh, Omer c'est un frère du village, oh, Omer c'est ceci, Omer a apprécié ma nourriture, Omer est un homme que tu ne peux pas. Tu viens parler de leur vie privée, tu parlais Omer a fait comme ça, après tu dis que un couple machiavélique, tantôt tu supportes Omer, tantôt tu fais un direct, tu dis que Omer c'est ceci, oh machin, maman, alors que c'est sa maison, tu dis, c'est toi qui viens dire comment il paie son loyer, pourtant Omer n'a jamais parlé de cela. Hey, on peut faire ça à Dama. C'est toi qui parles de la vie de ce type. C'est pas Laurent Mengue, c'est toi qui parles de la vie de ce Omer là. Hey, ma soeur, on peut mettre chez quand tu viens détailler la vie de l'homme de Touy. Tu pouvais même parler de Laurent Mengue, tu ne parles même pas de Omer, ni de la mère de Laurent Mengue. Tu viens parler de la mère de Laurent Mengue. Il fallait parler de Laurent Mengue. Là, tu es exagéré. Non. Même Omer qui t'a donné. Aujourd'hui, tu changes la bouche, tu parles de lui. Après, tu dis que je partirai quand il a ce qu'il a décidé de me donner. C'est devenu une obligation. Donc lui, il t'a accepté. C'est Omer qui a payé la. Tu as dit ceci. Elle dit ceci. C'est Omer qui paye 1500. Elle a dit 1000 euros, c'est 1500. Massa. Laurent Mengue ne paye rien. Massa. Oh là. Si Omer à la maison, c'est Laurent Mengue qui l'a projeté d'avoir la maison. Est-ce que tu étais dans leur vie? La personne qui passait en été là-bas, elle nettoyait, c'était pas Omer, c'était Laurent Mengue qui nettoyait et qui arrangeait. Maintenant, il sait déjà bien, maintenant, elle te voit, elle te dit que ma soeur vient d'habiter. Tu dis maintenant que c'est un truc empoisonné. Oui, c'est empoisonné, ça dépend aussi de ta bouche aussi, ça dépend de comment ça a commencé derrière, parce qu'elle a eu le temps de t'appeler. Même j'ai compris comment Omer a dit, c'est à cause de toi qu'elle est arrivée ici, parce que j'ai entendu, là, elle t'a plaqué au sol. Omer a dit, c'est toi qui as amené ta copine ici. Ah, ça veut dire que Laurent Mengue t'a appelé de venir quand même rester. Ce n'est pas Omer, mais après, tu as commencé à prendre Omer, mettre devant. Laurent Mengue te fait venir, tu commences à prendre Omer pour commencer à faire la talakou à Omer. Oh là. Donc tu voulais à tout prix que Omer se sépare de Laurent Mengue. Non, c'est pas comme ça, ma soeur. Mais à la fin, Omer est venu avec Laurent Mengue pour te mettre dehors. Il a pris tes téléphones. Parce que la vie qu'il a vécue avec Laurent Mengue, ne venez pas seulement à la vie des gens pour gâter la vie des gens. Que quand tu étais en la main, tu viens parler de son couple, mon frère. Tout ça pour vouloir gâter. Et à la fin, tu es où? Tu es en route. Vous les cocos gang, cotisez alors. Cotisez. Elle dit qu'elle va aller en justice. Tu parles en justice que vous avez un contrat. Qui vous manque même? Est-ce qu'elle aime, elle a un problème? Elle dit, elle écrit, on va aller en justice. Justice avec quoi? Tu as l'argent pour payer l'avocat. Tu as l'argent pour payer l'avocat. Est-ce que c'est la justice? Tu es mère abattue. Tu es mère avec les enfants que ton mari t'a frappé pour qu'on va te donner. On ne va pas t'aider parce que la police, ouais. Nyangono, on ne va pas t'aider. Parce que tu es bien en santé. Tu es une belle femme. Il y a les gens qui ont plus les problèmes que toi, qui sont les familles avec les enfants. Les femmes avec les enfants sans abri, la compagnie, les vieilles personnes. Tu vas arriver, tu vas te voir bien sapé. Bon, je suis Louis Vuitton, sac Louis Vuitton. Chez les Blancs, ils vont te regarder, ils vont dire que, ah là. Donc ça veut dire que tu aimes la belle vie. Tu vas venir, les policiers emballent tes choses avec toi. On voit les sacs Louis Vuitton, les chaussures Louis Vuitton, les sacs Chanel. Ah ben, hein? Ah bon? Mais les Blancs, ça parle beaucoup, hein. Déjà, ils vont te juger, ils vont regarder que mais celle-là, elle va vivre la vie bien. Après, ils vont te dire, madame, ils vont te donner un numéro que va là-bas appeler, et puis c'est fini, là. Ils vont t'accompagner avec tes bagages, et puis c'est terminé. Et puis, on passe. Mais c'est pas possible. Nyang, on est cherché un boulot, ma soeur. Arrête de te ridiculiser. Les gens qui te supportent, là, les capis de quoi? Capis Makala. On est capis. Seigneur, quand j'entends capis, sortez. Vous avez les abonnés. Mais votre vie, c'est la merde. Il veut que les gens s'assèrent, les gens qui l'encouragent, les insultent, je vais dans son dire, les gens insultent, l'encouragent. Vous encouragez quoi? Quand on aime quelqu'un, on lui dit la vérité. Si vous l'aimez, c'est l'Europe. Nyango le mari là. Il manque un père. Moi je dis que la façon que je l'ai vue là, la fille là va être, elle est presque dépressive. Comme vous l'avez, quelqu'un qui va parler comme une machine comme ça, la fille elle est dépressive. Parce qu'elle n'a que le mal dans son langage. Le mal, ça veut dire que. Sa vie, je ne sais pas ce qui est arrivé, je ne sais pas quel problème elle a eu dans sa vie. C'est mieux, elle rentre au Cameroun, elle va un peu faire un bain. Parce que souvent, quand ça ne marche plus, va un peu te laver et tu te retires des gens, ma soeur. Éloigne-toi des Camerounais, si ça ne marche pas, éloigne-toi. Tu es une belle femme, va chercher les Blancs. Tente ta chance comme tu as fait au début quand tu es arrivé, va chez les Blancs. Va dans chez les Blancs, même si va dans les bars à champagne. Pas va dans les situations que ça ne va pas, mais va dans les bars à champagne. Oui, tu vas dire que oh, je ne suis pas une prostituée, mais tu veux quoi? Va où un homme pourra te découvrir et puis il pourra te donner ta chance. Oui, et que si tu ramasses un homme là-bas, tu te fermes, tu te soumets, tu restes tranquille.
Tu es une bonne cuisinière, tu es une femme propre, tu es une femme raffinée. Tu flattes l'homme là pour qu'il puisse te connaître. Après, tu cherches à te relever. C'est le seul moyen. C'est le seul moyen. Arrêtez de faire la gueule pour rien. Arrêtez de faire la gueule pour rien dans les réseaux sociaux. Je vous dis que les réseaux sociaux là, c'est les conneries. Hein. Quelqu'un peut s'habiller, mais la perruque, tout ça. Mais allez, je vous dis qu'allez voir derrière. Ce sont les personnes qui. Quand on vient comme ça, vous nous insultez que oh, maman regarde à côté des mêmes habits. Maman, mais derrière moi, mon frère. Et ne peut pas souffrir le logement. Hein. Et loup, si je veux, et loup, demain, je ne vais pas aller ailleurs. Et si je dis que je suis bien là, que quand on a la langue. Oui. On dit que quand vous arrivez en Europe là, Fabrice, si vous aimez la facilité, c'est ça parfois la finition. Parce que tu n'as. Parce qu'il y a un moment travaillé. Tu peux même. Parce que même ouvrir même une boutique ou bien un truc, quand ça finit, c'est un argent que tu as investi. Quand ça finit, ce n'est pas une sécurité. Mais quand tu travailles. Tu as, mais quand on va te dire que mais tu as fait, tu vas dire quand même que j'ai travaillé. Chaque jour, avec ton CV, même après même 10 ans, tu peux encore chercher ton boulot, tu peux encore aller retrouver le boulot. Mais moi j'appelle souvent parce que les Camerounais qui arrivent ici en Europe, hein, certaines aiment souvent qu'elles ne veulent pas aller chercher le travail. Pour elles, travailler c'est pénible au fait. Elles aiment l'argent facilement. Parce que les femmes qui arrivent ici là, qui trouvent les blancs qui leur donnent l'argent, c'est ça qui trompe souvent les femmes. Et parfois, c'est des femmes qui n'ont pas l'intelligence. Tu peux bien aller investir en Afrique parce que l'Afrique, ce n'est pas l'Europe. Ils ont dit que quand vous investissez en Afrique, hein, investisseur, il faut sécuriser l'Europe. Vous comprenez? Ce n'est pas la peine d'aller investir en Afrique et puis demain, et puis tu ne sécurises pas l'Europe. Demain, tu vas comment parler de ce que tu as fait en Afrique alors qu'en Europe, tu souffres. Moi, je n'ai pas le droit d'aller investir en Afrique. C'est pour la retraite. Attention. C'est pour la retraite. Il dit, préparez votre retraite. Faites des choses que demain, si vous voulez arrêter de travailler, que vous pouvez profiter de cela. Parce que le travail en Europe, il n'est pas profité. Si tu ne peux pas profiter, mieux, tu vas peut-être prendre la retraite rapidement. Tu vas aller en Afrique profiter de tes vieux jours. Ça, mais je dis aussi dans mes dilemmes, surtout, il ne faut pas s'oublier en Europe. Il faut avoir un appartement qui te convient. Porte tes habits, sécurise, travaille, prends ton argent, fais-toi du bien avec ton argent. Ça veut dire sécurise-toi. Ne prends pas investi parce que ce qui arrive à Niangon, c'est ça maintenant. Elle va nous publier un peu la maison qu'elle a conçue, elle va nous publier les voitures à l'époque au Cameroun. Non. Ça, c'est le passé. Ça veut dire qu'en Europe, elle a négligé l'Europe. Elle a eu l'argent à l'époque. Elle a passé. C'était l'argent facile parce que l'argent qu'elle a eu, elle raconte toujours j'ai eu des blancs qui me donnaient l'argent. Vous comptez parce que ça veut dire que depuis lors, elle a compté sur les gens. Voilà ce qui arrive aux gens qui comptent sur les gens, surtout les femmes. Parce qu'un homme peut compter. Un homme peut compter sur beaucoup de femmes qui escroquent de l'argent. Pour l'homme, un homme peut escroquer 10 millions de femmes. Il va passer son temps à escroquer. Mais une femme qui compte sur les hommes, et quand ça et que quand les hommes te donnent l'argent, et que tu penses que la vie là sera toujours pareille, et puis 10 ans après tu parleras que j'ai ressorti des hommes qui me donnaient de l'argent. J'allais dans les grands restaurants. Ça, franchement, je trouve ça trop bête. Moi, je trouve trop bête les gens qui disent j'avais, lorsque j'étais, quand j'étais, quand j'avais. Arrêtez de dire parce qu'elle dort toujours dans le passé. Maintenant, tu n'es plus sur le présent. Aujourd'hui, je n'en ai plus. Aujourd'hui, je suis tombé hier. J'avais à l'époque, je suis tombé hier. Aujourd'hui, je veux me relever pour que demain, j'assure. Je ne veux plus vivre comme ça. Aujourd'hui, de parler aujourd'hui, j'avais hier. Aujourd'hui, je n'ai plus, j'ai envie de me relever. Vous devez me parler, les Africains me toujours parler quand j'avais, ces blogueuses-là, quand j'allais dans les grands restaurants, quand j'allais dans les trucs de l'Elysée. Mais il faut voir la vie de merde de 15 ans aujourd'hui. Oh, on ne vit pas dans le passé, là. Moi, je peux dire, quand je suis arrivé en 2002, j'ai construit au Cameroun, je suis, depuis quand je suis arrivé, depuis lorsque je suis arrivé, j'ai travaillé, lorsque je suis arrivé, voilà, j'ai travaillé depuis des années, lorsque je suis arrivé, quand j'avais l'argent, j'ai investi l'argent au Cameroun, j'avais l'argent, mais attention, aujourd'hui, je travaille, aujourd'hui, je loue je paie mon appartement, c'est comme ça que vous devez parler. Alors qu'elles sont là, elles ont déjà là que c'est foutu, elles sont là, quand j'allais encore dans les Champs-Élysées, dans les grands restaurants 5 étoiles, et quand j'avais les blancs qui me donnaient 50 000. Maman, elles ne veulent pas se détacher du passé pour bondir, pour recommencer. Elles s'attachent au passé pour nous tourner les oreilles avec ça. Mais on s'en fout. Tout le monde a des passés. Les gens qui ont. Vous n'avez pas bien exploité votre argent, mais dans le passé, quand tu parles même du passé, parle un peu. C'est de ce passé-là même qui devait te garder aujourd'hui. Tu vas dire que l'argent, si aujourd'hui je suis, c'est le passé. Il y a de cela quelques temps, j'ai eu des centaines de mille euros. Voilà, aujourd'hui, je suis propriétaire aujourd'hui à cause de cet argent. Mais votre palais est parti où? C'est parti dans la sauce. C'est parti dans la haute, vous demandez les aides. Les femmes qui disent que quand j'étais, mais ils sont en train de demander les aides aujourd'hui. On est où là? Vous savez que quand tu aides les gens, si tu aides les gens, prépare ton futur. N'aide pas les gens en croyant que demain, quand tu vas tomber, c'est même jamais en te demandant. Tu vas parler beau, parler que tu tournes la main aux gens. Tu as aidé les gens. Mais on s'en fout. L'être humain est comme ça.
Aide même toute la terre. Le jour que toi tu tombes, les gens vont te tourner le dos. C'est comme ça la nature humaine. Oui. Tu vas rester à chanter, personne ne va t'écouter parce que chaque année, chaque temps, les choses changent. Ceux qui t'ont aidé, que tu as tendu la main, qui vient de tendre la main? Moi, j'ai tendu la main aux gens, au moment que j'étais mal, personne, ces mêmes personnes ne m'ont pas tendu la main. Non. Même, je ne vais pas pleurer pour dire que, oh, moi, comme vous me voyez là, j'ai donné aux gens, aujourd'hui, comme vous voyez souffrir comme ça, moi, j'ai donné aux gens, ah ben. On n'était pas obligé de donner, il fallait penser, il fallait que je pense. C'est ça, il fallait que je pense à moi. Quand vous donnez aux gens, pensez à vous. Pensez au présent, pensez au futur, mon ami. C'est pas que dans le futur, dans le présent, tu arrives, tu commences à tourner les oreilles des gens pour que les gens ont la sympathie pour toi. Les gens vont dire, oh, tu étais ceci. Parce que moi, je dis, tu étais. Parce que moi, ça me trouve. Moi, je trouve, m'a dit que oui, tu étais une femme bien. Parce que moi, ça sonne un peu mal. Mais qu'est-ce qui t'empêche d'être cette femme bien que tu étais hier? Parce que quand je te vois, tu es encore jeune, bientôt, tu auras dans les 40, combien d'années, bientôt, quelques années, 50 ans. Et c'est l'âge fatidique à 50 ans, là. Si tu n'as rien fait, ma chérie. Ah ben il faut commencer à revoir ta situation. Hein. Il faut commencer. Tu n'as pas un foyer, tu n'as pas un homme que tu. Mais franchement, Nyango, même pas un homme qui l'a su. Maman, il est mal à quoi? On t'a lancé quelque chose au pays. On t'a lancé la sorcellerie sur le corps. Même un homme que tu n'as même pas un foyer avec un homme, une belle femme comme ça. Tu n'as même pas un compagnon à tes côtés. Et quand tu vois si tu avais ton homme qui te conduit, même ton nonchalant blanc. Chuchu, même t'as pas de nonchalant blanc. Hein. Maman, mieux chuchu même ton nonchalant blanc, tu le savais, ma soeur. Parce que le compte à rebours, parce que la raison que je vois là, c'est y a pop. Ça ne dit pas du tout que oh, coco gang. Laisse le cochon de coco gang là. Ces filles qui sont tes gang là, elles sont chez elles, hein, avec les enfants, en leur scie, là où tu souffles là, quelque part là. Elles sont chez elles, hein, qu'on ne t'encourage pas. Hier quand je parlais, j'étais dans mon sommeil, là, sur mon matelas, hein, sur mon lit, hein, sur ma couette quand je te parlais. Tu étais sur le froid là. Tu allumais encore le truc, tu étais là sur le froid. Mais j'écris. Tu me lis. Tu étais dans la voiture, à l'heure que tu étais dans la voiture, moi j'étais dans ma couette. Et j'étais accouché avec mon homme à côté. Hein. Il était là. Moi, je ne fais même pas les choses comme ça. J'écrivais, mais il était à côté. Il dormait déjà. Après, quand j'ai fini d'écrire là, je suis parti me boucher dans ses bras. Il m'a bien embrassé. Parce que quand je suis venu là, ouvert les bras, je suis entré. Maman, j'ai du coup laissé le téléphone. Je me suis couché dans les bras d'un homme et puis je me suis réchauffé dans ma. En même temps, j'étais dans ma voiture. Pour parler la nuit, oh, je vais appeler la police, tout ça. Tous ceux qui t'écrivaient là, ils étaient bien chez elles. Mais toi qui souffrais dans le froid. Personne, je n'ai pas vu quelqu'un venir là-bas te dire, viens chez moi. Dans le village, je n'ai vu personne te dire que viens chez moi. J'habite. Et je sais que les gens qui te suivent, Nyangono, elles sont à près de 100 mètres de toi. Oui, elles sont à 100, 200 mètres de toi, mais elles sont en train d'écrire. Je sais que tu as roulé là comme ça près de la maison de tes femmes, d'une de tes femmes là. Elles pouvaient t'appeler pour te dire que ma chérie, j'habite à 2 mètres de ceci. Viens entrer chez moi, tu dors, tu te réchauffes. Non, elles t'ont laissé dans la voiture pour répondre. Mais moi, quand je répondais, tu étais sur ma couette, dans ma maison. Oui. Dans ma maison, hein, en sécurité à côté de mon gars. C'est pas la bouche des réseaux sociaux là. Nyangona, cherche-toi ta part comme ma part là. Cherche un seul poivre comme ma part. Oui. On est en Europe ici, tu as un choix. Si tu es le blanc, ça ne convient pas les Africains, ma soeur, va chez les blancs. Je te jure, va chez les blancs. Tu es une belle femme, Nyangona. Tu es une belle fille, Nyangona. Eh, Seigneur Jésus, tu es une belle femme, Nyangona. Qu'est-ce qui t'arrive, Nyangona? Qu'est-ce qui t'arrive, Nyangona? Eh, Anti. Eh, Agnan, ce n'est même pas la peine de rigoler, mes soeurs. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qu'on t'a fait? On t'a fait ça au village, ma maman. Eh, Anti. Nyangono. Tu es belle femme, Nyangono. Cherche-toi quelqu'un qui danse. Laisse même Facebook d'abord, Nyangono. S'il te plaît. La prochaine fois, Nyangono, montre-nous une maison que c'est pour toi, Nyangono. N'est pas plus chez les gens, Nyangono. Woko, Nyangono. Eh, Anti, Anna. Tu étais une femme qui était bien à l'époque ici. Eh mon Dieu, tu vois une femme. Regarde comment tu es ridicule, Nyangona. Oh, je ne suis pas moi une époque. Regarde comment tu es ridicule ici. Ouais, Seigneur. Est-ce que tu es la sœur camerounaise, ma sœur? S'il te plaît. Nyangona, je t'en supplie. Va, mets-toi. Je dis que rabaisse-toi, cherche-toi quelque chose. Un petit truc, ma sœur. Cherche-toi un petit truc, ma sœur. Maintenant, quand tu fais la vidéo, fais la vidéo chez toi, dans ta petite cuisine, ma sœur. Ce n'est pas un problème. Même si tu as deux pièces, ma sœur. Même si c'est une chambre que tu loues. Mais quand tu vas faire ta vie, tu vas dire que je suis chez moi dans ma petite pièce, mes 4 mètres. Je n'avais pas su que c'était la maison de Lorraine Mengue. Et Anyangon, je n'avais pas su. C'est après que j'ai dit que. Okay. Donc tu es encore enlevé chez quelqu'un, c'est Lorraine Mengue. Cela, ça me dépasse. Ah, ma soeur, ça me dépasse. Dit que donc tu n'étais même pas chez toi. Tu faisais des vidéos, tu dansais, TikTok, il y a des. Et comme toi, tu aimes les choses raffinées, ma soeur. Tu aimes les choses, les belles choses. Tu peux pas venir dans la belle cuisine de quelqu'un, tu fais le bruit. Tu peux pas venir dans la belle cuisine de quelqu'un, tu te filmes dans sa maison, son jacuzzi. Ah, ça me woma, Agne, Anti, Anwama. Anti, Anawama, tu te laves dans son jacuzzi, c'est toi qui fais la gueule à Nyangono. Dans son jacuzzi, quand Lorraine faisait le jacuzzi, tu étais là. Quand son mari s'est tapé le cul pour arranger, tu étais avec eux. Sa belle cuisine, moi j'ai vu quand c'était encore, on n'avait pas encore fait. Lorraine, même que cette semaine-là, nous a montré en direct comment elle traverse cette cuisine-là.
On ne peut pas venir punir quelqu'un sur sa propre chose, mon ami. On ne peut pas venir punir quelqu'un sur sa chose, ma chérie. Vous avez pensé à Laurent Mangue, quelqu'un sort de l'opération, tu as commencé à dire, non, ça va que Laurent Mangue a opéré, c'est toi qui nous a informé que Laurent Mangue a opéré. Et maintenant elle est venue là-bas, elle a failli mourir. Dans sa propriété, elle s'en va, et auntie. Elle est venue là-bas, j'avais eu Laurent Mangue, moi j'avais pitié pour elle, j'avais même eu peur pour Laurent Mangue ce jour-là. Toi, les gens n'ont pas pour toi, mais c'est pour elle que j'avais peur, parce qu'elle est venue chez elle. Le fait de t'amener, elle est venue, elle n'avait plus la force, elle a tendu dehors sur le froid. Elle a pris la route pendant des heures, vous ne pensez pas ça, elle pouvait aussi tomber dans le bus, elle parlait vraiment la douleur, elle pouvait mourir. Vous n'avez pas pensé à ça. Vous n'avez pas pensé à Laurent Mangue. Laurent Mangue, c'est qu'elle est. Oui, je n'ai pas le pouvoir avec elle. Je ne juge pas les gens parce que les autres parlent. Non, je juge les gens selon ce que je vois, moi. Ça fait deux étés, Laurent Mangue nous a montré comment elle s'est battue pour la maison. Elle a travaillé, elle a mis ça en ordre. Tu es venu filmer en disant qu'elle est bordélique, elle est sale. Ensemble, anti. Ce que tu as fait à Lady Pong, c'est la même chose que tu fais encore à Laurent Mangue. Qu'elle est sale, elle est bordélique. Les canapés, vieux canapés, maman. Tu viens de trouver la chose que quand tu dis vieux canapés. Mais moi, même si j'ai les mes vieux caleçons, ça veut dire que si ta mère, tu viens de dire que tu vas venir ouvrir mes armoires, tu dis mes vieux caleçons. Pourtant, je ne venais pas pour que tu veux fouiller mes caleçons. Vous tous, vous parlez. Laurent Mangue, c'est le chez elle. Ça, quand elle appelait les voisins, regarde comment. C'est eux, j'avais pitié. Hein. Elle est assise par terre, appelait la police. Vous voyez, monsieur, appelez la police. Et Antiana. Vous croyez que les blancs sont comme ça? On va t'appeler que quoi? Tu crois que les blancs sont comme vous pensez là? C'est les Africains, ils voient, ils passent. Ils ne t'ont pas vu, on t'a tabassé. Ils ne t'ont pas, les blancs ne sont pas comme ça. C'est quand on te tabasse qu'ils appellent. Mais quand on ne te tape pas, tu t'assois par terre. Ils vont dire quoi que tu es malade, tu as un problème, tu es folle. Parce que souvent les gestes là, les blancs te regardent, ils vont dire que les gens te suivent, ils ne te brutalisent pas. Tu commences à dire appeler. Ils vont voir que c'est toi qui as les problèmes. J'ai vu, tu as dit appeler. J'ai dit qu'ensemble, la femme, c'est encore quoi? Omer te dit, viens. Tu peux même flatter Omer. Tu fais le ramang, tu dis que pardon ma soeur, je me suis, voilà, pardon, je t'ai insulté dans Facebook, oui, je te demande, tu fais une directe, tu demandes encore pardon. Maman, on dit que l'humilité possède la gloire, hein. Ce n'est pas la gueule, elle te aurait laissé chez elle. Mais là maintenant, vous prenez un contrat, elle te dit que c'est le jour que tu fais encore les directes, tu sors. Là, tu dis que ma soeur, plus les directes, tu te concentres. Le jour que tu fais les directes, tu prends la voiture, tu peux faire les directes en route. Mais tu ne parles plus jamais, même si dans ton direct, quelqu'un parle d'elle, tu ne parles plus de ça. Tu as dit là que oui, les gens parlaient de Laurent Mangue. Non, mais c'est toi qui es, c'est toi qui viens faire la gueule. Tu dis que les gens viennent encourager Laurent Mangue. C'est qui l'encourage? C'est le chez elle? Agne! Vous qui venez encourager Laurent Mangue, hein, ce n'est pas le chez elle, je remets ensemble. Toi, tu n'étais pas là quand ils ont commencé. C'est toi maintenant qui viens mettre la dizaine. C'est toi qui viens dire maintenant que Laurent Mangue est mauvaise. Et je peux penser un peu à l'histoire de Romain. Je dis que c'était moi qui t'appelais pour donner chez moi. C'est comme ça que je l'ai fait. Comme ça, avec mon copain. Et que peut-être mon homme dit qu'allons chez lui. Il a l'appartement. On va te mettre chez lui. Le temps de donner une chambre chez mon homme et que je suis chez moi ici, tu vas commencer à parler à mon homme n'importe quoi derrière moi. Alors que je suis là pour t'aider. Vous savez, les Camerounais, vous n'aimez plus les gens ici en Europe. Il faut arrêter. C'est comme ça que ça se passe toujours. Entre nous, les Africains en Europe, c'est ce qui se passe. Et c'est elle qui va se victimiser. Ensemble, maman. Je te donne mon appartement. C'est toi qui m'as montré que tu es victime. Avec ta gueule que tu sors tous les jours, non, il faut dire la vérité, sans vous mentir, mes soeurs. C'est elle qui engueule, regardez un peu, c'est elle qui engueule, c'est elle qui est chez quelqu'un. Le machin, on dit que c'est la maison empoisonnée, que le Roi Mangue voulait aussi attirer l'attention sur elle sur les réseaux sociaux. Non, 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 non. Non. En Europe, si quelqu'un se donne dans sa maison, ma soeur, c'est à toi de respecter les règles. C'est à toi de te mettre en ordre. Parce que le loyer, c'est. Et puis, elle a coupé l'électricité. Tu as dit, elle est venue couper l'électricité. Je vais appeler la police, je vais appeler les huissiers. Ensemble, tu appelles l'huissier dans sa maison. C'est normal qu'elle coupe parce que c'est elle qui paye la facture. C'est Omer qui paye la facture. Comme tu l'as si bien dit. Il peut venir couper comme il veut. Oui. Et quand on coupe, tu te calmes. Tu ne parles pas. Et j'ai vu sa puissance. Quand elle est arrivée là, j'ai vu ta faiblesse, ma soeur. Quand Laurent Mangue, elle a filmé parce que Laurent Mangue, elle est folle. Oui. Parce qu'elle a vécu de ces choses, on l'a fait des choses. Vous savez, entre vous là-bas, c'est une femme, tu as dit que tu es folle, elle est même plus folle que toi, Laurent Mangue. J'ai vu quand tu t'as plaqué au sol, j'ai eu peur même quand tu as plaqué, il m'a dit que j'espère qu'elle ne t'a pas cogné très fort. Et quand tu n'as pas touché, elle était malade, tu n'as pas touché parce que c'est pas bien. Mais j'ai vu ta faiblesse quand tu as plaqué au sol. Je ne dis pas que ce qu'elle a fait, c'est bien. Parce qu'elle en avait marre aussi. Tu t'es en train de faire les directs. Tu as dit que si elle entre, tu vas la. Tu avais dit dans le direct que si elle entre là-bas, tu vas là. Tu vas la faire du mal. Elle est venue expressément accompagner son fils et son homme. Et qui était pour toi? Ni son fils ni son homme était pour toi.
Et tu dis que dans la vie, vous avez vu, non, mais, vous avez vu, non, mais Coco Gang en vidéo. Non, non, non. Tu dis, et puis le Coco Gang, ça fait quoi en vidéo? C'est toi qui, moi, j'ai vu la vidéo, tu faisais le direct. Elle est entrée derrière, elle a fait la vidéo. Quand tu fais la vidéo, elle aussi a fait la vidéo en mélange chez toi. Si tu n'étais pas en train de faire la vidéo, tu aurais su qu'elle est dedans parce que tu es en haut, elle est en bas. Voilà. C'est comme ça qu'on peut venir vous tuer. C'est-à-dire que tu es assise dans la chambre, là, tu fais la vidéo, mais elle est venue, tu n'as pas su qu'elle est entrée. Si tu étais assise en bas, tu l'aurais interceptée en bas. Et vous aurez discuté calmement en bas. Et tu as mis un hache que si elle arrive, tu vas la faire. Si tu commences à faire la, lire la Bible, vous tombez que tu lis la Bible dans les réseaux sociaux, tu mets les bougies. Ça sert à quoi tout ça? Ça t'a sauvé, ma soeur. Coco Lago, ça t'a pas sauvé. Ça ne t'a pas sauvé. Tu fais la Bible, tu dis, lisez Bible, verset. Les autres sont là, les totos, sont là. Elles sont aussi, oui, que le Seigneur te pardonne, le Seigneur va pas taper, fait ta prière, le Seigneur fait ceci. Vous parlez seulement. L'Europe est difficile, il faut venir dans la réalité des gens de l'Europe pour voir. Hein. Ceux qui sont au Cameroun, ils partagent. Oh, vraiment, c'est mauvais, c'est mexicain. Qu'est-ce que c'est mexicain? Donc, moi, je donne quelqu'un dans ma maison, c'est moi qui deviens mexicain. Je donne quelqu'un mon loyer, elle vient avec la lame pour me tuer dans ma maison, c'est moi. Maintenant, quand je lui chasse, c'est moi qui deviens mexicain. C'est moi qui a mal fait. Mais l'Africain, on vous a mis quelque chose au cerveau. Quelqu'un t'aide, c'est la personne qui est mauvaise, mon frère. Jamais que moi, je ne suis pas pour d'accord. Hein? Je ne suis pas d'accord. Quelqu'un qui aide quelqu'un devait se. Quand on t'aide, si on t'aide vraiment, même si la personne qui t'aide, parce que quand quelqu'un vous aide, et vous savez un peu la façon des Africains. La façon des Africains, c'est que j'ai un peu remarqué ça. C'est-à-dire que quand tu tends la main à quelqu'un, chez nous, dans notre communauté africaine, c'est la personne que tu as tendu la main, il vient toujours. En venant toujours au garde-boue, c'est-à-dire que la personne, c'est-à-dire que concorde les choses, c'est-à-dire qu'elle se met en garde-boue contre toi. C'est-à-dire qu'il est en train de concorder les choses derrière toi. Non, franchement, je ne comprends pas. La même personne que tu as donné, tendu la main, là où il était, ça n'allait pas. Dès qu'il s'installe dans ce que tu l'as tendu la main, ah, mais dis donc, c'est la personne qui se retourne contre toi. Je vois les miracles avec les Africains. C'est la personne qui va raconter toute ta vie. Il va venir se mettre, il va lui dire que si tu m'enlèves ici, on va voir. Oh, tu m'as donné ceci empoisonné. Mais oui, c'était pas empoisonné au début. La personne a eu la gentillesse, attention, de t'appeler. Maintenant, tu te rabaisses. Oui. On dit quand on va manger, quand le chien va manger, qu'est-ce que le chien fait? Le chien, il vient, il flatte son patron, il fait la gueule comme ça derrière le patron. Il fait mia. Le chat vient, il se roule, il faut derrière, il marche. Après, le patron du chat, c'est qu'il a fait le chien, lui met la nourriture dans la serre pour nos chats. Quand quelqu'un t'aide, il faut le caresser. Et quand tu le caresses, il faut fermer ta bouche. Quand tu as une situation que quelqu'un t'aide, ferme ta gueule, ne te mets pas en combat avec la personne. Avant de te mettre en combat, sache qu'il faut te mettre en combat, sachant qu'en quittant de là, il faut que la personne te voie dans une situation qui est plus mieux que celle que tu l'as donnée. Oui. Je te donne ma maison. Avant que tu vas te préparer de me faire la guerre dans ma maison, sois prête de sortir de là. Quand je vais te mettre dehors, va me montrer que tu es capable. C'est-à-dire qu'en sortant de chez moi, quand je te fous dehors, va chercher un appartement qui est plus mieux que la mienne. Mais c'est étonnant que toujours, vous sortez, c'est dans la rue, mais vous faites la gueule. Tu sors, tu n'as même pas ni un point d'arrivée, un point de départ, un point d'arrivée. Mais c'est toi qui fais la gueule. Et puis à la fin, il faut appeler la police, la justice. C'est toi qui dis, je vais appeler les huissiers, je vais appeler Ola. Tu vas appeler Omer. Omer, c'est quelqu'un qui est en Europe, il est reconnu. Tu as commencé à dire qu'il trafique, il trafique. Il t'amène, c'est toi maintenant qui dit qu'il trafique le chez lui. Ah, ça, bon, anti. Et non, 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 franchement, ça m'a tellement fait. Parce que moi, je supportais un peu au début, que peut-être ça va s'arranger entre eux. Quand Lorraine est venue, elle s'est couchée. Elle a dit, vous voyez, non, c'est vous qui faisiez encore les choses. C'est vous, entre les petites soeurs et grandes soeurs. C'est-à-dire que Nyangono, tu connais flatter. Hein? Moi, j'ai vu là où Lorraine est venue, elle était abattue. Tu as bien fait de ne pas la menacer. Tu l'as bien fait. Tu as vu son état. Je te dis chapeau. Tu l'as donné à manger, tu as fait le bouillon, tu l'as mise au lit. Mais là, moi, je crois que peut-être vous allez vous arranger. Ah oui, tu es parti l'amener à Paris. Et tu as fait la vidéo pour nous montrer. Pour dire, voilà, je suis un bon cœur, j'ai un bon cœur, voilà, je pouvais lui faire du mal. Non. Attention, tu n'as pas raison de dire cela. Tu as dit, j'ai un bon cœur de lui faire ceci. Non. Non, 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 non. Parce que, à l'attente, tu as fait les vidéos pour la blesser, parce que psychologiquement, tu l'as blessée. Tu as fait les vidéos en l'insultant, elle souffrait. Elle est quittée avec la souffrance parce que, je vous dis que, comme vous voyez, ce n'est pas parce qu'elle a plaqué Nyangono. Elle aussi, elle a souffert le fait que Nyangono l'insulte parce que les insultes, parfois, sont plus, peut-être, rendre déstabilisées. Quand on t'insulte tous les jours et que vous savez que c'est vous qui aidez, la personne que vous aidez qui vous insulte, ça peut vous tuer. N'oubliez pas ça. Ça peut vous tuer. J'ai vécu ça. J'ai failli mourir ici chez moi. C'est lui que je restais comme ça, je n'arrivais même pas à dormir. Je dis que, putain, tu manques le sommeil. La personne t'insulte, tu dis que, mais j'ai tendu, tu t'es en train de dire que, mais Seigneur, j'ai tendu la main. La pièce m'a dit, Seigneur, j'ai tendu la main. Après, tu pleures, hein? Tu dis, mais le fait qu'il tende la main, c'est mauvais. Nous tous, nous, dans la relation, on dit que, mais j'ai tendu la main, c'est mauvais. Seigneur, j'ai tendu la main, pourquoi maintenant c'est comme ça? Oui.
Ça veut dire que la personne, moi, je me sentais plus bien. Parce que le fait de penser que j'ai tendu la main et je souffre, j'appelle au nom de Dieu, je dis que Seigneur. Mais vous ne négligez la souffrance là. Vous négligez la souffrance là. Ça veut dire que quand l'autre te fait souffrir psychologiquement, ça veut dire que t'insultes, tu souffres. Elle est assise là, tu étais la forte, tu l'insultais, elle souffrait dans son petit coin, elle ne faisait pas les vidéos, elle te regardait. Tu dis même qu'elle a un faux profil. Elle vient, qu'elle n'a qu'à venir. Je vais la faire ceci, je vais la fouetter. Mais elle est venue. Elle est venue, j'ai vu ta faiblesse. Tu as maintenant dit qu'une petite soeur qui vient taper sa petite, sa grande soeur. Voilà que ton langage change. J'ai cru que tu allais appeler la police, que la police, mais finalement, je n'ai pas vu aucune police. Tu as appelé même la police une fois la nuit pour, devant les réseaux sociaux. J'ai dit que là, tu spines. Tu spines, Harry. Tu peux faire de bordel. Tu spines, elle. Tu dis, j'appelle, tu appelles la police. Police nationale. Oui, j'ai appelé la police. Chez qui? La police a même dit que non, madame, machin, attendez le matin. Ce n'est pas urgent. Tu as dit que oh, je loge les gens et ils veulent me tuer. Oh là, tu appelles la police, les personnes ne sont pas là. C'est toi qui appelles la police pour dire qu'ils veulent te tuer. Pourtant, ils sont à Paris. Tout ça, tu veux gâter la vie de Lorraine Mengue. Tout ça, tu veux... Et devant les réseaux sociaux, tu appelles la police. Pourquoi? Est-ce que Lorraine était là pour t'agresser? Non. Tu as dit que tu appelles la police, que si je t'arrive, alors que même Omar que j'ai vu là, il n'a même pas l'air de quelqu'un qui est menaçant. C'est Lorraine Mengue qui est folle. Quand Lorraine Mengue t'a plaqué, est-ce que Omar a fait quoi? Merde, vous savez les Camerounais, non? Lui-même, il s'est pas pris le chat. Il a fui, non? Il est parti en bas. Il a pris ton téléphone, il est parti, lui. Il vous a laissé là-bas. Il n'a même pas dit que oui, voilà comment un homme comme ça, que quand sa femme t'a. Elle est pas. Mais non, je dis que sa femme. Pourtant, tu sais que c'est sa copine, que tu vas déloger Lorraine Mengue. Toi-même, tu. Nyangono, ferme ta bouche, pardon. Ouais, Nyangono, pardon, ma soeur. Je ne te déteste pas. Je ne te déteste pas. Je te dis simplement, arrête ça. Tu as fait sur Lady Ponce, tu as fait Lady Mimbang, Lady Mimbang, Lady Mimbang, Lady Mimbang, Lady Mimbang. Ça a changé quoi à moi, à moi. Je veux aussi plaider que non, il faut que Lady te donne tes choses. Mais souvent, il faut passer même. Souvent, moi, chez moi, là, à Nyangono, on a volé mes voitures à Nyangono. Chez moi, on a dévalisé ma maison. Mon propre frère l'a dévalisé tout. J'ai acheté des choses, j'ai envoyé au Cameroun. Il a tout pris. Est-ce que j'ai chanté son nom? Je suis venu ici, j'ai plaidé dans les autres sous ce nom. J'ai parlé que mon frère, le bandit, là. J'ai parlé ici. Vous savez, j'ai fait des vidéos ici en parlant de lui, même au Cameroun, non? J'ai crié, vous m'avez vu au Cameroun, non? Il a volé ma voiture, j'ai failli piquer la crise. Il a volé mes choses de mon propre frère. Je suis parti chez moi, j'ai vu comme ça, il a tout volé mes trucs. Mais je l'ai laissé, c'est fini aujourd'hui. Ce qui m'a volé, il a conçu ça. Ce qui m'a volé, il a conçu une maison avec. J'ai dit que mon propre frère a volé ce qu'il a volé chez moi. Mes choses, il a construit une maison avec. Quand je vois sa maison, mon cœur balance. Mais ma boya, je vais faire comment? Je vais faire comment? Je l'ai laissé, parce que quand j'ai valu tout ce qu'il a pris là, c'est des millions. C'est des millions, ma chérie. Je l'ai laissé, il dit que je te bloque d'abord de ma vie. Je pouvais le faire en cellule, je pouvais appeler son nom tous les jours, appeler les gens pour le détruire. Mais je n'ai pas fait, je me dis que mais je fais tout ça même pourquoi. C'est moi-même qui, à la fin, je dis c'est moi qui cherche. Mais quand je vois la maison, d'un côté, ça me fâche parce que j'ai même vu la maison, il n'a même pas mangé. Ce que tu as laissé chez Lady Ponce, on a dit laisse. Les gogo quand on voulait cotiser, d'autres ont fait, on n'a pas cotisé. Même derrière, on pouvait t'envoyer de l'argent. Tu passais, tu dis qu'un Nyangono, pour pouvoir rebondir, il faut parfois oublier le passé. Quand tu es parti à Lourdes, tu devais prier le Seigneur de que il pardonne les dipons, c'est ce qu'il a fait, ce qu'il a fait. Parce qu'une nouvelle année, il faut changer. Tu dis, bon, tes choses ont été prises. Tu reviens dessus, tu es encore republié encore. Ça te sert à quoi? Il y a les gens qui perdent les choses plus chères que ça. Il y a les gens qui perdent même des maisons. Il y a des gens qui perdent des choses plus chères que ça, ma chérie. Je ne néglige pas que c'est ton matériel de travail. Mais parfois, quand tu ne le vois plus, la seule chose que tu fais, tu vois des gens qui t'aident encore. Maintenant, tu oublies là-bas, tu recommences. Parce qu'il y a des gens qui perdent les gens, mais ça ne t'empêche pas de recommencer. Parce que quelqu'un qui reste figé dans le passé, quelqu'un qui sent, c'est-à-dire qui embrasse le passé et refuse de détacher, ça veut dire que c'est quelqu'un qui se tue soi-même. Pour mieux avancer, il faut se détacher du passé. Tu ne peux pas vivre dans le passé en pensant que tu vas réussir pour demain. Non, ma soeur. Tourne la page. Demande pardon même à ces gens, même si tu n'as pas tort. Oublie-les. Ce qu'on t'a fait, ça doit arriver dans la vie. Il faut dire qu'il faut aussi prendre les choses que ce qui t'arrive, c'était aussi peut-être l'épreuve que Dieu met aussi dans ta vie. Oui. Et quand tu vas à l'autre, tu dis, Seigneur, tu as mis l'épreuve dans ma vie. Aujourd'hui, je voudrais que tu m'aides. Si ces épreuves étaient qu'il fallait que je souffre, que je vais tendre la main et que les gens me tendent la main et qu'on ne s'entende pas. Seigneur, change les directions. Change les directions. Je ne veux plus les gens qui me tendent la main simplement. Si c'est le seul, peut-être, c'est tendu sur le poison. Seigneur, change les directions.
Cherche-moi un homme, quelqu'un avec qui je vais faire ma vie. Cherche-moi quelqu'un qui m'aime, les gens qui m'aiment de vrai, les gens qui me tendent la main et que cette main tendue, il faudrait que je le prenne. Et aide-moi, moi, Seigneur, à changer ma façon de faire. Parce que regarde ton caractère, Nyangono. Tu aimes toujours dire, oh, je suis ceci, je suis le petit-fils de ministre, machin, ministre comme ça. Non. C'est-à-dire, tu vis dans un rêve. Tu as appelé, oh, monsieur l'ambassadeur. Oh, regardez comment une compatriote. Oh, ma chérie. Oh, ma chérie. Ces mêmes personnes te suivent, hein. Même tes oncles au pays te suivent. Ils ne peuvent pas te tendre la main parce que même si ils vont dire que toi tu venais pas salir leur vie. Tu es peut-être la cousine, mais ils ne peuvent pas. Même les familles ne peuvent pas t'accepter à entrer dans leur famille parce que la façon qu'ils voient comment tu étales la vie des gens. Quand les gens t'aident, même tes oncles ne peuvent pas accepter que tu entres dans leur famille. Même les femmes ne peuvent pas accepter que tu entres dans leur famille. Même les enfants ne pourront pas accepter que tu viennes dans leur famille. Parce que tu viens à tout prendre pour venir toujours dans les réseaux sociaux. Parce que quelqu'un qui parle à les réseaux sociaux, la vie des gens n'importe comment, c'est quelqu'un qui se salue soi-même. Vous croyez toujours que ça laisse ces gens? C'est vous-même que vous salissez. Parce que demain, les gens auront peur de toi. Et voilà ce qui se passe. Mais malgré tout, il y a des gens qui vont encore te donner la chance. Qui te font encore, tu donnes encore les bénéfices du doute. Mais quand quelqu'un, malgré ta saleté, les gens quand même te tendent la main. Ça veut dire que ce sont des gens qui ont un peu de cœur. Ma soeur, revois toi-même et dis que non, tu as fauté. Cette fois-ci, tu vas essayer de changer ta façon de faire. Tu vas fermer ta bouche de deux. Tu vas faire tes vidéos TikTok à l'habillement. Oui, tu es belle, tu as un beau corps. Tu vas t'habiller, c'est ça qui est ta richesse. D'accord. Mais ça ne veut pas dire que c'est ça qui a su ta vie. Parce que les Africains se vantent avec les chaussures et les habits, mais alors que la vie, l'assurance de la vie, c'est pas ça. Refais tes choses en TikTok. Mais le jour que tu tues quelqu'un qui est dans ta maison, ma soeur, même si tu as lavé le sol, tu peux pas la nuit, ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Même si la personne ne peut pas mal, ma soeur, ferme ta bouche. Contente-toi, sors là-bas, entre avec les yeux bandés, sors avec les yeux bandés. Ferme tes oreilles, ferme ta bouche, ferme les yeux, reste comme quelqu'un qui est soumis. Fais ce qu'on ton temps arrive maintenant. Dès que tu trouves la suggestion, tu sors de là. Ferme la bouche dans la maison de cette personne, va, et Dieu va te bénir. Dieu ne te bénira jamais, Nyangono, va à l'eau. Je te dis ici, que tu as à l'eau de mettre les genoux au sol, Dieu ne pourra pas changer ta situation si toi-même tu ne changes pas ton cœur. Nyangono, Marie, je suis croyante et je ne suis pas croyante comme vous. Pourquoi Dieu te pardonne? Pardonne-toi toi-même d'abord. Ne prie pas sur quelqu'un pour le mal. Prie pour que Dieu t'aide à changer ton cœur d'abord. Nyangono, va prier pour toi, ne prie plus sur les autres. Change ton cœur. Change ton cœur. Enlève ton orgueil. Arrête d'insulter. Parce que chaque malédiction que tu fais sur les gens, c'est sur toi que ça retombe. Parce que tu n'es pas le père et la mère de ces gens que tu aimes. Tu donnes des injures, tu maudis. Tu ne peux pas maudire un être humain parce que tu t'es maudit. Toute parole que tu parles, quand tu craches en l'air, ça tombe sur ta tête. C'est ça qui t'arrive. Cesse de cracher en haut. Parce que quand tu craches en haut, c'est toi ce qui assiste. Quand tu craches, ça retombe sur toi. Ça te couvre. Alors, les gens que tu insultes, ma soeur, ça ne fait à rien dans leur vie, c'est à toi que ça tombe. Donc, ma soeur, maintenant là où tu es là, change ta façon. Coco gang ou pas coco gang, concentre-toi dans ta vie, ma soeur. Arrête d'insulter les gens. Fais tes TikTok. Prépare ta nourriture, mais j'espère que tu trouves un petit travail parce que, lui, peut-être que tu es une femme de business, tu fais tes business. Tu es une femme que moi je sais. Tu es déjà des femmes que tu veux faire tes business pour gagner. Tu es une bonne cuisinière pour ça. Hein? Tu es une très bonne cuisinière, parfaite. Tu es dans la perfection. Tu es une femme, tu es chic, belle. Quand tu t'habilles. Pour ça, je t'apprécie. Tu es belle et perfectionniste. Mais l'orgueil, parfois, ça tue. Ça vient tout gâter. Je ne t'insulte pas. Je te dis, moi, simplement. Celles-là vont te caresser, elles vont te raconter, elles vont dire, je veux te tendre la main. Moi, je ne peux pas te tendre la main. Sans te mentir, je suis comme ça. Moi, je suis trop dur. Je ne te tends pas la main. Je ne peux pas te dire, je vais t'envoyer 1000 euros. Je vais t'envoyer. Ça vient à quoi? Aide-toi, le ciel t'aidera, Nyangono. C'est quand je vais aussi voir que peut-être tu as déjà une situation comme petite maison. Là, il peut même t'appeler derrière et dire que Nyangono, comme tu vois ma soeur, je veux que voilà les mamites que tu veux. Parce que je peux pas, parce que là, on te donne les mamites, tu vas traîner ça où? Tu vas traîner. Quand tu arrives quelque part, tu t'installes, tu dis aux gens que mes coco gang, voilà, j'ai ma petite chambre. Maintenant, ce que je veux, je vous dis ici, vraiment, voilà les papiers, c'est mon nom, tout, je suis à l'aise. Même si c'est une cuisine. Coco gars, maintenant, cotisez-moi maintenant pour que j'ai mes mamites et mes tout. Tu sais que tu vas aligner ça même dans un coin de la maison. Mais tu fais ta cuisine, tu refais ta cuisine. Et là, moi-même aussi, je pourrais dire que pourquoi pas? Pourquoi pas? Là, au moins, elle est en sécurité. Elle ne va plus se faire chiffonner par les gens. Elle ne va plus se faire insulter. Ta dignité, parce qu'on te craint pas, on t'insulte. Quand je t'ai vu assise par terre, ça m'a vraiment... C'est-à-dire que moi, j'ai un peu... C'est-à-dire que j'ai senti un peu de la pitié. Tu comprends? Parce que les gens m'ont dit que je t'insulte pas. Moi, j'ai suivi les vidéos. Aujourd'hui, je me lève, je vois les vidéos. Je dis que putain de merde, ça arrive à ce niveau.
Là où l'oreille m'a plaqué, je refuse catégoriquement. Mais je regarde la vie en disant que j'espère qu'elle ne t'a pas fait du mal. Sans te mentir, j'espère qu'elle ne t'a pas, parce que tu es tellement maigre. Quand t'as pas mis, là, elle s'est assise sur toi comme ça, ça pouvait, elle pouvait te faire du mal. C'est les réseaux sociaux. Mais elle est un peu intelligente, je suis sûr qu'elle ne t'a pas fait du mal. Tu peux peut-être avoir mal au corps parce qu'elle t'a beaucoup plaqué. Et reste peut-être 30 minutes sur ton corps, c'est pas bien. Moi, je me réjouis pas. Tu as fui, tu es parti sur la rue, tu appelles. Au secours, ma soeur. Vraiment de Dieu. C'est Laura Mendes, elle s'en fout, elle est en France. Je sais pas, tu as dit que vous êtes des folles, on vous connaît, machin, la police vous connaît, mais on s'en fout. Elle aussi, celle-là, elle était il faut savoir aussi que si elle a eu les problèmes avec la police ou bien si elle a eu les problèmes au criminel, on la connaît déjà aussi. Et puis si on va venir, on va dire que c'est les Africains. N'oubliez pas qu'on va dire que c'est les Africains, dis donc, c'est toujours la même chose. On m'a dit, madame, allez chercher là, on va donner le SAMU ou bien un 114, va aller demander les aides, ils vont vous donner les papiers, t'aider, ils vont dire qu'allez vous demander là-bas. La police va t'envoyer ses mains là-bas, que vas-y. Personne ne pourra venir te donner la maison entre les mains. C'est l'Europe. Ne confondons pas l'Europe avec l'Afrique. En Afrique, comme ça, tu peux courir chez ta tante, chez ton oncle. Mais ici, en Europe, là, en plein hiver, vous venez me lancer les têtes que quoi? Vous venez me lancer les têtes pourquoi? Je n'insulte pas. Parce que vous écoutez toutes les choses à l'envers, au fait. Moi, je n'insulte pas Nyangono. Moi, je lui parle les choses clairement. Parce que vous êtes là dans la... Je suis dans son direct hier soir. Moi, j'ai essayé d'écrire. Moi, j'ai vu elle a un peu riposté quand j'ai stoppé. Vous comprenez, moi j'ai failli écrire que Nyangolo sort de là, vraiment va te gêner. C'est que si j'écris trop comme ça, elle va me prendre. Là j'étais un peu très. J'ai dit que non, tu étais une femme très bien, tu as aidé les gens. Tu as aidé les gens dans la vie, et c'est vrai, elle a aidé les gens. Mais c'est dommage que ton bon cœur a fait ce que tu sois comme ça. Parce que Nyangolo sort comme ça, c'est parce qu'elle a aidé les gens. Ce sont les gens qu'elle a aidés qui l'ont aussi rendu comme ça. Vous comprenez? Ce sont les gens qu'elle s'est côtoyée, qu'elle a donné la tendue la main, qui ont chamboulé la vie de Nyangolo. Vous comprenez? C'est là, à l'époque, elle était avec les Blancs. Dès qu'elle a quitté les Blancs, elle est partie dans la communauté des Africains pour se mélanger avec les gars qu'elle a commencé à sortir avec. C'est les gens qu'elle a commencé à prendre pour faire les amis. Ce sont les gens-là qui ont foutu sa vie en l'air. Mais elle avait son truc ici en Suisse. Elle accueillait tout le monde qui venait. Elle accueillait les gens qui venaient. Mais il ne faut pas qu'elle oublie que les gens ne la ressemblent pas. Les gens ne lui ressemblent pas. C'est ça que je voulais écrire en ce jour. Je peux dire que ma soeur, ton bon cœur fait ce que tu deviens aujourd'hui comme ça. Oui, mais ces gens qui te donnent n'ont pas le même cœur que toi. Tu as aidé les gens, mais tu n'as pas souillé ces gens. Mais aujourd'hui, le monde est devenu très dangereux. À l'époque, on n'avait pas les Facebook, on n'avait pas les histoires. Quand tu as aidé les gens, ceux qui pouvaient témoigner, et ce sont eux-là qui devaient t'étendre vraiment la main. Parce que toi, tu les as reçus quand ils sont venus en Suisse ici. Tu les recevais dans tes trucs, dans ton truc. Tu avais ton salon de trucs que tu avais ouvert. Tu recevais tous les Camerounais là-bas. Tu préparais, les gens mangeaient. Au Cameroun, quand tu allais, tu faisais la fête. Tu préparais à tout le monde. Ce sont ces gens qui devaient aujourd'hui te tendre la main. Ce sont ces gens qui ne devaient pas se moquer de toi. Mais aujourd'hui, parce que les gens qui te tendent la main aujourd'hui ne te connaissaient pas avant. Mais c'est les gens que tu as reçus avant. Si tu m'avais aidé avant, j'aurais reconnu le bien que tu m'as fait. J'aurais tendu la main moi aussi pour dire que, ah, quand elle est arrivée en Suisse, pour la première fois, c'est elle qui m'a reçu. C'est comme ça, ce sont les gens que tu as reçus qui devaient te tendre la main. Mais ils sont là maintenant pour te se moquer de toi. Alors le cœur que tu as, Nyangono, ces personnes, tu vas parler de toi 1000 ans. Tu dis, tu as fait. C'est vrai, Nyangono a aidé les gens. C'est vrai. Moi, elle ne m'a pas aidé particulièrement, mais j'ai entendu son écho ici en Suisse. Moi, je l'ai rencontré, c'est une fille qui a aidé les gens. Elle avait un manque dans. Elle avait une fille que la nourriture, elle préparait. Les gens mangeaient, elle donnait. Vous comprenez? Et c'est quand je vous dis que quand vous êtes déjà des gens donnés, c'est comme ça que vous finissez. Nyangono. C'est là où je dis que ton bon cœur t'a tué. Pourquoi? Quand on a un bon cœur exagéré, on se retrouve dans la rue. Parce que tu as fait, tu t'oublies. Tu fais le bien aux gens, tu t'oublies. Non, si tu avais mis les calques depuis le début, tu étais sévère depuis le début, je crois que Nyangolo, tu ne devais pas te retrouver dans ça. Nous, on fait souvent le bien à nos frères et nos soeurs, on s'oublie. Et après, demain, ce sont eux qui sont mis. Toi, tu es comme de la merde. Et c'est ce qui t'arrive, Nyangolo. Moi, je ne peux pas t'insulter parce qu'à l'époque, je t'ai vu en Suisse, moi. J'ai encore au moins du respect parce que moi, je connais. Moi, ce n'est pas maintenant que je te vois comme. Moi, je connais Nyangolo. Moi, j'ai vu Nyangolo en Suisse. Je vous manque pas, mes soeurs. C'est une fille raffinée. Nyangono, quand je vois Nyangono aujourd'hui comme ça, j'ai fait la magie que je crie que pourquoi Nyangono est devenu comme ça. C'est pas possible. Ensuite, ici, il a demandé un peu. Comment? Même là, on parle un peu d'elle ici parfois. Ils ont dit que mais Nyangono, c'est pas la catégorie qu'on connaissait là. C'est une fille qui avait, mais comment? C'est une fille qui avait l'argent. C'est une femme que, mais comment? Tu peux pas parler à Nyangono. Nyangono est une fille raffinée. Quand je dis raffinée, elle est comme ça depuis longtemps. C'est une fille qui connaît ce qu'on appelle habillement. Elle donnait. Elle était toujours serviable, gentille avec les gens. Parfois, elle avait un regard, le genre. C'est-à-dire que c'est une femme qui peut pas. Quand elle te regarde un peu autrement, mais elle était bien. Elle était bien. Tu ne comprends pas, Nana de Bruxelles.
Tu dis, madame, si vous l'aimez bien, je suis en train de parler, je n'ai pas dit que les gens devaient l'aider, je parlais ceci. Quand vous venez dans mon direct, je n'aime pas les gens qui se perdent dans le Bruxelles. Tu dis que madame, si vous l'aimez bien, je ne parle pas de lui. J'ai dit que les gens ne peuvent plus lui tendre la main. Je n'ai pas dit aux gens de lui prendre chez elle. Moi, je dis, je ne peux pas. Je dis ici, je ne peux pas lui tendre la main. Je suis clair. Je n'ai pas dit, prenez-la chez eux. J'ai dit que les gens qui sont en train de parler, l'encourager, que les gens lui prennent à leur chez eux. Quand vous venez souvent dans mes directs, mes chères soeurs, quand vous venez dans mes directs, s'il vous plaît, essayez parfois d'écouter. Moi, je parle, c'est pas parce qu'elle est comme ça que je veux parler, c'est qu'elle était bien. Vous croyez que quand quelqu'un est dans un truc, moi je l'ai vu à l'époque. Moi je parle de l'époque que je l'ai vu, vous comprenez Nana. Je ne suis pas ici pour vous l'acheter la pierre. Moi, ce n'est pas question de que elle est aujourd'hui orgueilleuse, mais je parle un peu, il faut que vous vous rappelez parce que vous ne la connaissez pas. On peut l'acheter, mais vous ne la connaissez pas. Je peux même l'insulter, même si c'est comment, mais j'ai pour y avoir le respect parce qu'au moins elle n'était pas comme ça à l'époque. Apprenez parfois à dire les choses comme il faut, parce que toi tu ne la connais pas. Tu comprends? Tu la reconnais aujourd'hui parce qu'elle a les problèmes, qu'elle insulte les gens, parce qu'elle est devenue comme ça aujourd'hui. Mais quand même, quand on a connu quelqu'un à l'époque, il faut quand même rappeler aux gens comment elle était, même si on va lui lancer la pierre, même si on va l'insulter. Mais quand même, qu'il faut qu'on se rappelle, c'est quelqu'un aussi quand même qu'elle a tendu la main aux gens. Vous comprenez? C'est comme ça les Africains. Tous ceux qui m'ont insulté, Nyangona n'a pas tendu la main aux gens. Même à Guinée Chapuis, elle a tendu la main à Guinée Chapuis, non? Elle est venue témoigner ici. Quand je venais, elle a dit ici là. Quand elle venait d'arriver, c'est Nyangona qui l'a aidé. Elle a donné même la dépanner, non? Ça veut dire qu'elle a aussi un bon côté. Elle a reçu Guinée Chapuis chez elle. Elle a pris Guinée Chapuis dans sa maison à l'époque là. C'est pour aujourd'hui qu'on l'achète la pierre. C'est pour faire comprendre aux gens que si elle est venue aujourd'hui, parce qu'on dit souvent que c'est la vie qui nous change. C'est la vie qui nous change, c'est ce qui nous entoure. Parce que moi je comprends aujourd'hui qu'elle est comme ça. Ça veut tout ce qu'elle fait. Parce que quand elle rappelle ce qu'elle faisait aux gens, et qu'elle ne demandait rien, et qu'elle l'aidait sans demander, aujourd'hui les gens font ça d'elle. C'est normal qu'elle soit comme ça. C'est-à-dire que ça, si ça jette l'air, parce que c'est dit, moi j'étais bien avec les gens. Aujourd'hui, pour que les gens me tendent la main, chacun me tend la main, il m'insulte, on me fait n'importe quoi. C'est normal qu'elle lui rende. C'est-à-dire qu'elle va se défendre en l'insultant. Bien sûr qu'elle exagère. Et il faut essayer, parce qu'on souvent demande pourquoi quelqu'un devient comme ça, pourquoi. Ne venez pas dire ici là que Nana, tu me dis que prends madame si tu es ici. Je ne suis pas en train de dire que je vais prendre Chomouk, moi. Non. Arrêtez souvent de devenir. Quand on parle de choses, vous venez toujours parler autre chose. Je suis en train de parler. Quand je parle d'elle, je suis contre elle, mais je rappelle aux gens comment elle était. Quand on parle de quelqu'un, je ne suis pas là pour salir, comme vous, ce que vous attendez, que je vais commencer à crier, à dire ouais, si, j'étais la pierre, ouais, machin, poignarder là, et tuer là. Non. Non. Nous tous sommes pas être bien dans la vie, à un moment on tombe, vous comprenez? C'est ce qui est là. C'est une fille qui a été bien. Si sa vie bascule aujourd'hui, c'est quelque chose qui est arrivé. Nyango n'est pas la fille que vous voyez aujourd'hui, elle est comme ça, elle n'était pas comme ça. Elle souffre aujourd'hui, elle n'était pas comme ça. Dieu sait que je vais témoigner, même si vous m'appelez demain, après demain, je vous dis qu'elle n'était pas moi, je l'ai vue moi. Je ne jette pas la pièce sur quelqu'un que j'ai vu à l'époque. Seigneur Jésus, que moi, je ne peux pas parler à Nyango, non. Aujourd'hui, c'est moi qui ne peux pas parler devant moi. C'est moi, je dis que Nyango ne peut pas parler devant moi. Alors qu'à l'époque, c'est moi, c'est comme ça que ça n'a pas arrivé dans la vie. Ce qui lui reste, c'est son orgueil. Mais quand on dit ici à l'Europe, moi-même, elle ne peut pas parler devant moi. Et c'est à moi de me poser la question, qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qui arrive que Nyango est comme ça aujourd'hui? Il faut se poser des questions. C'est parce que vous ne l'avez pas connu, c'est normal. Vous l'avez insulté, oh machin, elle est ceci. Oui, le seul ingénieur qui pense à faire, c'est qu'on connaît, elle est sortie avec l'orgueil, les insultes, ok. Avant ça, vous la connaissiez avant? Question. Vous la connaissiez avant? Question. Mais ce qui est étonnant, que tout le monde qui qu'elle n'a jamais eu un témoin à sa faveur. Personne, tout le monde se cache. C'est qu'elle a hébergé, qu'elle a donné à manger dans son truc. Parce que Nyangono, elle avait on appelle ça quoi? Un bar. C'est-à-dire qu'elle avait comment on appelle ça? Elle avait un truc comme le bar. Comme ça, c'est-à-dire que là où on a que, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas manger. Donc, un restaurant, en fait. Un restaurant bar. Que les musiciens venaient. Mais elle a caissé des gens là-bas. Elle avait la maison. Les gens venaient là-bas dormir. Elle a caissé les filles, les femmes qui venaient d'arriver. Quand tu viens d'arriver, elle t'accueille. Elle t'ouvre la porte. Mais c'est le moment aussi. Elle a aussi eu à faire du bien dans la vie. Vous comprenez? Elle a aussi bien. Moi, je ne suis pas la catégorie que je vais seulement parler que oui, oh machin, oh, comme elle a insulté Lady Ponce. Sa vie ne s'arrête pas au niveau qu'elle a connu Lady Ponce. Elle avait une vie avant de connaître Lady Ponce. N'oublions pas, s'il te plaît, mes soeurs. Bien sûr qu'elle insulte, elle a l'orgueil, elle est ceci, mais n'oublions pas que avant, elle avait une vie avant de connaître Lady Ponce. S'il vous plaît. Lady Ponce lui a tendu la main. Moi, je n'ai pas compris. Après, ça est devenu que voilà ce qui s'est passé. Comme d'habitude, elle a ces choses pour lui dire que je vais prendre les choses après. Ça craint, c'est elle qui va maintenant dire les lois, c'est elle qui va dicter. Quand elle viendra prendre, pourtant, pour une femme, elle pouvait prendre ses choses, même avec le camion, déménager de là à partir. Elle allait même chercher, appeler même un frère, une soeur pour dire ma soeur, donne-moi ta cave, je vais justement garder mes choses le jour. Mais loin de Lady Ponce, elle a laissé, mais c'est elle qui donne les conditions à Lady Ponce. Et puis finalement, elle a perdu ses choses.
Et ça, ça ne m'a pas plu parce que normalement, si on te donne un temps, même c'est un mois, c'est beaucoup. C'est à toi de chercher parce que ton nom n'était pas sur la maison, c'est la propriété qui dit, bon, je te donne peut-être un mois. Avant que je vienne chez moi, tu peux déménager. Mais là, elle n'a pas su, elle a cru toujours jouer le King Kong. Elle a toujours joué le King Kong. Peut-être dans la vie, elle a fait ça aux gens. Mais d'ailleurs, peut-être elle a fait ça aux autres personnes. Et que ces personnes, peut-être, ont supporté. C'est-à-dire qu'elle a supporté que certaines personnes viennent chez elle et qu'elle donne le temps à ces personnes de partir et qu'elle était patiente. Mais certaines personnes ne sont pas patientes. Et ce n'est pas la même pièce qu'on lui rend. Ce n'est pas la même chose qu'on lui rend. Vous comprenez? Ne venez pas ici me dire, oui, dis à machin. Moi, je ne suis pas là pour qu'on lui jette la pierre, mes chers. Il faut lui parler sèche pour qu'elle se réveille. Il faut qu'elle prenne conscience que ça ne marche plus là. Nyangono, ça ne va plus, ma soeur. S'il te plaît, cherche-toi un abri. S'il te plaît. Moi, j'avais parlé pour les dépenses. Moi, je croyais que tu as peut-être, quand je t'ai encore revu, bien revenu dans le réseau, je me suis dit que, ah, sans te mentir, j'ai cru que c'était ta maison, hein. Je me suis dit que, ah, sûrement, elle a trouvé un petit endroit là où elle est tranquille. Tu vas aller venir, elle vient te regarder, tu t'habilles, je te regarde, car tu es maintenant épanoui. Tu disais que le Seigneur t'a béni. Moi, je n'ai pas compris. Je ne savais pas que c'était chez le Remingue. Je ne savais pas, ma soeur. Il fallait tout attendre à ça. Non, mais franchement. Mais franchement, non, 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 non. Mais quand j'étais surprise, hein, ça m'a mangé les cadeaux, c'est encore chez quelqu'un, ça. Parce que quand tu parlais, tu insultais. Je me disais que, parce que même au début, j'insultais, je ne comprenais pas. C'est quand j'entends dans la voix, tu dis, hey, je suis chez Omer, ce n'est pas le chez toi, le Remingue. Dit, hey, 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 hey. Donc tu es même chez encore le Remingue. Donc ce n'est pas chez toi. Hey, c'est là que j'ai encore dit que Tiana, Amfona, ça ne va plus là. Ça ne va plus, ma soeur. Moi-même, sans te mentir, ça ne pas plus dans la maison des gens, ma soeur. Nous sommes en Europe ici. Ne pars plus, ma copine. En Europe ici, on aide les gens. Va même entrer dans les maisons quand on te donne même une chambre. Cherche les gens qui on te paie même les chambres, les ibis là. Les chambres, tu dors là-bas en attendant. Ne pars plus chez les gens, ma soeur. C'est ce qui t'attend. L'imbinguiste d'aujourd'hui, ce n'est pas l'imbinguiste de 2000 quand tu es arrivé. L'imbinguiste d'aujourd'hui, c'est les. Elles sont. Quoi? Elles sont prêtes. Tu t'amuses à te foutre dehors. Oui. Combien de fois elles foutent les nurses dehors? Toi, alors que. Toi, tu es seulement venu comme tu dis, sœur, ma petite sœur. Il y a une petite sœur ici en Europe, là. Il y a une petite sœur ici en Europe. Il n'y a pas de petite sœur. Hein. Remets-toi. Si tu veux demain, allez lui dire que je l'ai fait le direct. Quand elle m'insulte, ça ne va rien changer sur moi. Ça ne va rien changer sur moi. Hein. Parce que moi, si je vais la regarder aussi comme ça, comme un théâtre, je regarde aussi, je ris aussi ma page. Je vais même juste moi, je partage dans ma page. Je vais aussi me mettre à rire, je claque les mains. Chaque jour, gogo, coco gang, coco gang, coco gang. Fais même, j'ai dit que fais un gang quand toi-même tu sais que tu es déjà bien assise, coco. J'ai dit que fais ton coco gang quand toi-même tu es déjà assise quelque part. Maintenant, tu commences, quand tu es assise, tu es en sécurité. Maintenant, prends ton brassard. Tu dis que maintenant, je suis capitaine, je suis assise. Fais pas que tu vas faire le direct, quelqu'un se fâche. Quand tu es en maison, tu vas encore faire. Non, quand tu es en maison, ne fais plus coco gang là-bas. Tu peux encore mettre des brassards. Parce que la personne va se fâcher. Tu sais comment nous les Africains on est, non? Tu vois que quand à ta maison, il bavarde, tu te fâches encore, tu dis que sors de chez moi. Mais chez ta maison, chez toi maintenant, tu prends ton brassard. Tu marches partout chez toi, tu es dans la cuisine, tu fais le direct, tu pars partout. Personne ne maintenant, parce que là, maintenant, tu dis, allez, mes coco gants, voilà, mon brassard, je suis là. Personne ne va te déloger. On ne fait pas coco gants dans la maison de quelqu'un. Non, 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 ma chérie. Même à l'hôtel, tu es à l'hôtel, tu te mets à l'hôtel, tu fais du coco gants, tu prends les vidéos, tu fais, ah, même à l'hôtel, parce que tu, le jour que tu ne payes plus, tu es dehors. Le jour que tu ne payes pas à l'hôtel, tu es juste en compté là-bas. Tu ne me réjouis pas que tu n'as pas de maison. Moi, seulement, ça me fait mal parce que je ne te connaissais pas comme ça. Et tu as dit aussi que ta détente commence parce que tu as. Parce que Lady pense. Parce qu'il y a une chose que je ne peux pas accepter. Parce que tu as dit ceci. Ta descente à l'enfer a commencé quand tu es allé chez Lady pense. Non. Ta descente à l'enfer était déjà avant que Lady pense te prenne. Parce que je crois que tu étais avec quelqu'un qui t'a délogé. Si je ne me souviens pas. Tu étais chez un ami, chez un monsieur qui t'avait délogé. Et tu étais quelque part à Paris que c'est le mari de Lady Ponce maintenant qui ta situation, c'est comme si c'était ton ami. Peut-être que tu as vu sa situation, c'est son mari qui demande à sa femme de te prendre. Que c'est une occasion que tu es là parce que tu es là, tu es une personne, tu n'as pas d'abri, je suis sûr. Et que c'était une occasion aussi que Lady Ponce, parce que si, maintenant c'est donnant-donné, là tu gardes les enfants, tu restes là-bas. Puisque peut-être il fallait aussi que Lady Ponce tout aussi, comme si une femme passe, une star aussi, elle bouge. Tous les stars du monde ne restent pas avec les enfants à la maison, jamais. Hein? Non.
Les stars sont toujours en route. Ah oui, quand tu es une star, tu es aux États-Unis, demande-tu au Maroc, demande-tu à machin. C'est comme ça qu'elle gagne son argent et c'était normal. Et là, maintenant, elle a trouvé que oui. Au moins, elle a une personne qui fait la cuisine, qui est propre, qui peut garder chez elle, c'est chez elle. Et comme tu as une sœur, t'as apprécié. Mais après ça, Tchakala. Ça, Tchakala. Ça veut dire que tu étais dans une situation. Parce que si tu étais dans un loyer qui t'a parti, tu ne l'aurais pas déménagé pour venir chez les ponts. Ça veut dire que tu étais toujours quelque part sans abri. Ça veut dire que tu étais quelque part, tu as déménagé, tu as trouvé l'occasion puisque c'était on t'a ouvert la porte, tu es parti avec toutes tes choses là-bas, elle a accepté de venir. Mais tu as fait là-bas une année, je ne sais pas combien de temps, mais tu avais tout le temps de chercher un appartement pour toi. Mais tu te sentais à l'aise parce que finalement tu te sentais à l'aise, tu t'oubliais. Ce n'est aucun cas, Lady pense qu'elle a la défaite de ta vie, ce n'est pas elle. Elle t'a trouvé que tu n'étais pas situé quelque part, tu étais quelque part, tu ne sais pas comment ça t'a déblégé dans ta maison. Quand tu as loué un appartement, elle te dit de laisser ton appartement qu'elle va prendre. Non, tu étais aussi quelque part ou dans un hôtel où on payait, tu restais, tu n'avais pas un domicile. C'est là maintenant qu'elle t'a prise. Elle n'a aucun cas, elle dit, pense, elle fait des trucs. Non. Parce que quand on m'appelle, c'est bête, c'est quand même. Vous n'avez pas signé un contrat de maison. On n'a pas dit qu'on déménage là où tu habites. Tu viens, on va louer la maison ensemble, tu vas payer moitié, je paye moitié. Là, tu vas la tenir responsable de ce qui t'arrive. Jamais tu n'as payé le loyer, même si tu as payé l'eau, mais tu n'avais pas un contrat de bail avec elle. La seule chose que tu la tiens responsable, parce que tes choses sont restées chez elle, et que tu ne t'as pas laissé de temps, comme tu dis, elle ne t'a pas laissé de temps de venir récupérer et que ça a disparu. Voilà. Mais en aucun cas, c'est elle qui est la faute de ton malheur. Ton malheur a commencé depuis, avant que tu viennes chez Lady Ponce. Tu étais enceinte, tu étais dans une maison. Quand je me souviens, j'étais bien suivi dans les réseaux sociaux. Tu étais enceinte, tu prépares ta pilule dans une belle petite maison. Après, tu es malade à Cannes, je ne sais pas où tu es allé à la Cannes, quelque part là-bas, quand tu es resté avec l'enfant. Après là-bas, tu es allé encore, après l'enfant, tu n'étais plus avec l'enfant, après tu étais encore dans une. C'est-à-dire que tu étais dans plusieurs endroits. Nous, on te suivait, moi j'ai vu, j'ai regardé un peu de comment tu étais. Après un moment, tu t'es perdu. Juste à ce que tu dises que tu étais à l'hôtel, c'est Prézi à Montreux. Quand j'entends que Prézi à Montreux, t'es loué à l'hôtel parce que tu es dans les soucis, tu n'as pas les mêmes. Là où tu es parti chez un monsieur, qu'il y avait le voice, que le monsieur t'a mis, que tu commences à le menacer. Le monsieur t'a mis chez lui, après t'as demandé de quitter. Le voice est passé dans les réseaux sociaux que le monsieur a mis tes choses dans un plastique que tu dois partir. Parce que tu le menaçais aussi, Coco. Tu as menacé aussi le monsieur qui t'a aidé. Et là, maintenant, il fallait trouver un logement. C'est là où tu es parti maintenant, peut-être dans un hôtel avec l'enfant. Tu dormais dans un petit, comment on fait souvent. C'est là maintenant, tu rencontres, tu tombes sur le chemin. Peut-être comme tu connaissais le mari, les Lady Ponce, les plaisirs à Monte. Qui maintenant, qui parle, qui fait comprendre. Et que maintenant, Lady Ponce au courant. Et qu'on lui fait maintenant, on lui dit. On lui parle maintenant, qui a compassion, qui te prend maintenant chez elle parce que c'est une occasion pour elle, parce qu'elle voyage, comme je répète. Que chez donné. Mais là, ça n'a pas marché. Et là, maintenant, franchement, ce n'est pas Lady Ponce qui est la cause de tes trucs. Comme on peut le dire n'importe quoi, ce n'est pas Lady Ponce qui est la faute de tes. Qui est la cause de tout ce qui t'arrive aujourd'hui, au fait. Demain, tu vas dire que c'est aussi Lorraine Mungle. La cause, ta cause, c'est au début. Commençant là où tu as couché, c'est là-bas. Il faut regarder à partir du moment là où tu as fauté toi-même. Nyangono. Ne lance pas toujours la pierre aux gens qui t'aident. Et quand ça ne marche plus, tu les tiens responsables. Non, Calix, je suis en train d'expliquer. C'est normal que je parle de Lady. Parce qu'elle parle hier, elle parlait de Lady, non? Je parle de Lady, je ne l'insulte pas. Comment tu viens dire c'est ma grande sœur que ce n'est plus de Lady qu'on parle? Bien sûr que Lady fait partie de son histoire. Je n'insulte pas, je ne suis pas en train de la dire de se remettre en place. Je suis en train d'expliquer aux gens qui ne comprennent pas ma chère grande sœur. Tu comprends un peu? C'est pour dire un peu là, parce qu'elle accuse, parce qu'aujourd'hui, la personne qu'elle accuse, quand elle fait les directs, elle accuse. Je ne sais pas depuis hier qu'elle fait les directs sur Lady Ponce, elle a publié les choses de Lady Ponce. Ça veut dire qu'elle dit que là, dans ça, elle dit que Lady Ponce est la cause. Alors il faut rappeler aux gens. C'est là qu'elle dit qu'il faut qu'elle se rappelle là où ça a commencé. Ce n'est pas elle qui est la cause. Il ne faut pas venir me dire ici là que non, machin, je n'ai pas parlé que machin. Puisque hier là, regardez sa page. Elle a encore publié encore ses habits, elle a encore reparlé de Lady. Elle parle toujours d'elle. C'est dans les réseaux sociaux. Mais maintenant, pour la faire comprendre, il faut que je lui dis que ce n'est pas Lady qui est sa faute, qui est la faute. Parce que je dis que tout ce qu'on peut parler, c'est Lady pense qu'il la rend comme ça, qu'il l'a rendu. C'est pour ça qu'elle dit que non. Non, ce n'est pas Lady Ponce, ce n'est pas elle. Donc, c'est ce que je veux faire comprendre, qu'il faut qu'elle range aux sources. Comment ça a commencé? Là où ça a commencé, avant que Lady Ponce lui prenne. C'est pas là qu'elle doit commencer. Elle doit faire une, c'est-à-dire qu'elle doit faire une marche en arrière. Lady est seulement quelqu'un qui l'a tendu aussi la main comme Lorraine Mungle.
Et ce ne sont pas telles qui sont la cause. Parce que vous allez venir aujourd'hui, les gens vont venir aujourd'hui, vous dire, oh, Lady est la cause, Laurel Manga est la cause, ils l'ont aidé. Après, regardez, c'est comme ça maintenant. Non, les gens maintenant qui l'ont aidé, ce sont eux qui ont les problèmes. Ça veut dire que non, ce n'est pas les gens qui l'ont aidé qui ont les problèmes, c'est elle qui a les problèmes. Son problème commence par là où elle s'est délogée, elle-même au commencement. Est-ce que Lady Ponce et Laurel Manga l'ont trouvé dans une maison à elle? Qu'elle louait? Et que les femmes leur ont dit que laisse la location, déménage de là. Il faut déménager ta maison, il faut laisser ta maison, viens chez moi, tu payes chez moi, parce que chez moi est mieux. Et là maintenant, je peux t'accueillir chez moi, tu peux payer chez moi. Ou bien, laisse ta maison que tu loues, viens chez moi, rester gratuitement. Avant que demain, quand elle reste après un mois, on lui jette à la porte. Et là, c'est difficile pour qu'elle retrouve, elle se retrouve. Elle retrouve une maison. Non. Elle n'avait pas de maison avant qu'elle ait dû bronzer. C'est-à-dire qu'avant qu'elle l'a à l'hôtel, logée avec son fils, elle n'avait pas de. Elle avait une maison là où elle a couché. Après, elle est quittée de là-bas, qu'elle est partie avec son fils maintenant chez quelqu'un, un ami qui lui a logé. Et l'ami qui ne pouvait pas le supporter, qui l'a délogé dans chez lui en lui jetant dehors, avec son fils, vous vous rappelez, a pris ses choses de mettre dans la voiture, avec, dans sa petite camion de partir. C'est là maintenant qu'elle quitte, maintenant qu'elle est passée logée dans un hôtel encore en France là-bas. C'est là-bas, elle était dans un truc. Maintenant que quelqu'un maintenant qui font maintenant la connaître à Lady Ponce. Vous comprenez? Qui l'accueille aussi et que ça ne marche pas. Maintenant, elle a encore quelque part qu'elle loge. Maintenant que le roi Mango aussi vient maintenant lui prendre aussi pour le loger. J'avais dit qu'aucune personne n'est le malheur de ses problèmes. Aucune de ces femmes-là. C'est ça que je parle ici. Donc, les gens qui ont venu insulter ces gens qui la logent, demandez à elle que qu'est-ce qui n'a pas marché à elle. Demandez à elle que qu'est-ce qui n'a pas marché. Ce n'est pas le problème des femmes qui l'ont logée. Mais c'est elle qui a un problème. Qu'est-ce qu'elle a fait elle-même pour qu'elle se retrouve dans cette situation? Pourquoi elle n'arrive pas à prendre un loyer? Pourquoi elle n'arrive pas à faire telle chose? Demandez à elle. Ne venez pas attiser seulement pour dire oui. Oh, les gens sont méchants. Non, non, on ne peut pas accuser les gens qui tendent la main des méchants. Posez la question à les gens que pourquoi quand on te tend la main, ça ne marche pas. Tu n'arrives pas à t'en sortir malgré la main qu'on te tend. Ça, posez la question à la personne. Je ne suis pas ici là comme vous. Vous réfléchissez. Moi, je ne peux pas l'engueuler parce que je regarde de début jusqu'à la fin. Vous comprenez? En aucun cas, je mets Lady Ponce être la personne qui a foutu sa vie en l'air. Non, ce n'est pas Lady Ponce. Jamais, elle n'avait pas une maison. Ce n'est pas Lady Ponce qui l'a délogée. Coco Lago non plus. Coco Lorraine non plus. Non plus le monsieur qui l'avait logé avec son fils, c'est non plus. Elle pouvait gagner sur le père de son enfant. C'est le père de son enfant qui a commencé à la loger quand elle était enceinte et qu'il a lavé les mains de ne plus la loger, de ne plus payer l'appartement. Elle avait pas le père de son enfant, si je ne comprends pas. Et que lui, il a laissé de s'occuper d'elle. C'est là où ça commence son problème. Je ne sais pas aussi, comme le monsieur, ce n'est pas un... Peut-être le monsieur aussi, peut-être avec sa bouche, le monsieur les fait une poudre comme ça sur elle. Hey, mes copines, si c'est un Togolais, peut-être pas les demander, peut-être le Togolais là aussi a mis la poisse dans sa vie, hein. On peut laisser si on rit comme ça là que le monsieur là, depuis qu'elle a rencontré le monsieur là, elle a fait la gueule comme elle fait le monsieur là. Tu sais comment les Togolais sont, non? Parler de l'attacher que ma soeur, comme tu me fais la gueule là, tu veux voir où tu vas avancer. Tu vas plus. Eh oui, hein. C'est là où tu ne penses pas, c'est là qu'on te fait les choses, hein. Vous comprenez un peu? Donc parfois, il faut demander la source des problèmes. La source des problèmes n'est même pas seulement pas les personnes qui ont la chance de te dire. La source des problèmes, c'est là où tu as commencé d'abord. Ah, si Natacha de Monaco lui donne un appartement, c'est bien. Si Natacha lui donne l'appartement, c'est bien. Mais ça va venir nous trouver ici. Natacha peut lui donner même sa maison qu'elle habite dedans là. Natacha de Monaco, ma chérie, bravo. Donne-lui même l'appartement que tu habites dedans, ma soeur. Appelle-la même venir habiter chez toi avec Dada, avec toi. Appelle-la, tu lui donnes la chambre, la plus bonne chambre dans ta maison. Prends ses bagages, tu les mets chez toi, ma cour. Tu comprends, non? La seule chose que tu peux faire, cherche louer un appartement, c'est-à-dire que aide-la à trouver un appartement, elle signe son nom, qu'elle va payer l'appartement. Si tu veux aider Natacha de Monaco, si tu veux aider Nyangono, aide Nyangono à avoir un bail et c'est son nom, c'est-à-dire que tu payes les 2-3 mois. Tu comprends, ma soeur? C'est-à-dire que tu fais ceci, tu aides Nyangono à chercher 2 pièces. Maintenant, tu pars avec elle, sur le contrat de bail, c'est son nom qu'on met, ça veut dire que c'est elle qui devient la patronne. Maintenant, tu payes son loyer 4 ou 5 mois. Tu lui donnes ça maintenant, tu lui laisses le temps maintenant de chercher. Les 4 et 5 mois là, elle va chercher un petit boulot pour aller travailler. En attendant, tu peux la soutenir à distance.
quand elle prépare, elle vend, tu l'envoies un peu l'argent pour payer son loyer. Mais si c'est une maison de 400 euros ou 600 euros, hein, Natacha Lomoka, tu peux simplement l'aider, mais pas dire que ton appartement, tu lui donnes, non. Tu vends pas Natacha de Monaco. Je ne suis pas d'accord avec toi. Hein. Ah, voilà, tu es même là, ma chérie. Voilà. Fais pas ça, ma puce. On se sent que le bienfait que tu fais, ça se retourne sur toi. C'est ça, il faut éviter parce que moi, je n'ai pas un bon sentiment. Dès que j'ai entendu ça, c'est pas bon. Ce n'est pas que je la déteste, mais je veux mieux prévenir que vous guéris. Amène-la, tu es gentil. Amène-la quelque part. Tu es chercher une deux pièces. Pas tes appartements, pour qu'elle ne connaisse pas ta vie, elle ne connaît rien de toi. Parce qu'il faut se sauver, hein. Il ne faut pas qu'elle connaisse ta vie, ne parle rien avec elle. Si tu veux parler, tu peux l'aider, parle juste sur son problème. Mais qu'elle ne parle pas de tes choses ni rien. Alors maintenant, tu l'amènes quelque part, Natacha. Hein, ma petite soeur. Tu l'amènes quelque part. Si tu peux l'aider financièrement pour 2, 3 mois, 4 mois, si tu vas avec Dada. Et maintenant, quand vous trouvez la maison, si tu peux l'aider avec Dada de trouver la maison, mais que c'est elle qui signe, ce n'est pas vous qui signe. Parce que ça peut se retourner contre toi. Parce que si elle ne paye plus le loyer, c'est toi qui auras le problème. Pour la déloger là-bas, ce serait les problèmes. Elle met son nom sur le contrat de bail, c'est elle. Et tu l'aides financièrement à verser d'abord. Et tu peux l'aider, soutenir à distance avec les cocogans. Vous envoyez peut-être 2 mois, 400 euros. C'est parce qu'il fait chercher la maison maximum 400 à 500 euros, pas plus. Parce qu'il sait qu'elle sera capable elle-même de préparer. À un mois, elle pourra préparer, accumuler les 500 euros et puis payer son loyer. Au cas où ça ne va pas, elle n'est pas encore dit au cocogans que voilà, les cocogans, ma soeur, cotiser parce que j'ai un peu mes 300 euros, aidez-moi, pour le moment je fais ma nourriture, je n'ai pas de clients. Et là les gens, moi aussi je pourrais aussi avoir même 200 ou 300 euros pour la soutenir. Mais là-bas, sachant que c'est elle qui a, c'est les papiers sur son nom ma chérie. Et au cas où, si c'est qu'on lui donne la chance 5-6 mois, et qu'elle ne se bat pas de faire quelque chose de mieux pour payer son appartement, alors vous l'avez, ça veut dire qu'elle ne veut pas, elle n'a pas vu de céder elle-même. Tu comprends Natacha? On dit souvent, c'est mieux d'aider, aujourd'hui il faut aider les gens à distance. La meilleure façon c'est d'aider les gens à distance. Le monde est très dangereux. Celui que tu penses, quand tu prends un chien arraché dans la rue, lorsque tu vas nourrir ce chien et le soigner, c'est ce chien qui va te mordre. N'oublie pas ça. C'est parce que nous, les Africains, on est très mauvais. On est très méchants. Tu comprends ma puce? On est très méchants parce que ça peut se retourner contre toi. Ton aide peut se retourner très dangereusement contre toi. Je suis pour que tu l'aides. Mais d'une autre manière, mais pas chez toi. Comme tu as toujours c'est bien fait les blogueuses là. Je sais que tu es une fille très intelligente. Ne fais jamais ça. Ne fais jamais ça. Fais pas comme une gâtée ta petite vie tranquille que tu as là comme ça parce que tu voulais aider. Non, on sait qu'entre nous, quand on aide, ça devient la catastrophe. Ça se retourne contre toi très dangereusement. Tu as tes enfants, ton dada, reste comme tu es. Aide, donne l'argent à distance. Va, tu prends le loyer. Comme je t'explique, va. Vous regardez, elle là. Elle met son nom. Vous prenez la chave dada, on met avec les gens un peu. Mais 4 à 500 euros, c'est pour elle un peu. Deux pièces, entre les deux pièces ici en Europe là. Très bien. Elle choisit et puis vous lui donnez le temps. Tu dis qu'on peut t'aider 5 mois. Maintenant, cherche-toi. Je crois que là, ça va vraiment les permettre parce que là, elle sera. Parce qu'avec un logement à son nom, je crois qu'Onyango va vraiment comprendre que là, elle ne doit plus rigoler. Parce que si tu lui donnes gratuitement un appartement, tu ne l'aides pas, ma soeur. Non, tu ne l'aides pas. Parce que ça, c'est de la facilité. Jamais on aide quelqu'un en lui facilitant les choses. On aide quelqu'un juste en l'aidant. C'est-à-dire qu'elle devait s'aider à 100% et tu l'aides à 40%. C'est elle qui devait faire les efforts et montrer qu'elle a envie. Ce n'est pas toi. Non, ça ne marche pas comme ça. Quand on dit souvent, quand vous voulez aider les gens, laissez ces gens montrer qu'ils veulent s'aider soi-même. Vous comprenez? Moi, c'est mon principe. Je ne peux pas dormir là, je suis belle, je suis jeune, je suis belle. Toujours en train de me filmer avec les belles robes et les beaux talons. Demain, je tombe, tu vas me prendre, tu dis que tu me portes seulement comme un œuf, tu me dis, oui, prends la maison. Oh là! Non. Je ne suis pas handicapé. J'ai les papiers. Pour m'aider, tu vas me dire, Lydia, s'il te plaît, montre-moi la volonté. Alors, si je te montre la volonté, c'est là maintenant que tu donnes ton appui et attends à distance. Et puis, c'est bon. Et si là, maintenant, ça ne donne pas, quand tu lèves tes mains. Il faut aider monétairement à distance. Les histoires que vous voyez pas, les gens, tu prends ta maison, tu donnes ta maison. Arrêtez ça. Tu vas intervenir. Ah bah lance l'appel ici, je vais te prendre. Moi j'ai fini de parler. Maman, lance l'appel, je prends.
Je sais pas. J'ai cette réponse, ça ne donne pas là. J'ai pris ça. J'ai vu l'ajout. Invitation, oui, ajouter. Véronique Lundo, j'ai ajouté. Ajouter un ajout en cours. Je sais pas si ça ne donne pas. Bonsoir, Tata Lydia. Bonsoir, ma chérie. En fait, ce n'est pas pour clouer Coco ou pour clouer Lorraine ou pour dire mal de l'une de nos sœurs. Nous savons tous que l'Europe est difficile. Ce que j'ai à dire, c'est que chez nous, les bêtises ont dit ne regarde pas où tu tombes, regarde là où tu as cogné ton pied. Exact. Et quand tu cognes ton pied, regarde comment tu as posé tes pas sur la route, parce que tout ce qui est dans la nature doit être respecté. Exact. Cette femme-là, elle ne sait pas que quand on part d'un continent pour un autre, Dieu sait comment il a réparti son monde. Donc, quand tu te fais rencontrer certaines personnes dans ta vie, c'est que ces personnes-là jouent un rôle. Mais voilà. Avant que ces personnes-là jouent un rôle dans ta vie, tu te dois d'être au minimum respectueuse envers ces personnes-là. Exactement, oui. Donc, aujourd'hui, si Coco se retrouve dans cette situation-là, elle-même, elle se doit de confesser tout ce qu'elle a déjà fait. Exact. Parce qu'à l'heure où nous sommes, on n'est plus... Arrêtez que les gens arrêtent de commenter, de dire que Lorraine a été peut-être une aide à détester. Voilà. On ne va pas regarder maintenant qu'elle a aidé. On regarde le comportement de Coco. Quelqu'un peut t'aider et tu te permets de fouiller dans sa vie. Dans sa vie, voilà. Dans ses sous-vêtements. D'aller dans son intimité profonde. Tu vas creuser. Tu vas fouiller les morts de cette personne ou venir parler sur Facebook. On peut faire ça. Il faut arrêter. Ah ouais. Quand le soleil et la lune ont vu quelque chose, les oreilles des êtres humains sur terre, ne croyez pas qu'il y a un Dieu. Vous qui dites toujours que Dieu va descendre. Dieu, c'est toi, c'est moi. Dieu, c'est la nature. Quand les gens ont vu ce qui se passe, je n'ai jamais, c'est-à-dire tout au début, quand elle disait, Lady, remets-moi mes affaires, remets-moi mes affaires. J'ai essayé de comprendre. On peut être méchant comme ça. Si je me permets d'intervenir, c'est parce que je connais une infime partie de cette femme-là. Parce qu'elle a côtoyé une personne très proche de moi que j'aime beaucoup. Elle a failli gâcher la vie d'une personne. Parce que justement, soi-disant allant à sur l'autre, comme elle prétend aller sur l'autre, parce qu'à Lourdes, on ne va pas pour jouer. Quand tu vas pour jouer, c'est ce que tu récoltes là-bas. Il faut faire attention à la profanation divine. Elle va faire quoi à Lourdes? Pour que Dieu te pardonne, il faut confesser. Pour que Dieu te pardonne, il faut que tu portes ta croix. Et pour que Dieu te pardonne, il faut que tu sois au minimum répandu. Que tu te répandes. Voilà. Si tu es écoute le direct aussi, parce que je sais que ça va arriver dans tes oreilles. On ne se connaît pas, mais je connais une personne à qui tu as failli détruire la vie. La personne t'est hébergée chez elle. Elle dit qu'elle va à l'autre. La personne, elle s'est foutue à poil. Okay. Commencer à faire des avances à cette personne, sous prétexte qu'il faut à tout prix que la personne couche avec. La personne, elle dit non, tu es venu pour que je t'héberge. Comment je peux te laisser aller sur l'autre alors que moi j'ai une maison, dit moi je vais bosser. Elle a fait tout pour que cette personne couche avec elle. La personne a refusé. Coco a commencé à appeler la famille de cette personne-là, comme je suis en train de vous dire ici. Vous voyez que combien de personnes en veulent à cette femme-là? Il suffit que tu offenses quelqu'un qui ne t'a rien fait, mais la nature divine se croit et se permet de te rendre, de faire justice. Mais vous parlez même de quoi? Coco. C'est pas une femme qui vient de se faire opérer. Tu te permets de la lyncher sur les réseaux sociaux. Ouais, ça m'a pas plu, hein, franchement. Qu'est-ce que c'est? Les gens qui disent que oui, bien fait pour Lorraine. Bien fait pour Lorraine, quoi. Je peux être Lorraine demain, tu peux être Lorraine demain. Hein? Merde. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'elle porte sa croix? Qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait dans son passé? Et comme elle est en train de crever, on dit chez nous, en Éondo, quand une dame jeune commence déjà à faire trop de bruit dans une voiture, elle va se casser. Parce que tu ne peux pas enchaîner les offenses comme ça envers les gens.
Même si on dit que c'est le game de Facebook, attention à un moment. Quel game même, ma chérie? Quel game même? Quel game? Les gens. Oh là là. Commenter les choses. Ouais. Pourquoi avec les émissions? Oh la Coco Gang. Mais Coco Gang de quoi? Quelqu'un peut faire du mal aux gens comme ça, vous encourager. Mais dites-lui si vous l'aimez beaucoup de se repentir. Moi, j'ai eu très mal. Cette femme-là, elle a lynché, elle a lynché depuis quelques jours. Il y a dernièrement Nivakin qui l'insultait. Ça ne m'a pas trop plu. Mais au final, toutes ces personnes ont raison. Mais qu'est-ce qu'elle veut? Natacha de Monaco, tu es dans le direct. Dieu t'a donné ta route. Les gens qui t'insultent, t'insultent. Profite de ton bonheur comme tu peux. Ce n'est pas tout le monde qui peut être content de ton bonheur. Toi, quand tu t'es plaint ici, que tes copines t'ont fait ça dur. Ah, quelqu'un qui fait du mal à la vie. Elle a sali Lady. La traiter de matela de la République. Insulter ses sous-vêtements. Quelqu'un qui t'a donné le toit. Rien que pour ça, tu devrais te taire. Tu oses dire quoi? Tu peux la prendre chez toi. Ok, nous sommes ici là. Même si c'est que tu as tel pouvoir sur terre, cette femme-là, c'est le mal en personne. Et qu'elle porte sa croix. À un moment, il arrive souvent dans la vie où tu dois porter ta croix. Tu la portes seule. Et face à Dieu, face aux hommes, tu demandes pardon. C'est comme ça. Elle est qui pour manquer, pour faire même honte aux Camerounais comme ça, là. Elle connaît... elle a parlé du grand neuf qu'il a acheté les casseroles. Elle connaît le grand neuf où? Elle a quelle relation? Si ce n'est pas Lady qui l'a ouvert les portes. Mais qu'est-ce que c'est? Arrêtez d'encourager les bêtises, s'il vous plaît. C'est tout ce que j'avais à dire. Arrête de faire du mal. Au moins, peut-être, Dieu est bon, il est miséricordieux. Mais n'oublie jamais que Dieu est juste. Il est juste. Même si tu vas prier à Lourdes, il est juste pour ceux que tu fais du mal là. Dieu est juste. Il est bon, Coco. Il est miséricordieux. Ouais, Coco, mais avant d'être miséricordieux, il commence par faire justice. Et ce n'est pas Dieu qui descend sur terre pour faire justice. Ce sont les hommes comme toi et moi qui voient ce que tu fais. Rien que pour ton enfant là, essaie de faire du bien autour de toi. Apprends à dire merci. Quand quelqu'un ne te veut plus chez lui, dis-lui merci. Si tu dis merci, tu pars, oui. Dis-lui que voilà, je te donne une période. Laisse-moi passer l'hiver, je vais sortir. Exactement. Sur quelqu'un, tu fais la loi. Mais on sait ce que nous vivons ici en Europe. En Europe, là, mon frère. Arrêtez d'encourager les conneries. C'est ça que je comprends. Parce que les gens l'ont tellement encouragé. Parce que les gens, moi j'ai vu les gens, moi je disais que mais c'est Coco Gala, que non, demande à Lorraine pardon pour qu'elle te laisse un peu chez elle. Mais ils sont là, ils attisaient, oh le Seigneur avec toi. Le Seigneur, quel Seigneur? Alors si le Seigneur avec elle, Coco Gang, vous êtes où aujourd'hui? Le Seigneur avec Coco. Vous l'encouragez, vous êtes là, oui, Lorraine même est mauvaise, oh machin, non. Quelqu'un te donne sa maison, dès que ça ne va plus, tu pars de là, tu quittes, tu dis, je ne pars pas d'ici, vous l'encouragez, oh là, moi j'ai pas aimé, hein. Non, franchement, je n'ai pas aimé ça. Une femme qui, après, c'est elle-même qui vient dire sur Facebook que la dame s'est fait opérer. Mais qui savait? Personne ne savait. Hein? Elle a dit comment on enlevait tout. Elle devait se opérer. Non, oukou. Il y a un bon auto aussi, ma soeur. Maman, ta bouche là. Ouh là 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 là. Et ce sont les femmes, ce sont les femmes. Même le mari de Nyangon, qui le connaissait, elle a étalé tout, qui connaissait même le mari de Lorraine là. Elle a parlé de monsieur, de la vie du monsieur, le loyer. Non, le problème, c'est toujours elle. Hein? Le plus choquant dans l'histoire, c'est qu'elle se permet de dire à Lorraine que le monsieur l'a aidé. Mais tu connaissais ce monsieur-là aussi, Lorraine n'avait pas été une femme. N'est pas voilà, c'est ça. Mais, il faut arrêter les conneries. Pour qui encourager les conneries? Si elle est, n'est-ce pas, elle est une femme comme tout le monde, pourquoi elle ne se trouve pas quelqu'un aussi en bête qui va l'aider? Elle connaît ce monsieur-là où? Le monsieur, c'est Lorraine qui l'a fait. Même j'ai vu dans la vidéo, là, Omer disait que. J'ai vu la vidéo là, Omer disait que c'est toi qui as amené la femme là ici chez moi. Omer a dit ça, ça veut dire qu'Omer ne la connaissait pas. Elle a dit pardon, mon chéri, pardon, chérie, laisse, pardon. Hein? La femme, Lorraine, même si elle a eu la chance, c'était sa part que Dieu a écrit. Tu te permets de dire qu'elle connaissait ce monsieur-là ou toi tu le connaissais ou connasse. Moi, ça m'énerve. Les femmes, et c'est des femmes comme nous qui encouragent cette qui encourage ça. Mais qu'elle se fait sur Internet. Et l'Europe n'est pas obligée. À l'âge qu'elle attend là, si ça ne va pas, rentre au Cameroun. Lady t'a même laissée en Europe, elle est rentrée au pays, elle a refait sa vie. Rentre aussi si tu es une femme.
Mais rentre au Cameroun, c'est ton pays, c'est pas ton pays. Les réseaux sociaux. Vous voyez les réseaux sociaux, la réalité. Vous qui attisez là, vous avez vu la réalité. C'est ça la réalité. La réalité, c'est pas que faire qu'elle se filme, elle danse là, les vidéos, elle t'habille. La réalité, c'est qu'elle regarde derrière les coulisses. La vraie vie, c'est derrière les coulisses. Elle ne peut pas venir vous montrer comment elle a les chaussures bien alignées, les sacs. Ce n'est pas la réalité là-bas. On peut avoir la grande derrière les réseaux sociaux. Vous qui écoutez Coco là, combien de personnes ont fait des témoignages? On fait venir personne. Personne. Je vois personne qui fait un témoignage pour elle. Voilà. Je vois personne. Oh là là. Hein? Vous êtes personne. À vous encourager dans la bêtise, dans la sottise. Mais soyons quand même humains. Hein? Les Africains sont comme ça, non? Les Camerounais en particulier adorent ça. Ces vampires des réseaux sociaux qui adorent là où elles vont déverser leur colère, leur haine là. Elles aiment quand Coco vient comme ça. Elles sont là, on l'appelle Coco. Elles sont en train d'insulter. Celles qui détestent, elles disent qu'on va venir insulter. Celles qui détestent, c'est comme ça qu'elles sont. Mais toi, on te met, elles sont là, elles insultent sur les claviers, mais elles sont assises chez elles, tranquilles, en train de manger leur couscous. Toi, tu es là comme une guignol, tu insultes, elles insultent en écrivant. Toi, tu es là, on dit capi, des capi, toi, c'est tout. Alors qu'après, quand tu fermes ton téléphone, tu demandes encore que, s'il te plaît, aidez-moi. Okay. Elles quand sont là, dès que. Elles vont même encore dire qu'on t'aide pourquoi. Vu de face, vu de profil, elle ne va pas bien. Pourquoi vous ne pouvez pas lui dire que notre soeur, ferme un peu ta page des réseaux sociaux, retrouve-toi avec ton toi-même. Arrête de chercher le bonheur des autres. Voilà. Arrête de vouloir détruire le bonheur des autres. Arrête de vouloir entraîner les autres. Nana Kila, Nana dit Nana Bal, Nia Nia, Bald, que sera la prochaine, et sera la prochaine avec la cuisinière Machiavelli. Pourquoi? Si elle m'insulte, c'est qu'elle est de mauvais foi. Moi, je ne l'ai pas clashé. On lui dit les vérités. On lui dit juste les vérités. Qu'elle laisse la vie des gens. Moi, ce que je souhaite, c'est que je souhaite qu'elle puisse se relever. Parce que si moi je vais l'insulter, moi je l'ai insulté, je ne l'ai pas insulté. Moi je relève et puis il faut lui dire la vérité. Quand on n'est pas d'accord, il ne faut pas seulement caresser. Il faut lui dire la vérité pour qu'elle comprenne que moi je ne suis pas hypocrite. Si elle m'insulte, c'est son choix, mes chers. Je ne l'ai pas insulté, je n'ai pas dit. Quand on est insulté, ça veut dire quoi? Insulté, c'est quand j'entre dans sa vie privée, je commence à raconter n'importe quoi. Mais ce sont les faits que je vois aujourd'hui, sa vie, ça ne donne plus. Il faut qu'elle se remette encore. C'est-à-dire que. Comment vous dites ça en français? C'est-à-dire qu'elle doit remettre les choses, les pendules à l'heure. Un examen de conscience. Conscience, c'est tout. Est-ce que le fait d'insulter les gens, ça sert à quoi? Elle va insulter tout le monde. Moi, je ne l'ai pas insulté. Elle va m'insulter pour gagner quoi? Est-ce que je suis resté dans sa vie pour l'insulter? Parce que ce qui se passe aujourd'hui, dans les réseaux sociaux. C'est dans tout le monde. Dans ta table, c'est tout. Vous avez partagé son truc là, on l'a faute dans mes trucs. Est-ce que vous avez vu que j'ai partagé dans ma page? Moi, je viens parler. Je ne suis pas là pour lui caresser. Je lui dis la vérité, pour lui dire ma soeur. Vraiment, il faut arrêter parce que moi, je l'ai pas dit parce qu'au moins à l'époque, je connaissais. Moi, je me plains parce que quand vous connaissez quelqu'un à l'époque, vous voyez aujourd'hui, c'est là qu'il faut que les amants de conscience. Comment sa vie, pourquoi elle se retrouve comme ça? C'est ça de poser des questions. Vous aimez attiser, oh, elle va tomber sur toi. Oh, elle va tomber sur toi. Justement, on lui donne, lui la laisse croire qu'elle est invincible, qu'elle se permet de tout faire, n'importe comment. Mais Sandrine Hermine, tu dis ici, Lydia ne parle pas comme ça de Coco. Écoute, qu'est-ce que tu as écouté même quand j'ai parlé? Qu'est-ce que j'ai parlé? Donc tu veux quoi? Comment elle est dehors là? Donc toi tu vois seulement le fait qu'elle est dehors aujourd'hui là. Il fallait aussi que Coco arrête aussi de faire les problèmes, qu'il fallait qu'elle se calme pour qu'elle arrange avec Lorraine. Vous aimez trop, quand ça vous chante, venez dire, Lydia n'est pas comme ça, Lorraine a mal fait de lui mettre un hiver. Est-ce qu'elle louait? Quand tu sais que quelqu'un te donne un truc gratuitement, bon, tu ne dois pas venir l'insulter. Non, Tata Lydia, la personne qui fait le commentaire là, qu'elle appelle Coco. C'est même qui ça? Ne venez pas me critiquer ici, s'il vous plaît. Sandrine, mais s'il te plaît, appelle Nyangono, tu la loges, s'il te plaît. Ne venez pas ici parler. Loge là. De critiquer derrière un clavier quand l'autre vit l'enfer. Moi, je n'ai même pas dit que le fait que. Je n'ai même pas dit que c'est bon comme le clavier vidéo. Tu as entendu, je dis que c'est bon comme le clavier. Quand vous venez me reprocher, est-ce que vous avez entendu que je dis c'est bon? Je dis que mais c'est vraiment. C'est bête que je la voie comme ça. Moi, ça m'a fait mal. Je n'ai pas chanté que l'oreille manga a bien fait, ou l'oreille manga a fait ceci, ou l'oreille manga, c'est bon. Qui? Je ne suis pas comme vous, moi. Je ne suis pas comme vous, moi, je vois les choses différemment. Elle paye, Lorraine paye les factures chez elle et tout. Je ne suis pas là pour dire que oui, vous voulez faire pitié. Vous voulez faire comme si papa pitié d'elle. Hein? Ah oui. Moi, j'ai pitié d'elle, mais c'est qu'est-ce que je ne peux pas la loger chez moi. Même si c'est quelqu'un qui te loge, même si toi-même. Bon, change un peu ta place au nom. Parce qu'avant de vouloir critiquer Lorraine Mengage, je sais que Lorraine Mengage, on peut dire qu'elle a mal fait. C'est l'hiver, oui, parce que c'est l'hiver.
Si tu es en été, vous avez dit qu'avec en plein soleil, l'humidité, il y a la canicule. Parce que où tu veux tout l'été. Vous l'avez toujours dit, parce que si tu es en été, vous avez dit que non, à la canicule, elle a mis dehors. Elle va aller où? Maintenant, comme c'est l'hiver, on peut ouvrir le nom de l'hiver. Voilà. Ok, d'accord. Elle a mal fait. Elle a mal fait. Mais pourquoi Lorraine lui met dehors? Qu'est-ce qu'elle a fait? Vous ne parlez pas de ce qu'elle faisait devant vous. Moi, c'est un peu marrant parce que vous ne parlez pas. Elle dit aussi que oui, Lydia, Nyango avait son droit d'insulter le Coco Lago, même si Coco Lago avait le droit d'insulter Lorraine, même si Lorraine Mengele donne la maison. Alors, et puis, c'est pire qu'elle n'avait même pas le droit, malgré que Coco l'insultait, elle n'avait pas le droit, elle n'avait même pas mal. Même si elle avait mal et qu'elle pouvait mourir d'une crise, qu'elle laissait Coco chez elle. Et que Coco continue à l'insulter tous les jours, à dénigrer, à diffamer sa vie, sa famille. Avant, hein, regardez-moi les ça. Bon, vous, alors, mettez-vous à la place de Lorraine Mengue. Je dis, les Camerounais, vous êtes méchants. Vous, les Camerounais, là, vous êtes vraiment méchants. Quelqu'un t'aide, c'est toi qui viens même encore creuser sa tombe. Moi, ce que je vois là, ça me donne double leçon de dire que pour que j'aide encore. Il ne parle pas comme ça, c'est un service que je te demande pour Lorraine Coco et Vitier. Tu sais, attends, Coco n'est pas trop victime. Tu comprends, ma chérie? Coco n'est pas trop victime. Coco est un peu responsable de ce qui arrive. Parce que je ne peux pas commencer à dire qui est victime, qui est responsable. Parce que ici, l'autre a tendu la main, derrière, ils sont entendus, on n'était pas là quand ils ont commencé. C'est seulement venu dans les feux. Parce que vous avez, moi, je n'aime pas entendre les détails. C'est vous qui avez les détails, vous comprenez. Moi, les détails de leur vie, ça m'importe peu. Moi, je ne suis pas là les détails parce que qu'ils étaient en communication, les deux se côtoyaient. Hein? Les deux se côtoyaient, alors c'est parce qu'ils sont côtoyés que l'autre l'a dit, viens chez moi, je vais t'aider. C'est très bien. Vous comprenez, c'est très bien. Ça veut dire que depuis un entente entre les deux, ils s'entendaient très bien. Et quand ça s'est gâté, lorsque ça s'est gâté, et quand tu sens que ce n'est pas le chez toi et que je ne sais pas comment le ton a monté, il faut regarder sûrement derrière le ton a monté pour le rien que ça montait et puis ils ne se supportaient plus. Vous comprenez? Et la personne qui devait faire profit bas, c'est qui? C'est Coco Lago. Mais ce n'est pas pour autant de le faire Lorraine Mengue venir la traiter comme de la merde. Non, je le refuse. Si Lorraine Mengue arrivait à ce degré, c'est parce que Coco Lago, si vous avez vu ici, tous les jours, elle a insulté. Ce n'était pas devant nous ici, là. Même si Lorraine pouvait même laisser, elle ne pouvait plus parce que quand Lorraine est partie là-bas, j'ai vu là où Lorraine est arrivée là, moi j'avais peur que Lorraine arrête la bagarre. Moi, vous sans mentir, je refusais. Même la bagarre, c'est que là où Lorraine l'a arrêté, plaqué au sol, je n'aime pas, c'est pas bien parce que j'avais peur que Lorraine lui fasse du mal. Je ne suis pas comme vous, hein. Tata Lydia. Oui, en fait, ce que les gens doivent comprendre, c'est que comment posez-vous d'abord les questions basiques. Tu prends quelqu'un pour l'aider, la personne se met à filmer ton intimité, filmer, fouiller dans ta vie privée. C'est une personne qui te veut du bien. Non, mais c'est ça que les gens ne comprennent pas. Parce que non, attendez un peu. Parce que les gens, en fait, comme je dis, tu n'as pas raison de parler de Coco. Mais attendez un peu. Mais elle-même qui parlait de la vie de M. Omer qui l'a donné à la maison. Elle a parlé des choses que nous ne connaissons pas au courant. Mais pourquoi vous venez toujours dire que c'est elle qui est victime? Elle n'est pas, c'est sa bouche qui lui a tué. On dit que c'est la bouche de quelqu'un, c'est ta bouche qui t'arrange ta vie, c'est ta bouche qui te tue. C'est parce qu'elle a tellement parlé. Moi, la façon qu'elle parlait, je savais qu'elle avait tort dans tous les sens. Même si tu n'es pas avec Lorraine, tu pouvais rester quand même derrière. Tu t'arrangeais. Quand Lorraine est venue là-bas, et Lorraine est tombée, elle a fait un bon geste, fait le truc à Lorraine à manger et accompagner Lorraine, a pris le risque d'accompagner. C'était un très bon geste. Et moi, je dis que peut-être, là maintenant, si elle est intelligente avec Lorraine, elle va t'entendre pour dire, ma soeur, c'était les réseaux sociaux, s'il te plaît, donne-moi encore le temps, on s'est discuté et façon tout ce qui est arrivé. Bon, elle parle, je crois que Lorraine me opérait, mais après, quand elle accompagne, elle est revenue, j'ai vu, elle a encore refait les vidéos à insulter. C'est ça, et regardez aussi les choses. Elle a dit, après elle a accusé les gens des réseaux sociaux en disant que c'est à cause de vous, hein, c'est vous les gens, parce qu'elle vous accuse vous-même que vous attisez les choses. Attention, vous les cocogars, elle a bien dit ceci. Quand elle est partie accompagner Lorraine Mengue, elle a bien dit ceci. Hein, vous êtes dans les réseaux sociaux, vous attisez les choses, vous ne connaissez pas entre petite soeur et grande soeur. Vous êtes là, vous mettez le feu. Hein. Si elle tombait, elle mourrait, on m'a accusé. Ça veut dire que si Lorraine tombait, elle mourrait là-bas, on allait accuser. Alors que vous êtes attisé, vous êtes en train d'attiser, c'est vous. Donc elle vous accuse, vous les cocogars aussi. Voilà. Elle-même, quand tu es, que toi t'aides, même si la personne te fait quoi, prends tes choses au moment venu, tu pars. Oui, sans contraire, si tu ne peux pas prendre, tu peux parler avec la personne calmement, tu lui dis que pardon, s'il te plaît. On dit souvent que maman, tu t'es genou, non, parce que le froid, si. Parce que c'est le coco qui devait normalement dire à Lorraine, que pardon, ma soeur, je t'ai insulté, oui. Parce que j'ai vu un peu Lorraine, même la plaque, elle riait même. Moi, je vois que Lorraine, elle-même. Je ne sais pas. C'est quelle façon d'abord que quelqu'un t'aide, tu vas développer une amitié assez spéciale avec son mari dans son dos.
C'est normal ça. Vous qui venez commenter là, on vous connaît, vous les Camerounais avec vos maris. Vous pouvez laisser quelqu'un s'approcher de vos maris comme elle fait là avec les maris des gens. Ah, mais c'est ça, le monsieur là. Moi, j'entends comment monsieur Omer a dit que j'étais ouvert ma porte, tu m'as insulté. Oh là là. Elle est venue étaler la vie de ce monsieur. Hein, parce que ne dis pas seulement que l'oreille manque. Parce que non, mais regardez un peu la bouche de Coco. Tout ce qu'elle a raconté, elle n'avait même pas, ça n'avait même pas sa place. Oh, c'est elle qui raconte un peu la vie de ce monsieur là. Le monsieur, ton petit frère t'a amené là-bas. Elle dit que le monsieur ne regarde plus ses enfants. Mais comment elle veut. Non, non, mais franchement, c'est vous qui m'avez dit que. Ce sont les femmes qui ont la langue aux bouches. Ce sont les musaraines, les femmes avec la bouche comme la musaraine. Ce sont des qui adorent les choses comme ça. Quand Coco va revenir demain, ils vont quoi attiser? Non, attiser. Pour moi, quoi là-dedans? Attiser. C'est vous qui m'avez dit que non, Coco, maintenant, ne parle plus de ça. Faites ta cuisine. C'est vous, Coco. Maintenant, si quelqu'un la provoque, là, elle peut venir maintenant, mais elle ne parle plus de ça. C'est-à-dire que dans une situation, elle est bien assise. Vous êtes là, elle là, ça ne va pas. Vous venez toujours, vous voulez chercher un peu les boucs et mystères. Pourquoi? De toutes les façons, Natacha de Monaco, tu es sur ce direct. Natacha, elle peut faire comme elle veut. Non, mais Natacha, elle peut aider. Tu sais quoi, ma chérie? Natacha peut l'aider, mais à distance, au fait. Si ton bonheur déborde, non, Natacha. Si ça déborde, que tu as trop d'argent. Non, non, il n'y a pas. Non, regarde. Il n'y a pas de souci. Non, regarde. Écoute un peu, ma chérie. Écoute un peu. Non, si Natacha lui donne l'argent, moi, je dis seulement que n'est pas amené chez elle, mais que l'aider, même pas un appartement, que c'est elle qui met son nom. C'est-à-dire que l'accompagner à chercher un appartement, c'est ça. Ce n'est que ça. Mais que c'est le nom de Nyango. Parce qu'elle a besoin de quelqu'un. Si elle a besoin de quelqu'un. Tata Lydia, quand la nature décide de faire justice, il faut laisser la personne subir le karma. Vous tous qui allez l'aider, ouais. Tout le monde qui va s'approcher va écoper. Non, mais à distance, je parle de distance. Même à distance, laissez-la se retrouver avec son soi-même. Elle est la victime parce qu'on l'a mise dehors. C'est là où tu la victimises. Elle s'est victime parce qu'on l'a mise dehors au moment du froid, oui. Là, c'est elle qui est la victime, d'accord. Et là, on l'a placée, elle est victime, d'accord. OK. Mais dans la maison de quelqu'un, ce n'est pas elle la victime parce que c'est Mangue qui est dans la victime parce que dans sa propre maison, qu'on vient la faire la gueule. Vous avez dit que les deux sont victimes. Voilà. Ah, il faut qu'Emile en crache ici là. Je vais rester ici, je vais voir. Et tu vas payer les factures. Emile, tu m'as compris. Emile, tu as compris. Non, je comprends. Je n'ai pas dit que je suis d'accord que l'autre l'a mis. Et puis ce qui est fait déjà fait. Et là, elle était sur la route assise. Et moi, je trouve ça m'a beaucoup fait mal parce que ce n'est pas elle comme ça. Moi, j'avais même peur que peut-être qu'elle peut tomber là-bas. Et avec le froid là comme ça, elle est dehors. Moi, ça m'a beaucoup fait mal. Hein. Et la façon que l'autre l'a mis à part, ça, je ne t'accourisse pas. Là, elle est victime. C'est un peu comme une agression. Voilà, même si quelqu'un est chez toi, tu ne dois pas l'agresser comme ça. Écoute, parlons bien. Attends. Non, attends, parlons bien. Soyons lucides. Même si tu as la colère. Non, tu sais, ce n'est pas comme ça. Moi, je ne suis pas d'accord la façon. Parce que si, écoute, tu me dis que oui, on ne peut pas dire que Laurent Manga a bien fait de lui plaquer au sol. Parce que si, elle lui casse le cou. Parce qu'ils ne disent pas que c'est bien. Ici, ce n'est pas bon, c'est une agression. Tu comprends? Moi, je ne suis pas d'accord. Même c'est comment on pourra dire que c'est l'agression que le Manga a fait. Elle pouvait lui dire, bon, j'arrête ton téléphone, maintenant on va dehors, on va s'asseoir pour parler. Là, c'est calmement. Mais Lorraine Manga lui a peut-être frappé très fort et que peut-être elle est à l'hôpital. Ça veut dire que là, c'est une agression et là, elle est victime à ce moment. Bon. Tu comprends un peu? Là, je ne suis pas d'accord. Je suis d'accord. Lorraine Manga, avec sa colère. Elle est mais pas victime dans tout le sens que c'est elle qui est victime parce que c'est le chez elle, elle paie la maison, on va la jeter dehors, c'est elle. Non, 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 non. Non, 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 non. Elle est victime, c'est moi, je suis sur la petite agression. Il manque une petite hachette. On voit la hachette que l'autre avait aussi préparée. Mais on ne sait même pas la réalité. Le problème en ce moment-ci, c'est que quand tu es dans le besoin, ne nous égarons pas dans les détails et dans l'émotion. Quand tu es dans le besoin, respecte la personne qui t'aide. C'est tout ce qu'on demande. Et quand la personne te dit, je veux récupérer mon bien, vas-y. Oui, tu sors de là, oui, tu pars, c'est vrai. Tu demandes doucement, oui, oui. Peut-être une période où tu demandes un moratoire. Oui, oui, doucement, pour ça, oui, avant de sortir, oui. Elle aurait aussi fait ça, hein. Elle aurait demandé aussi le temps à Lorraine que s'il te plaît. Voilà. Elle lui aurait demandé un moratoire. Oui, oui. Mais le problème, c'est qu'en même temps qu'elle fait ça, elle enregistre les conversations, elle balance, c'est la même personne qui balance sur Facebook. Mais comment voulez-vous connaître ce genre de personnes? Moi, en tout cas, je reste lucide. Sachant qu'une personne qui m'est proche a failli être victime, je vous dis, quand le serpent a failli te mordre une fois, quand tu vois le même serpent quelque part, tu t'éloignes. Tu t'éloignes. Ceux qui veulent qu'il aime trop, là, prenez-la chez vous, s'il vous plaît. Faites aussi le bien pour elle.
Donc, Tata Lydia, sur ce, je raccroche. D'accord, ma chérie. Merci, bonne soirée. Bonne soirée, tu peux avoir de la compassion pour elle un peu. Ok. Il n'est pas arrivé. Okay. Comment faire même pour enlever ça, arrêter ça? Je ne connais même pas. Rôle actuel. Ok, j'ai déjà refait, d'accord, c'est parti. Sarah Bali, c'est Lorraine qui a piégé Coco. Je ne peux pas dire qu'elle a piégé aussi. Parce que quand elle s'entendait, on n'était pas au courant. Piégé comment? Est-ce que je ne sais pas comment lui a piégé? Ça veut dire seulement que Lorraine, elle, je crois qu'avec Lorraine, elle causait depuis longtemps. Hein. Moi, je crois qu'elle causait depuis longtemps avec Lorraine derrière. Elles ont eu peut-être des conversations. Et que Lorraine aussi dit que, bon, vous savez, c'est comme ça entre nous les femmes. Hein. Et puis, bon, elle a tendu la main à sa grande pour dire que viens chez moi, comme je n'habite pas là-bas sur Roman. Tu peux prendre la maison en attendant. Mais je ne crois pas. Après, il y a quelque chose sur Roman qui a dégamé. Voilà. Il y a quelque chose qui a des gamins entre les deux. Et puis, comme celle qui a beaucoup expliqué, c'était toujours Coco Lago qui venait parler. Mais Lorraine n'a même pas parlé parce que je ne peux pas écouter. Parce que la personne qui a fait plus de direct, c'était toujours Coco Lago. Elle exprimait sur ses faits. C'est elle qui venait toujours dire ce qui se passe. C'est qui machin. C'est elle qui a plutôt raconté plus la vie de ces deux personnes, au fait. Voilà. Donc. Même quoi avec les têtes de mort comme ça. D'autres, vous savez aussi que les gens, chacun a son opinion. Hein. D'autres voient que Lorraine a mal fait, d'autres voient que Lorraine a bien fait. Vous savez, chacun a son opinion. Ne venez plus mettre les têtes de mort sur les opinions des gens. Hein. Pourquoi vous croyez que les gens, si vous avez votre opinion que Lorraine a mal fait, laissez les gens qui ont les opinions et dire que Lorraine. Parce que dans un tribunal, là, même dans un tribunal, là, quand on juge un bandit, ce n'est pas tous les jurys qui sont d'accord. Vous comprenez? Ce n'est pas tous les jurys qui sont d'accord. Dans tout dans la vie, ce n'est pas tout le monde qui est d'accord. Chacun a son opinion. Vous comprenez, chacun donne son opinion. Ceux qui sont que c'est elle qui est victime. D'autres disent que non, c'est Lorraine qui est victime. Alors bon, vous voulez quoi? Alors qu'on s'en on sait que les deux ont été victimes. Bon, voilà. Pour moi, alors, pour couper court, les deux ont été victimes de l'une de l'autre. Parce que l'autre a souffert moralement. Avec la colère, elle est venue agresser aussi, agresser l'autre, lui chasser maintenant ensemble parce que c'était de trop. L'autre a accepté tous les coups, elle n'a pas supporté les coups, elle est quittée comme c'était sa propriété. Il lui mettre dehors et l'agresser aussi. Vous savez, les deux, ça n'allait pas. Les deux, il faut voir. L'autre est assise, elle est malade. L'autre vient raconter parce que, est-ce que moi, je savais que Lorraine m'a été opérée? C'est elle qui venait raconter. Omer a payé la maison à 1500. C'est pas Lorraine, c'est Omer. Qui a dit que ce qui a payé la maison, c'est elle qui est venue dire. Qui a venu dire qu'elle est ceci, qui est venu parler de la vie de Omer, c'est Coco Lago. Ça veut dire que Omer aussi est victime de Coco Lago. Les enfants de. Ça veut dire que la mère de Coco. Ça veut dire qu'elle a parlé un peu de ce que la mère de Coco, de Lorraine a fait. Regardez un peu. Ça veut dire que vous ne voulez pas voir là où vraiment elle-même l'a fauté. Pourquoi vous êtes hypocrite comme ça? Au fait, pourquoi vous êtes des hypocrites comme ça? Mon Dieu, vous avez vu les choses en face de vous. On me dit non, elle a mal fait. C'est vous qui venez encore dire toujours. Je sais que moi, là où je vois que Lorraine a mal fait, c'est parce que Lorraine est venue l'agresser. Vous comprenez? Et Lorraine n'est pas mis dehors dans la nuit. Lorraine l'a mis dans la journée dehors. Et Lorraine est dans son droit. Elle n'était pas en location, elle n'avait pas un contrat de bail avec. Écoutez très bien. Vous allez dire qu'elle avait. Pas, elle, parce que pour qu'il y a, il fallait que aussi Coco Lago ferme sa bouche et qu'elle elle arrête de parler, qu'elle n'attise plus. Elle était devant vous, elle attisait devant vous. Mais vous avez oublié qu'elle est chez quelqu'un aussi qui l'a hébergée et la personne, c'est de la personne qui l'a donné, tendu la main, qu'elle est en train de dénigrer dans les autres autour. Pourquoi vous n'avez pas dit d'arrêter que non, arrête de parler, va t'attendre avec ta soeur, avec ta petite soeur. Si vous avez malentendu, entends-toi avec elle. Parce qu'en ce moment, vous n'avez pas fait comprendre qu'en ce moment, il fait froid. Ma soeur laisse comme ça. Ne parle plus, va voir Lorraine Mungue, ne parle plus de son mari, va voir même son flatlet, hein, Coco, Noko Kapi, laisse ça, va, vous n'avez pas fait, je n'ai pas, moi j'ai entendu dans le jeu, je vois personne, vous n'avez pas essayé de voir, prendre conscience. Elle a dit, je vais les faire ça, Dieu, vous étiez en train de crier, oui, on est derrière toi, on te soutient, force à toi. J'ai bien vous dit, force à elle. C'est vraiment, vous êtes machiavélique. C'est-à-dire que vous ne vous écoutez pas, à la fin, vous êtes assis derrière, vous dites que c'est elle qui est victime. Ah ben. Mais là, c'est elle qui a causé tout cela. Je n'étais pas là au début quand elles ont commencé, mais j'ai seulement vu elle qui parlait beaucoup. Et là où le rôle est même été, parce que regardons, parlons un peu pas, hein, parce que vous avez tellement l'audace de venir dire quelqu'un qui a donné sa maison à quelqu'un qui a tort. Mais il dit que vous les Africains, vous m'amusez. Hein. Vous êtes malade. Il m'a dit quand on vous caresse, moi je vous caresse,
Je donne mon appartement à quelqu'un. La personne m'insulte sur mon appartement. Je lui fous dehors quand ça me plaît. Même la police te fout dehors, même à l'heure là, oui. La police te prend, il ne va pas te mettre dans les poste. Après, on t'envoie au service. Ça là, c'est la police qui t'aide. Mais moi, je vais mettre la personne dehors. Il appelle la police, c'est dehors qui va attendre. Et je dis à la police, je ne veux pas rentrer chez moi. La police va lui dire, suivez-nous. Il va lui garder au centre. On va le garder au centre de police. Ça veut dire que je ne veux plus dormir chez moi avec. La police va seulement lui prendre et partir avec. Vous voulez dire quoi? Si même Lola, mon gars, elle appelle la police allait prendre Nyangone et ses choses et partir avec elle, oui. Et jamais la laisser dormir parce que pourquoi la police aurait peur qu'ils peuvent encore avoir encore les accroches? C'est elle qu'on allait tout déloger. Vous comprenez? C'est elle qu'on allait déloger. Que ce soit le jour comme la nuit, c'est Coco qu'on allait toujours prendre et partir avec. Vous avez vu, on est en Europe ici, hein? On est en Europe ici. Le blanc, même si elle appelle la police, on s'en fout. La police même voit, elle dit que qu'est-ce qui se passe? Elle va dire qu'on l'a agressé, elle va porter une montre courante. Mais si elle n'a pas de blessure, même si elle a des blessures, on va dire que bon, elle va porter plainte. Elle va faire une main courante, elle ne va même pas porter plainte. Et puis ça va se jeter dans la poubelle. On ne va pas bien dire, comme elle a porté, on va lui dire que comme c'est comme ça, ok, paye, machin, il va la laisser habiter chez toi. Elle n'a pas eu un contrat de maison. Elle n'a pas eu de contrat de maison. Elle n'a pas eu de contrat de maison. Mais Lorraine n'a pas le droit de lui faire ce qu'elle a fait là. Mais Lorraine a le droit de lui mettre dehors. Vous comprenez? Lorraine a le droit de lui mettre dehors. Monsieur Omer a le droit de lui mettre dehors. Si je ne paye pas le loyer, si ça arrivait ici, le propriétaire a le droit de me mettre dehors. Si la date, ça dit qu'ici, si je ne paye pas le loyer, le mois qui arrive, parce que je paye chaque début du mois, on ne me donne pas le bon. Hein. Que je trouve l'appartement ou pas, on va venir me faire sortir parce qu'il y a le temps. Ils vont venir me faire sortir. Que j'aille n'importe quoi, ils vont mettre mes choses dehors. C'est comme ça. Parce qu'il est là pour un business. Ce n'est pas la maison de mon père. Ce n'est pas c'est le business. Parce qu'il y a le fait bien écrit sur les papiers. Tu ne paies pas ton loyer, on te met le bâton au cul. On te fait sortir de la maison. Et la police vient te faire sortir. La police vient te parce que ce n'est même pas le propriétaire. Il n'est même pas parce que c'est les mobiliers. Ils ont les règles. Ça avait la police, on va te mettre. La police va dire que prends les bagages que tu vas pas parce que je n'ai pas payé le loyer. Et puis sur le blanc, quand tu ne paies pas le loyer, tu prends seulement tes habits. La police. Pas seulement tes habits avec toi, vous partez, qui laisse le reste parce que si tu n'as pas fait les mois, on va vendre la télévision, on vend pour rendre pour propriétaire. Tu passes sans rien, on va demander à aller chercher là où tu vas dormir. Ils t'emmènent là où la soupe populaire, là où on loge les gens, on te loge là-bas. Qu'est-ce que vous parlez? Comment vous attisez les choses? On vous dit que non, je parle, moi je ne parle, je suis en Europe ici. Moi, au contraire, si elle pouvait supplier le Lorraine, ils s'entendaient en que grand ses petites soeurs. Vous êtes là dans vos claviers, Lorraine a eu tort. Vous-même, vous donnez votre maison à quelqu'un vous insulte, vous dites qu'elle va vous faire partie de votre maison. Votre propriété, vous avez... Mettez-vous un peu à la place de Lorraine. Hein. Parce que je vous caresse, dis donc. Je sais même pas pour parler, vous voulez un peu me juger. Ne m'énervez pas, allez faire ça ailleurs, dis donc. C'est pas possible. Si vous en parlez sans jamais dire, lui, tu n'as pas raison, n'importe quoi. C'est vous des hypocrites. Vous voyez qu'elle a faute, elle dit que non, si elle avait fermé sa bouche, elle aurait entendu avec Lorraine. Lorraine a ses droits de lui mettre dehors, vous comprenez? Elle n'a pas un contrat de bail. C'est quand tu as un contrat de bail, qu'elle n'a pas le droit, que Lorraine n'a pas le droit de lui mettre dehors. Parce qu'ils ont signé un contrat de bail. Alors Lorraine devait attendre, lui donner le temps de sortir de là. Mais c'est une aide. Quand on aide quelqu'un, on peut lui mettre à n'importe quelle heure dehors, oui. Mais vous voulez quoi? C'est selon la colère. Donc vous ne voyez pas que Lorraine aussi est en colère. Donc Lorraine pas souffert de tout ça, mais c'est pas possible. Le couple de Lorraine, vous n'avez pas vu que c'est que Lorraine souffre aussi. Mais il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça, dis donc. Il faut arrêter. Et Lorraine ne dormait pas là-bas. Ça ne sert à rien, c'est la maison de Lorraine. On n'avait même pas dit que Lorraine ne dormait pas. Je peux rester à ma propriété au Cameroun, je ne dors pas au Cameroun, mais je mets les gens chez moi. Ça ne va pas, je t'enlève de chez moi, même si je ne dors pas, je t'enlève, je fais même les clés. Je t'enlève dehors, j'enlève chez moi mes frères. Et ça fait à 1h, 2h le matin. Attendez, vous avez dit ici, hein? Je vais vous donner l'exemple. Vous parlez de quoi? Vous voulez parler? Je suis parti au Cameroun, je suis descendu à l'aéroport. Ma maison était gaspillée. Et la personne qui est chez moi avait gaspillé ma maison. Il m'insultait, volait ma voiture et vendre. Mais envoyez les nouvelles. Que si j'étais au Cameroun, il va me faire ceci. C'est lui qui veut quoi? Il a entré entre ses mains. Oh, il va me torturer. J'étais psychologiquement torturé en Europe. Vous comprenez? Je ne pouvais pas voyager. J'ai commencé à dire que Seigneur, j'ai quelqu'un dans ma maison. La personne casse ma maison. Il casse ma maison. Vous voyez là, il a mis les portes sont cassées. Et me fait, non seulement me fait la gueule, et c'est moi qui supplie que qu'est-ce que je t'ai fait? Je t'ai seulement donné ma maison gratuitement. Pourquoi tu n'entendais pas? Vendre ma voiture, voler ma voiture, c'est moi qui pleurais. C'est moi qui pleurais, mes chers amis. Mais quand j'ai pris le vol, je ne l'ai pas averti. Ouais. Je suis parti le mettre à 2h le matin dehors. Vous entendez? C'est ça la colère. Parce que j'ai pensé que j'ai failli mourir. J'ai dit que mince. J'ai dit que quand j'allais au Cameroun, mon cœur faisait comme ça. J'ai dit que 2h, je cognais ma maison, j'ai mis avec les enfants dehors. Vous savez ce que c'est la colère? C'est mon oncle. Qui sait comment j'ai souffert ici moralement parce que j'étais abattu, je ne mangeais plus, je ne dormais plus.
Je me payais le fait que je fais du bien. Ma voiture volée, tout volé, débarrassé. Je dis que j'ai donné même l'argent pour acheter. Je rationne, on me menace, on m'insulte. Je supplie en payant, on m'insulte. Il fait la force. Et oh, tu es qui? Oh, parce qu'il savait que je suis parti sans la bête. Je l'ai mis à 2h le matin. Je l'ai mis à 2h. J'ai fait comme Lorraine à 2h le matin. Lui, sa femme et ses enfants, j'ai porté les bagages. C'est sa famille qui est venue. Lui, quelqu'un est venu te prendre. J'ai dit, appelle ta famille, venue te prendre. Sa femme de mon frère. J'ai mis tout dehors à 2h. Sa famille est venue. Ils m'ont fait quoi? Ils voulaient que tu mets quelqu'un à 2h le matin. J'ai dit que you m'a mis piment. J'ai dit, you m'a mis piment. Oh, si on l'agresse, j'ai dit qu'on l'agresse. Il n'y a pas de contrat de bail. Je n'ai pas eu le contrat de bail. Regarde, j'ai dit à la famille que venez dans ma maison. Il n'y a pas de contrat de bail. Ils ont fermé leur gueule. Ils ont compris que là. Ils sont partis en courant parce qu'ils ont compris que, si vous laissez, je vais vous découper. Ils sont partis. Ils ont pris leur soeur. Hein. J'ai mis les choses dehors sur le froid, hein, sur la pluie. Après, avec la pitié, j'ai encore pris des choses. J'ai mis à l'intérieur. Hein. Le matin, à 16h, je dis que le matin, je brûle ça. Ça me dit à moi, que si j'allais mourir de crise, que oui, tu as mal fait de les mettre dehors à 2h le matin. Alors que si vous pensez à moi, que si je te tombais d'une crise cardiaque, je ne serais pas là à la tempe. Mais dis donc, les Africains, tu as des gens sont qui te disent que tu es un crimine. Vous êtes malade? J'ai vécu ça, moi. Je parle parce que j'ai vécu. J'ai été même un peu lucide avec les hommes. J'ai vécu que quand tu les loges, tu fais tout. Ils t'insultent au téléphone. Ils te disent comment il va te menacer, il va te faire du n'importe quoi. Et vous me dites. Et moi, j'ai mis. Elle a mis même dans la journée à l'hiver dehors. Mais moi, j'ai mis à 2h le matin. Je vous dis ceci, 2h le matin. Allez dire. J'ai dit que j'ai mis à 2h. Au Cameroun, à 2h le matin, sa famille est venue le récupérer. La femme de mon frère, sa famille est venue le récupérer. Avec ses enfants, je les ai mis avec ses enfants dehors. Parce que ma colère, je n'en pouvais plus. Que de tuer même, parce que j'ai même arrêté la femme. Je l'ai tapé, je ne peux pas la tuer. Mais parce que la colère était là. Je dis, mais pas plus possible. C'est qu'elle dit ça. Tu aides les gens, ils vont te tuer. C'est ça, les Africains. Qui est venu me dire au Cameroun que j'avais tort? Même le chef de quartier est venu dire, prends tes bagages, pas. La femme, s'il pouvait mourir, elle vous aide. Elle m'a dit que mais quelqu'un vous aide. Ils ont venu voir ma maison, dit que mais pas possible. Quelqu'un vous aide, c'est comme ça. Les gens m'ont dit que tu as bien fait. Même le chef de quartier m'a dit que tu as bien fait. Personne ne m'a incriminé. Les gens m'ont dit que tu as bien fait. Il faut qu'ils comprennent que toi, tu souffres et qu'ils devaient respecter tes choses. Ils sont venus m'amener où? Je me suis fait respecter. Et j'ai fait des directs et j'ai dit non. C'est pas possible, mais vous êtes dingo ou quoi? Vous savez, c'est dingo ou quoi? Ça, c'est un arrangement. Je l'ai dans ma maison, on n'a pas signé le contrat et j'ai le droit de lui mettre dehors même à 4h le matin, je le vois. Ce n'est pas un contrat. Si j'avais un contrat qui me payait le loyer, j'allais encore. Je dis que, ok, il me paye quand même le loyer. Mais je lui donne un temps de partir et je n'ai pas le droit de venir le foutre dehors. Mais un truc gratuit, mon ami. Je te donne un truc gratuit, tu ne me payes même pas un centime. Je te paye l'eau et l'électricité, tu veux me foutre de la merde dans ma vie? Je te tiens sans réfléchir. Mais comment? J'ai la police, mais quand la police, ils sont partis. Je dis que la police m'a dit que, mais ils sont partis, vous connaissez le Cameroun, non? Il y a des gens qui sont venus dire à 6h la police chez moi pour dire que madame, ils sont pas. Ok. Le chef du quartier a dit portez autre chose. Allez, prenez la voiture, partez. N'importe quoi. Ils m'ont dit que tu as bien fait. Quelqu'un fait sa chose pour donner, vous venez. La personne t'insulte, on me fait la gueule. Je suis là, je souffre. Ma maison est détruite. J'arrive maintenant à me dire que c'est moi qui m'a criminé. Vous êtes malade. Et si je tombais de crise cardiaque aussi, je mourrais. Mes enfants ne perdaient pas. Si Lorraine s'y tombait, parce que Lorraine quittait de Paris avec le train, elle s'est tombée. Dans cette assise dans sa maison, elle faisait le direct. Dans sa maison, elle faisait le direct. Elle insultant. Oh là, il faut arrêter. À un moment, il faut taper très fort. Hein. Vous êtes même comment? Il faut arrêter ça. Ne venez pas me parler. Je ne suis pas comme vous. Hein. Je ne suis pas là comme vous. Vous êtes des hypocrites. Des sales hypocrites. Allez l'aider. Je vous dis ceci, maintenant, je vais vous engueuler. Allez l'aider. Je parle, vous parlez seulement, allez l'aider, appelez-la chez vous, l'aidez-vous le de la maison. Appelez-la chez vous, vous l'aidez de la maison. Si vous êtes des vraies personnes, vous connaissez, parce que quand vous jugez les gens, vous avez le droit de juger le Rémeng dans ses biens, vous avez le droit de juger le Rémeng, mais vous êtes malade. C'est à vous de dire à Coco que Coco, calme-toi. Elle t'a donné sa maison, elle a mal fait de tout. Vous devez comprendre, c'est-à-dire que juger les deux, pas d'incriminer le Rémeng qui a eu quand même l'audace de lui mettre dans sa maison. C'est pas possible, les Africains. Mais fichez-moi le camp. J'ai été victime pareil, moi, j'ai été victime. Voilà. Vous savez comment on vit ça? Est-ce que vous avez été victime, vous? Est-ce que vous pensez souvent que pour juger les gens, mettez-vous dans la peau des gens. Hein? Quand vous voulez juger les gens, mettez-vous dans sa peau. Il paraît que vous n'avez jamais eu ce genre de soucis dans votre vie, que vous donnez vos choses aux gens. Les gens vous insultent dessus. Et au point de vous incriminer dans ce que vous avez fait de mieux dans leur vie. Vous avez eu ça? Mais ça mène au suicide, ça mène à ce que tu peux même tuer la personne. Hein.
Moi, quand j'ai arrêté la femme de mon frère la nuit à 2h du matin, j'ai failli arracher ses cheveux sur la tête. Hein, parce qu'elle m'a minimisé. Hein. J'arrive, elle me regarde avec une orgueille. C'est-à-dire que la fille, elle m'a regardé comme si je n'étais rien, moi. Mais c'est là où je l'ai attrapée. J'ai failli la tuer. Mais un dame, je suis descendue. J'ai dit que non, si je la fais du mal, c'est moi qui ai tort. Parce que la colère, selon ce que j'ai c'est-à-dire que c'était avalé jusqu'à là que quand je prenais le vol, je suis dans le vol. C'est-à-dire que quand j'arrive au Cameroun, c'est-à-dire que tu es là, tu peux même tuer quelqu'un, mais arrêtez. J'ai arrêté cette fille, j'ai arraché les cheveux. Mais un temps, je me suis baissée, elle dit que sortez. Et quand elle est sortie, j'ai dit ouf. Mais dis donc, j'étais accompagnée de mon homme. Hein. C'est lui qui a vu ma réaction. Il a dit s'il m'a attrapé, pas, je mourrais là. Les gens étaient chez moi, les gens m'ont vu comment j'étais, ils m'ont jamais vu comme ça. J'ai failli tomber, moi. Après, j'ai failli tomber. Après d'avoir je vois l'état de ma maison, mais j'ai failli tomber. J'ai dit que, mais Seigneur, vous connaissez ce qui se passe souvent quand on est dans ce genre de situation. La personne assise tranquillement, lui s'en foutait, il m'insultait tous les jours. Hein. Oh, mais j'ai vu les insultes comme Yangon, là où il est là, j'ai eu ça. Oh là 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 là, les insultes que tu entends. On t'insulte comme tu te demandes, tu te laves, tu te laves, tu te la personne dit, mais il t'insulte, il est fort. Et maintenant, il était minuscule quand je suis arrivé. Minuscule. Hein? Minuscule. Vous encouragez du n'importe quoi. Le voilà qui dort partout au Cameroun maintenant, non? Maintenant, il est où? Il dort partout. C'est là quand je l'ai chassé, qu'il connaît que ma maison à Laval. Hein. C'est quand on fait la gueule, vous, on me met dehors, c'est là où maintenant on m'incrimine. On me met incriminé dans ce que moi, je suis fait pour construire. Vous incriminez Lorraine Meng dans sa propre maison, qu'elle s'est battue. On a vu comment elle était en train d'arranger, même si elle n'est pas. Lorraine Meng aussi n'est pas quelqu'un de que je peux prendre sa place. Mais c'est ce truc au côté, c'est parfois, descendez par terre. Hein. Descendez par terre, s'il vous plaît. Descendez, mettez-vous à la place de Lorraine Meng de la façon que Coco a fait. Ce qu'elle a fait, ce qu'elle a dit, mais descendez un peu, essayez un peu de voir les deux côtés. Elle a mal fait, de lui mettre dehors, elle a mal fait. J'ai Sandrine, j'ai tellement. Ok, je parle de ma famille, je ne vais pas étaler ma famille, attention. Je ne vais pas étaler ma famille. Je vais te bloquer. Si tu tentes encore, je te bloque. Mon histoire, hein, je parle souvent de. Je ne parle pas de ma famille, tu me connais, je ne parle pas. Tu connais qui est mon père? Est-ce que tu connais qui est ma mère? Est-ce que tu connais qui est mes soeurs? Est-ce que tu connais qui est mes frères? Je parle bien de mon frère, parce que ici, je te parlais. Dans chez moi, j'ai parlé des vidéos, je te parlais de mon frère. Ce qu'il a fait, ce n'est pas toute ma famille. Celui qui m'a fait du mal, qui a failli faire que moi, je parle de lui ici. J'ai toujours parlé depuis, ce n'est pas aujourd'hui. Demandez aux gens qui me suivent depuis longtemps. J'ai toujours dit. Le jour où il y avait le direct au Cameroun, j'ai bien parlé de l'histoire. J'étais en direct. Ce n'est pas ma famille, s'il vous plaît. Je n'ai pas parlé de tous mes frères ni mes soeurs, parce que ma famille est nombreuse. Et j'ai mes soeurs qui sont là. Je parle de celui qui a failli me tuer, même chose comme Lorraine là. Je suis en contact avec ma famille. Donc, il faut venir, ne viens pas souvent écrire n'importe quoi. Tu viens étaler ta famille, n'importe quoi. Étaler ma famille, c'est d'entrer dans la vie de mon père, ma mère, de mes frères, de mes soeurs, entrer dans leur vie. Hein. Mais parler de ce que j'ai vécu chez moi, ce n'est pas étaler. Ne viens plus jamais encore m'écrire en mon costume. Parce que je lis là. Ne viens plus jamais, je te bloque tout de suite. Je ne suis pas ton ami. Voilà. Quand les gens vivent les situations, vous êtes tellement sadique et méchant. Vous êtes tellement sadique, mais vous incriminez les gens qui aident. Il n'y a pas question de questions de sangrine, Hermine. Je dis qu'il n'y a pas question de questions. Les réseaux sociaux, j'ai parlé toujours des maisons, j'ai parlé comment j'ai fait et j'ai toujours donné des conseils aux gens par rapport à l'histoire que j'ai vécue et beaucoup de gens vivent des histoires. Donc quand je parle d'un truc qui se passe. Je n'ai pas parlé de la vie de ma famille, mais je parle de ma vie, de ma maison que j'ai construite, que quand j'ai mis chez moi et il m'a fait la même chose comme le Raymond. C'est ce que je parle et que j'ai failli avoir une crise. Ça fait pas, c'était l'année passée. Merde, c'est pas possible. Mais je dis que je connais que Lorraine Meng puisse lui. Moi, ce que je connais, c'est qu'elle lui a perqué par terre parce qu'elle pouvait lui faire du mal. C'est tout ce que je connais. Mais le reste, là, non. Elle pouvait elle-même fermer sa bouche et ils s'entendent. C'est tout. Il fallait dire aussi que Nyang, on devait se calmer pour parler avec Lorraine Meng. Elle pas, vous l'avez dit, ne parle plus de là. Ne parle plus de. Ne l'insulte plus. Est-ce que vous avez dit ça? Que non, calme-toi, ma Capi. Comme toi, tu es chez elle là, calme-toi. Fais profil bas. Il faut savoir qu'il fait froid dehors. Laisse-moi, parce que si elle sort, Lorraine Meng peut être sauvage, comme tu la vois, elle peut venir demain là, elle te fait un petit coup. Mais vous ne l'avez pas prévenu. Vous ne l'avez pas prévenu. Pourquoi Lorraine Meng devait faire quoi? Elle est venue comme elle était tombée, elle a dit que c'était fini. Elle est partie prendre le temps de revenir maintenant. Quand elle accompagnait Lorraine Meng, elle faisait le direct tous les jours. C'était à vous les cocos, quand il lui a dit que non, fais profil bas. Comment tu l'as le bouillon? Tu l'accompagnes à Paris. Ma soeur ne fait plus le direct maintenant. Entends-toi parce qu'il fait froid. C'est ce que vous deviez dire à Coco. Même si derrière la supporter, vous avez dit qu'on est avec toi. Coco, oui. Coco, on est avec toi. Coco, Laurent Meng, pas fait faire quoi? Ce n'est pas sa maison. Mais ce n'est pas Omer qui est venu en Corse avec Laurent Meng, la mettre dehors.
Ce n'est pas le même Omer qui est venu. Elle a dit que quoi qu'elle a levé l'oreille Menge à Omer, non? Ce n'est pas le même papa Omer, monsieur Omer qui est venu dire à l'oreille Menge ce jour, hier, là, quand j'ai vu la vidéo, en disant que tu es venu amener ta copine, je la connaissais parce que c'est toi qui l'as amenée ici. Et puis il dit, tu m'insultes pourquoi, Coco, tu t'es fait quoi? Je te donne ma maison, tu m'insultes. C'est même pas moi, c'est ma femme qui est amenée chez moi. C'est ce qu'il disait, non? Mais ce que Coco parlait, c'était le contraire. Mais pourquoi vous n'avez pas dit à Coco que ne parle plus? Vous voulez toujours. C'est comme ça, vous chantez, vous voulez toujours tourner les choses. Mais allez l'aider alors. Elle avait déjà les yeux sur Omer. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'elle avait les yeux sur Omer. Parce que Coco Lago, ce n'est pas son genre d'homme. Je ne sais pas si que c'est que moi, je vois qu'elle voulait seulement juste bon. Bon, elle voulait aussi gâter comme elle a l'habitude de gâter. Hein. Mais je ne crois pas qu'elle avait les yeux sur eux, en fait. Elle voulait se faire passer pour la bonne personne. Elle voulait se faire passer plus bien. Parce qu'avec son langage, elle voulait se faire bien passer aux yeux de tout le monde. Parce qu'elle a parlé un peu des repas, comment elle a préparé, Omer lui a remercié. Vous savez, il peut me parler dans le vice du sujet. Hein. Vous savez, c'est quelqu'un qui venait un peu pour venir gâter, pour venir. C'est-à-dire qu'elle a venu salir l'oreille Menge voulant. C'est-à-dire que pour montrer qu'elle est mieux que l'oreille Menge dans certains domaines. Et que peut-être Omer pourrait l'aider, comme elle a une situation. Parce qu'elle a dit ceci. Il m'a promis, c'est un grand frère. Il a promis de m'aider. Il m'a donné la voiture. Quand il va finir d'arranger ma voiture, il va m'aider de sortir avant que je vais sortir. Écoutez, c'est ce qu'elle a dit. Hein. C'est là quand j'écoute ce direct, je dis que mais celle-ci, je crois qu'il y a un problème qui ne va pas là. Il y a quelque chose qui ne sont pas bien en elle. Une femme t'amène, maintenant tu sautes la femme qui t'a amenée, que tu ne connais pas son nom, maintenant c'est tu prends son nom, tu mets devant. C'est ça qu'elle dit que vous qui aimez souvent, essayez de comprendre son direct. Hein. Maintenant elle parlait bien, mais alors qu'elle ne connaissait pas, c'est Omer qui a dit que c'est Lorraine, tu m'as dit, je ne la connaissais pas, c'est toi qui m'as amené cette femme, je ne la connais pas. Maintenant c'est direct, qu'est-ce qu'elle parlait? Oh, elle conseille à la vie de Omer. Dit que Omer a abandonné ses enfants. Est-ce que quand on aime quelqu'un qui te tend la main, tu parles de lui mal comme ça? Tu veux étaler sa vie, même dit que Omer loue la maison. Est-ce qu'elle avait besoin de dire ça? Elle se perd dans ses paroles. Parce qu'en voulant parler, elle insulte, elle ne comprend pas qu'il y a les gens qui n'aiment pas quand on parle de n'importe comment. Parce qu'elle a dit ça, elle a dit que oui, tonton Omer, alors que c'est Lorraine qui l'a amené, non mais franchement. Moi j'ai écouté son direct, j'ai dit que attends, c'est Lorraine qui t'a amené, non? Maintenant tu prends déjà Omer, maintenant tu dis que c'est un tonton, c'est parce que tout le monde c'est son tonton. Mon tonton il n'est pas comme ça, mon tonton il est gentil. Mon tonton il est celui qui va m'aider, il m'a promis, c'est un homme de parole, il va m'aider, le fume-moi, tout ça. C'est-à-dire que, mais je ne comprenais pas là. Je ne comprenais, moi mais je n'ai plus, j'étais perdu. Hein. Après j'ai dit que mais comment quelqu'un peut t'amener? C'est toi maintenant qui vient maintenant pour venir prendre la place. Et tu as dit qu'elle va me pousser, elle va chasser l'oreille Menge, que la famille de Omer ne veut même pas l'oreille Menge. L'oreille Menge, c'est une sale femme. Ah bon, hein? Donc c'est l'oreille qui a tort. Comme l'oreille, avec tout ça qu'elle a fait, la colère. C'est normal aussi que l'oreille la colère, non? Et ça, c'est l'effet de la colère. Parce que l'oreille était venue, quand elle était mal, qu'elle arrivait là, après elle est tombée, elle s'est couchée. Mais c'est l'effet de la colère. Prenons ça comme l'effet de la colère. Quand l'oreille lui met dehors, c'est l'effet de la colère. Quand nous agissons, les Africains, lorsqu'on est dans la colonne, on agit n'importe comment, non? Moi-même qui avais agi, enlever la femme de mon frère et ses enfants à 2h le matin, c'était pas sur le fait de la colère. C'était aussi sur le fait de la colère. Exactement, les bagages, exactement. Et puis Omer est venu, et puis il a dit, Omer a dit que tu m'insultes, pourquoi tu m'as insulté? Il veut qu'elle quitte chez lui, il donne-moi mes clés. Il a dit, pourquoi tu m'insultes? Et pourtant, oui, il y a un direct où Coco a insulté Omer. Moi, j'ai vu le direct. Après, j'ai dit que, mais attends, vous avez parlé de Omer hier, après, où je l'ai insulté. Moi, j'ai vu, hein, là où elle a insulté. Hein. Elle change sa bouche, elle a insulté Omer. Hein. Et elle a vu qu'elle est un couple machiavélique. Un homme comme ça qui laisse sa femme devenir. Oh, vraiment de Dieu. tu caresses le type, mais la femme là, elle aussi. Non, mais non, il faut arrêter. C'est vous qui encouragez. Vous voulez vous refuser d'écouter la vérité, mais vous faites semblant. C'est-à-dire que donc, vous avez tout banni, tout ce qu'elle a parlé. Vous attachez ça. Simplement sur ça, quoi. C'est-à-dire que vous laissez la tête du serpent, vous vous accrochez à la queue du serpent. Donc vous avez laissé toute la tête du serpent, le ventre du serpent, vous vous accrochez à la queue du serpent. Ça veut dire que ce que Coco a fait, c'est la tête du serpent, le ventre du serpent, c'est la partie, et la queue, c'est l'oreille Menge, c'est-à-dire que la queue qui vient piquer. Donc vous vous assurez, quand la queue s'est levée, vous vous accrochez sur la queue. Et les Camerounais.
Quand la queue se soulève pour piquer le serpent, tape, c'est là où vous vous levez. Alors que le serpent a passé tout son temps à mettre son venin. Maintenant, quand la queue maintenant vient, ça tape la tête là, c'est là où il dit que elle est venue taper la queue là, vraiment. Vous vous accrochez sur la queue, non. Et malgré que la tête là pouvait faire n'importe quoi, les filles fallait laisser la tête mordre le queue de la queue. Elle est là, elle essaie de mordre, de mettre son venin. Vous ne dites rien. Maintenant, quand la queue maintenant l'est pour dire que ah bon, viens donner si pim, vous dites que ah non. Pourquoi? Non, elle a tort. La queue a tort. La queue ne pouvait pas. Il fallait laisser la tête lui piquer. C'est ça maintenant, non? C'est ça? Ou bien pourquoi le serpent, par exemple, un exemple, un anaconda. Elle est là, vous. Elle dit, tu viens, je veux t'enrouler, je veux te casser. Et maintenant, l'oreille aussi, c'est le piège. L'oreille, c'est le piège. Elle a roulé, elle n'a pas su là, fallait. Maintenant, elle est venue tomber sur le piège de Lorraine qui a attrapé sa queue. Elle se débat, ça ne sort plus. Maintenant, venez, il m'envoie le piège. Oh, il fallait, tu as arrêté sa queue. Elle est dans le piège de Lorraine Mengue. Et non, Lorraine Mengue a tort. Sa piège a arrêté sa queue. Non, il fallait pas. Ah, vous n'avez pas vu le serpent qui était debout là. Vous n'avez pas vu, vous avez négligé la tête du serpent qui cherchait à mordre. Le serpent qui faisait fuir. Et l'autre aussi qui est là derrière, elle a encore dit que je vais t'attraper par la queue. Maintenant, quand elle va attraper la queue, le serpent par la queue, c'est vous. Quand le serpent se débat, c'est vous qui dites non, 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 non. Il ne fallait pas attraper sa queue, tu as mal fait. Comme sa queue est coincée, non, il fallait le laisser. N'importe quoi. Mais vous êtes ma boule ou quoi? Mais vous êtes des sorcières ou quoi? Vous voyez les choses et vous voulez nier, vous vous accrochez sur ce qui passe accroché ou quoi? Et putain, on dirait que les Africains sont vraiment ma boule, hein. Merde. Dites-lui la vérité. Dites-lui la vérité. Je n'accepte pas que les coups, là où elle est à l'hôpital, peut-être à l'hôpital, moi je ne trouve pas ça, mais moi je n'accepte pas que quelqu'un arrête sa soeur, donne les coups. Non. Je peux même dire qu'elle a bien fait de lui doser par terre parce qu'elle peut lui blesser. Et là, ça devait se retourner contre elle. Ce n'est pas bon. Parce que Coco n'est pas en santé. Coco n'a pas. Elle a 55 kilos. Parce que quand j'ai vu Coco Lagos sur la vidéo, il dit que mon Dieu, ça m'a donné un choc. Ça vous mentir, je n'ai pas été connue que mais putain, j'espère que parce que j'ai vu 30 minutes, elle est sur elle. J'ai seulement peur qu'elle ne puisse plus respirer et que peut-être la fille l'a fait un truc que ce n'est pas bon. Là, j'ai eu peur, moi, j'avais peur vraiment. C'est vous qui allez vous parler, moi, j'avais eu peur. Et puis quand elle s'assoit sur la route là-bas, quand elle partait, elle criait, j'ai vu de la pitié. Et après, j'ai vu Coco Lagos, Laurent s'est calmé. Ils ont dit descendez parce que j'ai seulement peur qu'il n'y ait pas, peut-être qu'il ne la frappe pas, on ne la tape pas. Je ne suis pas comme vous. Je ne suis pas comme vous, mais jusqu'à là, n'a pas. Après, j'ai vu qu'ils sont descendus en quoi ensemble. Elle était là, Lorraine disait que descendant, tu me donnes les clés. Mais elle ne s'est même pas remis les clés là où elle a pris. Elle n'a pas beaucoup les choses. D'abord, elle emballait ces choses, ou même mettait dans la voiture. Après, elle les ramenait à Paris. On l'a pris, elle pas le déposer là-bas. C'est simple. C'est vous qui. Même le commun, elle prenait ses choses, ils avaient la voiture, non? Elle prend ses choses, elle a son droit. Quand elle prend ses choses, elle dit, elle va le déposer même quelque part, même dans un hôtel. Elle dépose là-bas et puis part. Ils lavent les mains. Ils n'ont pas tort. Non! Le monsieur veut sa tranquillité, il veut sa maison. Personne ne lui aide de payer sa maison. C'est normal qu'il la fait partir. Parce qu'il a dit, mieux tu pars, tu me laisses ma paix, tu me donnes mes clés. C'est ce qu'il a voulu. Il a dit, donne-moi mes clés de ma maison. Ce n'est pas moi, c'est à cause de ma femme que tu es venu ici-là. Alors maintenant, si maintenant Omer vient maintenant pour enlever, maintenant, pour sauver son mariage, Laurent Mengueda a aussi venu accepter de lui mettre dehors. Vous voulez quoi? Dieu. Donc, Laurent Mengueda devait refuser. Quand Omer était d'accord qu'elle part, parce que c'est Omer qui devait refuser, mais attendez, c'est qui paie le même, comme elle a dit. Elle avait compté sur Omer, mais c'est Omer lui a pas. Elle est venue se mélanger avec Coco Lagos pour lui faire partie. Mais vous ne voyez pas. Vous mettez seulement Coco, vous mettez l'homme. Pourquoi vous mettez seulement sur Lorraine? Elle était avec son mari, avec son homme. Et son homme a dit, donne-moi les clés. Son homme a dit, remets-moi les clés de ma maison. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je suis sûr. Elle a dit que vraiment, ce sont des choses, ils ont la voiture. On te met dans la voiture, on va te déposer même à Paris, n'importe où. Mais que tu quittes là-bas, que la maison reste vide sans toi, on ferme les portes. Et ils ont raison, c'est leur croix, ils pouvaient les porter. Si elle voulait, on la porte, on l'a menée à Paris. Nous n'avons pas jeté, c'est elle qui n'a pas voulu, parce qu'on a dit, prends des choses. C'est juste ceux qui sont venus pour la porter, partir avec elle. Qu'elle arrange des petites choses. Mais je crois qu'elle voulait tourner un peu là. Même elle aussi, elle voulait tourner pour les faire la vie dure. Ce n'était pas dans la nuit, c'était dans la journée. Elle avait tout le temps de trouver un endroit pour aller là-bas. Ensemble, ils partaient. Et puis, elle trouve un endroit qu'elle va aller là-bas en attendant. Elle a mis dehors le froid. Elle a mis dehors. Vous laissez le vrai peuple parler du froid. C'est dans l'été, vous allez dire qu'on le met sur la canicule dehors. N'importe quoi. Oui. Vous prenez, ça c'est le bouc émissaire. Hein. C'est le froid qui est maintenant votre bouc émissaire. Le froid, l'hiver. On ne met pas les gens dehors l'hiver. Allez là, prendre, vous la mettez chez vous.
S'il avait su qu'il y avait l'hiver, il aurait fermé sa bouche et ça arrangeait sa petite soeur. Et trouvait une consensus et qu'elle serait assise là-bas à la maison, tranquillement, tranquille. Alors, j'ai moi-même, j'ai mis ma part. Chez moi aussi, j'ai mis quelqu'un dehors à 2h le matin. Là même, c'est encore la journée. Hein. Moi, 2h le matin, écoutez un peu dans quel pays, le Cameroun. Je dis ceci à Oura. 2h. Moi, quand ça me pique, je te mets même à 4h du matin dehors. Moi, quand ça me pique, même 3h, tu pars. Je suis comme ça. Je suis comme ça. Si il fait même chaud, qu'il y a la canicule, je te mets dehors. Mieux que je te mets dehors, te tuer. Parce que si je te laisse, je peux te tuer. Mieux tu pars, que tu ne te vois plus. Je préfère même que tu partes même dans le froid là. Mais je ne te vois plus parce que le fait que tu seras là, je risque de t'étrangler. Alors pour ne pas arriver à ce domaine, mieux vaut pas n'importe où que tu veux, c'est plus mon problème. Mais que je ne te vois plus, c'est normal. Là, il dit que non, laisse-la, supporte la douleur. Oh, il faut arrêter. Moi, je vois qu'elle est là. Moi, je vis elle à l'hôpital là-bas. Parce que tu savais le froid là, comme elle était là, elle discutait toute la journée, et je suis sûr qu'elle n'a même pas mangé des jours et des jours. Et comme on l'a plaqué au sol comme ça là, c'est normal avec le froid, c'est parce qu'il faut vraiment avec le froid. Et là, maintenant, elle n'a pas de force, et elle a peut-être ses plaintes, bon, elle l'a plaqué par terre, voilà, on l'a donné les trucs. Moi, j'ai vu dans sa vidéo là où elle a mis qu'elle à l'hôpital, mais ça fait quoi? Ça va rien faire. Qu'est-ce que la police va faire à l'autre? Rien du tout. Si on ne l'a pas blessé, s'il n'a pas eu coup de blessure, on va l'aider après, on va lui laisser. Donc, ouais. On va lui mettre dehors, on va lui laisser. Mais ça, il faut arrêter souvent la calomnie. Je ne suis pas ici là parce que vous écoutez les directs toujours en l'envers. Moi, je ne viens pas ici pour incriminer. J'ai seulement dit son comportement n'est pas bien. Le comportement de Coco Lago, ce n'est pas bien. Moi, c'est une fille qui était bien à l'époque. Moi, je parle de son comportement vis-à-vis aux gens qui l'aident. Et aussi, quand tu sais que les aides que tu prends, c'est empoisonné, alors fais l'effort d'arranger toi-même ta vie. Aide-toi toi-même au lieu de laisser les gens t'aider. Si tu vois que les gens t'aident tout le temps et que c'est comme ça, mieux, montre-toi que tu es capable. Au lieu de faire la bouche, montre que tu es capable. Tu as les capacités. Tu es une belle femme, Coco. J'ai parlé depuis mon direct que tu es une belle femme. Alors montre-nous que tu peux t'en sortir sans l'aide des gens. Tu peux, le Coco, tu n'es pas handicapé. Tu es une belle femme, tu peux te taper un homme. Que ce soit un blanc, tu peux, comme à l'époque, comme Coco d'avant là. Sois cette Coco de l'époque. On peut tomber, on se relève. Fais tes prières, mais demande à Dieu de pardonner ces gens qui t'ont fait du mal. Demande à Dieu de te pardonner toi-même. Mais relève-toi comme une vraie femme. Relève-toi. Relève-toi. Tout ce que je te souhaite, c'est que Dieu puisse t'aider à retrouver ton chemin. Moi, je ne peux pas te narguer, je ne peux pas t'insulter, parce que nous tous sommes passés souvent dans des chemins très difficiles. Hein? Je sais que parfois, nous nous rencontrons dans notre vie, mais pour toi, a trop duré. Alors, au lieu d'attendre l'aide des gens, maintenant, toi-même, bats-toi. Tu es capable de te battre toi-même. Si la personne qui attend toujours les aides des autres sera toujours dernière, oui. Dans la logique des êtres humains, celle qui demande ou celui qui passe son temps à demander restera toujours derrière ceux qui les aident. Jamais quelqu'un qui t'aide, tu seras devant lui. Ça ne marche pas. Quand quelqu'un te tend la main, parce qu'il te tend la main, tu sais que tu as dit ça, il te tend la main. Ça veut dire que tu es loin, il a mis la main pour te prendre. Alors, il ne faut pas oublier que, regarde, la distance là. Tu ne peux pas être à côté de lui, tu seras toujours derrière lui. Vous comprenez? Tu seras derrière lui. Mais ce que je veux, Coco Lago, moi je veux que Nyangon le mari, je dis bien Nyangon le mari, je suis ta soeur. Si tu me demandes, tu m'insultes, les hypocrites vont parler n'importe quoi. Tu n'étais pas, je te connais, c'est pourquoi je parle et ça m'énerve. Je te parle ici parce que Coco Lago, lève-toi et refuse les aides. Comme tu sais que les Camerounais sont comme ça, pour ceci, si je parle à toi, comme les Camerounais sont comme tu penses, ne prends plus les aides. Je dis même, il dit que ne prends plus les aides des gens. Va même au SAMU, va même quand on te prend ma soeur. Tu tombes, tu vas te relever. Va prendre les aides de l'État, même si c'est une chambre, va prendre ma soeur. N'aie pas honte. Va prendre, c'est un point de départ pour toi. N'aie pas honte. Il ne faut pas avoir honte de tomber, mettre les genoux et se relever, ma soeur. Il ne faut pas avoir honte. Bien sûr que beaucoup de gens disent que tu as fait des choses. Tu as fait les ceci. Moi, je ne sais pas. Les gens disent que tu as fait ceci. Les gens viennent témoigner. Ce n'est pas ça. Demande à Dieu pardon. Si tu repars à Lourdes, ma soeur, ce n'est pas pour les prières, pour venir mettre dans Facebook. Pendant les prières, tu te concentres. Tu dis que le Seigneur change ta vie. Que le Seigneur, pardonne-moi. Ce que j'ai fait, tu te repens devant Dieu et toi. Tu mets tes genoux rien que Dieu et toi avec un cœur pur. Pleure, ma soeur, mets les genoux. Ne fais plus de tout dans les prières dans les réseaux sociaux. C'est la sorcellerie. Parce que quand tu fais les prières, les sorciers qui viennent là, ce n'est pas les vraies prières. La vraie prière, c'est faire à soi et Dieu. Tu t'assois, tu dis Seigneur, tu cites le nom des gens que tu as fait du mal. Tu dis Seigneur, aide-moi. Crie, pleure sur ta Bible.
Mais en cachette, on dit que celui qui prie Dieu en cachette, Dieu résout ses problèmes. Mais les gens qui viennent toujours aux yeux du monde, ce sont, Dieu a dit dans la Bible que celui qui vient toujours parler de moi, ce sont des hypocrites. Mais jamais je vais écouter les prières. Un vrai chrétien va dans la prière, c'est dans le calme. Il demande pardon dans le calme, dans son cœur. Parle à Dieu tout ce que tu as fait, lui et toi. Pas avec quelqu'un. Tu dis, Seigneur, voilà tout ce que je fais. Voilà où j'ai fauté. Tu commences à aller vers là où tu as commencé à fauter. Tu dis, Seigneur, décante ma situation. C'est à partir de là, reconnaître tes fautes qu'à partir de ce Seigneur. Voilà ce qui m'arrive. Telle personne m'a aidé, ça n'a pas marché. J'étais méchante. Oui, accepte devant Dieu que tu as fauté. Nyangono. Tu dis que tu parles. Je te demande comment tu vas prier. Accepte devant Dieu que tu as fauté. Et tu dis, Seigneur, pardon pour toute personne que j'ai offensée. Parce que Dieu, tu ne peux pas faire la prière pour insulter les gens. Dieu ne pourra pas décanter ta situation, Nyangono. Je te parle ici. Dieu ne pourra pas décanter parce qu'il faut que tu sauves ton âme. Sauve ton âme d'abord pour que le Seigneur te regarde. Si ton âme est perdue dans le feu de l'enfer, Dieu ne pourra pas t'aider. Sors dans ce feu que tu es dedans. Arrête d'insulter. Voilà le calme. Si les gens t'insultent, ne réponds plus. Ce n'est pas une faiblesse, mais donne ton cœur à Dieu. Même si on t'insulte, ne viens plus répondre parce qu'il y a des gens qui sont forts pour t'amener toujours. Quelqu'un qui n'est pas stable, on veut que tu ne sois pas dans la stabilité. Et puis, renonce à tout ce qu'on t'a fait. Renonce même à tes choses, Nyangono. Ça fait des années, 2 ans. Renonce à tes récipients. Renonce à tout. Renonce à tout ça, ma soeur. Renonce à tout. Ne te coince plus avec tes choses que tu as perdues. Enlève dans ton cœur. Dis que oui, ça devait arriver dans ta vie. C'est passé. C'est un chemin. C'est Dieu qui te met en épreuve, ma soeur. Enlève, renonce. Renonce à tout. Accepte la défaite des êtres humains. Mais la gloire de Dieu, accepte-la. Laisse la gloire de Dieu entrer dans ta vie en acceptant la défaite des êtres humains. Ceux qui te supportent que Coco gagne, ce sont les hypocrites. Tu comprends? Parce que la seule personne qui peut te sauver, c'est toi, Coco. Ce n'est pas 100 héros. Ce n'est pas 50 héros. C'est toi qui peux te sauver. Tu es belle, intelligente. Tu es intelligente, sage, une femme. Toi, tu es une femme, une vraie femme. Tu as de la gnaque. Il faudrait que ta gnaque, là, montre-nous que tu es une vraie femme dans des choses positives. Montre-nous, cloue-nous le bec en faisant des vraies choses, Coco. Ne nous cloue pas le bec avec les insultes. Laisse ça. Sors dedans. Cloue-nous le bec avec pour montrer que tu es tombé. Montre-nous que tu peux te lever. Et je sais que tu peux. Je sais. Quand je te vois, je sais que tu peux. C'est toi qui ne veux pas. C'est toi qui ne veux pas, ma soeur. Je suis devenue pasteur. Ah, ma chérie, moi, je parle au fond de mon cœur. Laissez-moi. J'espère qu'elle comprenne ça. Je parle au fond de mon cœur. Ma soeur, je ne veux pas me. Je ne me réjouis pas des gens qui souffrent. Je ne me réjouis pas des gens qui souffrent, ma soeur. Si quand j'ai connu quelqu'un qui était bien à l'époque, moi je pleure parce que j'ai connu comment elle était bien, ma soeur, parce que ça peut nous arriver à nous toutes. Je sais qu'elle a sa façon de faire, même vraiment. Oui, je ne peux pas la jeter la pierre jusqu'à parce que au moins je vous dis que Coco Lago, c'est quelqu'un qui était bien à l'époque, mes soeurs. Même si elle me lave, laissez-moi ça, Daniel Zana, qu'elle me lave, ça fait quoi? Qu'elle me lave, je m'en fous. Vous savez que moi je ne réponds jamais dans les lavements de Facebook. Moi, il y a lavé dans Facebook, est-ce que moi j'ai répondu? Je suis habitué, non? Me lave, je m'en fous, ma soeur. Mais je prie que le Seigneur puisse l'aider. Je ne me moque pas d'elle. Je ne me moque pas d'elle. Sans vous mentir, je ne me moque pas d'elle. Parce que nous, parfois, chacun, on ne sait pas comment la vie de quelqu'un peut dégringoler demain. Mais quand on est dans les situations de faiblesse, il faut vraiment se rabaisser. Il faut savoir se rabaisser. Se rabaisser, ça ne veut pas dire que tu es vraiment, je ne sais pas. Parce qu'il ne faut pas prendre ça comme si peut-être tu es quelqu'un de pas important. C'est rabaisser. Souvent, quand on veut voir que les gens nous aident, on se rabaisse pour que les gens nous aident. Mais seulement, il ne faut pas laisser les gens te piétiner. Si quelqu'un est bien avec toi, j'ai dit bien, si quelqu'un te tend la main, ferme les yeux, ferme la bouche, ferme les oreilles. Prends seulement ce qu'il te donne, accepte seulement ce que la personne te donne. Si la personne ne te donne pas, retourne-toi et pars. Mais ferme ta bouche à ces choses, à sa vie. Arrête. Parce que Dieu ne peut pas. Parce que si quelqu'un te tend la main et qu'il ne veut se séparer de toi, arrête de parler de la vie de la personne. Et ça veut dire que ton âme te sauve. Tu ne peux pas. Tu es en train de voilà. Tu es en train de maudire ton âme. C'est-à-dire que tu es en train de comment on dit ça? Tu es en train de tuer ton âme en dénigrant les autres. Parce que nous, les êtres humains, on croit toujours que la vraie force, c'est quand tu insultes les gens. Tu t'assois sur les gens tous les jours, tu insultes. Non. On se rend que c'est quand tu es calme que Dieu t'est béni. Insulter. Ouais, Daniela,
Daniel, si elle m'insulte, oh, laissez-moi avec ça. Quand je parle, vous voulez toujours me distraire. Pourquoi vous êtes comme ça? Maintenant, vous m'appelez Madame Pasto. Eh, Seigneur, vous allez Camerounais. Moi, je suis en train de prier. Moi, je ne suis pas comme vous. Hein. Moi, je sais même, c'est venu comme ça dans mon cœur. Hein. Parce que c'est un moment là où je ne me sentais pas aussi bien quand je parle comme ça. C'est pour elle que je prie comme ça. Comment vous me dites que je suis Madame Pasto? Moi, je suis pas d'accord que quelqu'un lui prenne encore, lui mette à la maison. Ça veut dire qu'on ne l'aimait pas. Mais je suis d'accord que quelqu'un qui lui tend la main à distance, peut-être l'aider à aller prendre une maison et qu'elle vienne signer. On l'aide à chercher. Parce que vous, en France, là-bas, quelqu'un pour l'aider à chercher la maison à distance et qu'elle vienne signer un petit truc de 400 euros comme ça, là, en attendant pour commencer, même si c'est 200 euros. Même une chambre avec une douche, avec une cuisine, petite cuisine, pour qu'elle rebondisse. Et là, maintenant, la personne l'aide à prendre, mais c'est elle, c'est son nom. La personne prend et met son nom. Et la personne l'aide à payer, mais les gens l'aident à payer quelques mois. C'est comme ça qu'on aide les gens. C'est comme ça qu'on aide les gens. Parce que si on la prend encore pour l'amener, c'est mal lui donner, ça ne peut pas l'aider. Parce que le fait de lui faire à distance comme ça, il lui tend la main et qu'on lui met les choses en face. Je crois que là, ça va lui donner la force de vraiment de ne plus s'amuser au fait. De ne plus s'amuser. Mes cadeaux, Martin, Capi est chez moi en train de... Vous vous moquez d'elle. Hein? Tout ce que vous écrivez, vous moquez de la pauvre. Vous moquez d'elle, pourquoi? Vous dites qu'elle est souvent en train de manger. Ah, mais je vais vous laisser, mes chéris. J'ai assez duré. Bon, bonne soirée. Je vais aller travailler demain. C'est déjà 21h, moi. Bonne soirée. Bon, voilà. Demain, je vais aller bosser. Bisous, bisous, mes chéris. Bonne nuit. Si elle arrive qu'elle m'insulte, elle va encore lancer le direct. Son nombre d'abonnés est monté comme vous. Moi-même, il faut que je... Ma bonne. Mais elle a, mais est-ce qu'elle a même besoin des abonnés? Tu sais que Coco Lagoua, elle a plus de 600. Elle a plus de 600 abonnés. Hein. Attention, la cuisine avec Coco là, c'est parce qu'elle n'utilise plus son truc. Elle a plus de 600 abonnés. Coco a des abonnés depuis même avant les histoires de sa cuisine là. Tout ça aussi, ça n'a même pas marché. Je me demande pourquoi. Tout ça aussi, c'est. Ah, vraiment, le truc. Elle a des abonnés depuis, hein. Coco Lagoua, les abonnés, mais ce n'est pas sa cuisine. Ce n'est même pas les connaître. Les petits abonnés qu'elle a maintenant, c'est les abonnés de sorcellerie qu'elle a sur sa page Coco Gang. Elle a les vrais abonnés là où elle faisait la cuisine. Hein. Donc, c'est pour les abonnés là. Ça, c'est les abonnés, ce sont les sorciers abonnés qu'elle a maintenant. Mais si vous partez à Coco, cuisine avec Coco, c'est les abonnés 600 abonnés. 600 abonnés, s'il vous plaît. Oh là là. Parce que les gens viennent là-bas pour regarder sa cuisine. Maintenant, là, c'est qu'elle a maintenant, là, c'est le clan des maquillages, c'est le clan sorcier des maquillages, c'est mal encouragé dans la bêtise. Voilà. Tu sais, Daniel, c'est Coco Gang, là, moi, beaucoup, là, sont là, ce sont les personnes qui adorent quand elles lui voient dans les anglais comme ça. Parce que je n'arrive pas à comprendre comment les gens peuvent supporter une femme qui insulte tous les jours. Moi, je ne sais pas. Les gens adorent ça. Parce que là, elle peut monter d'un écran. Parce que si elle adore ça, elle va venir. Quand elle met le nom de telle, elle insulte. Cette femme adore. pour la donner en récompense 50 euros. Pour dire que merci d'avoir insulté celle-là. Elle peut venir aussi. Elle reine. Non. Et puis, c'est elle, sa vie, qui est toujours en train de se faire pourrir. Sa vie n'avance pas. Il faudrait que Coco arrête voilà. Elle arrête de. Il faut vraiment. Elle n'était pas comme ça. Franchement, elle n'était pas. Bien sûr qu'à l'époque, elle a fait les tâches avec les choupas à l'époque. Là. Après, elle s'était perdue. Parce que c'est à l'époque, là, quand il n'y avait pas encore Facebook. Là. Il y avait même Facebook, mais il n'y avait pas encore les directs, tout ça. Ce sont les premières. Elle a commencé les clashs depuis avec ces bandes-là. Ce sont les premières femmes qui ont fait les clashs ici. Elle déterrait les morts, elle déterrait leurs cadavres et tout ça. Elle venait présenter dans Facebook et tout. Avec par photo, par petite vidéo, par photo comme ça. Là. Mais après, elle est partie, c'était fini. Après, elle avait changé sa vie. Mais après, à un moment, elle est revenue encore, mon Dieu. Et quand on l'a parlé au début, quand on l'a critiqué pour les dire, elle s'est calmée. Moi, je croyais que peut-être elle a minimisé tout le monde comme les filles la font pour continuer à faire son commerce. Dès qu'elle faisait sa cuisine, mais après, dès que la cuisine aussi ne marchait plus, elle a fait le truc pour commencer à insulter. Elle a dit, bon, moi, je n'ai pas compris. Moi, c'était moi, elle aurait parlé et puis elle laissait. Elle laissait. Elle s'est concentrée, elle nous montre le contraire. Parce que ce que je veux, qu'elle nous montre le contraire de ce que les gens pensent d'elle. On peut penser de toi négativement, mais c'est à toi de nous montrer les gens. Parce que si elle nous montre un autre côté, les, quoi que ça va, les gens vont oublier. Parce que tout le monde, tu vois, en train de dire, elle est méchante. Tout le monde dit, elle a fait ceci, elle a fait cela. Elle a... Voilà. Moi, elle ne m'a rien fait. Je ne veux pas venir m'asseoir sur elle, pourtant elle ne m'a rien fait.
Non, Coco Lago est toujours mince comme ça. Vroom, vroom. Coco Lago, c'est une femme, elle est mince de nature. Coco Lago n'a jamais été costaud. Mais maintenant, là, elle a encore perdu du poids encore. Je dis que Coco Lago, 60 kilos maximum. Moi, quand je l'ai connue, elle avait 60 kilos maximum. C'était pas plus. Elle est toujours mince. Elle est toujours comme ça. Mais maintenant, là, le poids qu'elle a là, c'est quand elle a les problèmes qu'elle maigrit encore plus. Voilà. Ça se voit beaucoup sur elle. Mais j'ai pitié d'elle, vraiment, mes soeurs. Il faut avoir de la pitié un peu. Il ne faut pas venir sur elle aussi, tout le monde comme ça, là. Bien sûr que sa bouche aussi ne reste pas tranquille, mais puisqu'elle me dit qu'elle a tout perdu, elle dit qu'elle a tout perdu, elle n'a plus rien à gagner, elle n'a plus rien à perdre. Vous voyez, c'est elle-même, hein? Écoutez. Elle dit, je veux tout gâter, je veux gâter partout avant de quitter les Africains. Vous voyez un peu tout ce qu'elle parle là. Il faut qu'elle comprenne aussi que non. Parce que souvent, quand elle parle là, on me dit que, mais qui est ma soeur, toi aussi, tu parles même quoi comme ça. Elle dit, oh, j'ai tout perdu, je suis ici, j'ai tout perdu, on m'a fait des choses dans la vie. C'est-à-dire qu'elle ne veut pas sortir de là, au fait. C'est-à-dire qu'elle a pris la résolution d'accepter qu'on lui minimise, qu'on lui fait n'importe quoi. Elle accepte. Voilà, c'est comme si elle a jeté l'éponge, au fait, de vouloir s'en sortir. Voilà, elle a un peu. C'est comme si, parce que moi, quand j'écoute, c'est comme si elle a laissé. C'est-à-dire qu'elle préfère attendre que les gens l'aident que de se battre elle-même. Elle dit, moi, je. Non, ma soeur. Non, tu ne peux pas venir parler à mon Dieu vision. Tu dis que oh, tu as tout perdu, ou même on t'a fait des choses dans la vie. Moi, maintenant, je m'en fous, je veux tout gâter. Je veux gâter maintenant partout. Et elle a bien dit, je veux gâter partout. Si quelqu'un me prend encore, je veux que ça va me gâter. C'est elle qui dit ça. Elle dit que moi, maintenant, maintenant, comme vous avez l'habitude de me prendre, de m'aider, de me faire maintenant, vous ne me connaissez pas maintenant, je veux signer. Alors, moi, même si j'entends ça, j'aurais peur. Ça veut dire que donc, la prochaine proie, alors, si je la prends maintenant pour l'aider chez moi, ça veut dire que chez moi, alors, c'est la catastrophe. C'est-à-dire que c'est la bouche de quelqu'un qui souffre, c'est la bouche qui tue aussi. Elle-même dit ça de sa bouche. Hein. Elle dit que oh, tu ne me connais pas, moi ici, là, je vais te faire ça. Tu m'as fait, tu m'as. Il ne fallait pas que tu me prennes. Alors, écoutez bien, moi, ça me fait mal de l'entendre parler comme ça. Elle-même a dit ça. Elle a dit qu'il ne fallait même pas me venir me prendre. Je veux signer sur toi. Tu me connais parce que comment pas ailleurs. Moi, je vais te faire ça sur toi. Voilà. Écoutez très bien. C'est vous qui ne voulez pas. Hein. Je dis que Agnia, 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 tu parles encore comme ça, pourquoi? Vous arrêtez, c'est même là où vous voulez vous arrêter. Et écoutez bien quand elle parle. Quand elle parlait, j'étais en train d'écouter, dit que Agnès, toi aussi tu parles, Coco, ferme ta bouche, non, ma soeur. Il y a fois, toi, tu es en train de parler des choses que. Hein? Je sais même que même, prends même tes bagages, tu pars. Arrange tes chaussures, tes sacs, tu les montres même que tu es une grande. Tu pars même, tu as des amis même à Paris, là, tu appelles, on te cherche. Tu quittes de là comme une grande dame, tu leur dis, allez, prenez votre clé, tu sors. Mais ce n'est pas ça, c'est que je vais vous faire. Tu m'as fait venir, hein? Parce que comment faire, les gens qui me font venir, je fais ça, après, mais toi alors, hein, je veux signer un gangan sur toi. C'est ce qu'elle disait, je vais signer un gangan sur toi, tu as mal fait le remingue. Tu vas voir alors. Ce que les autres m'ont fait, c'est toi que je vais venir très. Je vais venir maintenant. Tu ne. Là, elle disait que okay, le remingue, tu as alors fait venir maintenant. Pourquoi toi tu vas enlever tout ça alors que ce que les autres ont fait? Maintenant, tu veux faire ça chez elle. Mais là, alors, il ne comprend plus rien, mais okay. Mais elle est très belle. Coco Lago est très belle. Elle est raffinée, très propre. Elle est belle, elle est très raffinée. C'est une belle femme. Très belle. Et aussi, je vais la conseiller. Il faut qu'elle aille au village. Hein. Peut-être qu'elle allait au Cameroun là-bas, elle essaie de faire. On fait la coutume sur elle aussi. Parce que parfois, il y a des choses coutumières aussi qui vont nous attraper, on ne connaît pas. Hein. Oui. Parce que tu vois que les choses que tu fais, ça ne marche pas. Parfois, il fallait la coutume. Ta famille t'amène au village, on fait un peu la coutume sur toi pour essayer un peu de l'enlever. Être un peu. Voilà. On met tes prières aussi. Et tu parles à l'anonymat. Elle ne veut pas appeler le 115, c'est elle qui connaît. Oh. Elle a les papier, bien sûr qu'elle a les papiers. On a dit aujourd'hui qu'elle a les papiers. Elle a bien son truc, elle a monté son 10 ans. C'est quoi ces 10 ans qu'elle a? Elle a son papier, sa carte de séjour de permanente. Elle a ses papiers. Ses papiers. C'est même pas comme si elle n'avait pas les papiers. Oh ouais, dis donc. La femme a les papiers. Elle a son permis elle conduit bien la voiture. Elle a tout. Papier et permis de conduire. C'est-à-dire qu'elle peut même chercher même d'abord le travail. Et puis, elle fait un peu son hobby de nourriture là, un peu à côté. C'est-à-dire que quand elle a les commandes, elle peut chercher un travail, qu'elle ne travaille pas tout le temps. C'est juste pour avoir un peu un papier pour lui permettre de prendre les appartements. Parce que c'est la seule façon aussi. Comme elle est même cuisinière là, elle peut même aller dans un restaurant. Moi, je me demande, pourquoi elle a la possibilité, hein? Franchement, quand vous voyez un peu, pourquoi elle est non seulement elle conduit, elle sait bien faire la cuisine. Très, très bien faire la cuisine. Mais moi, elle, je m'avais dans le restaurant des Blancs, je m'avais proposé ce que je connais faire. Et là, je veux dire qu'elle va trouver à la cuisine, elle va dans la restauration, le Coco peut bien travailler dans la restauration à Paris. Je vous dis, moi, je me demande pourquoi elle ne veut pas le faire. Là, maintenant, elle se prend le temps d'aller faire la restauration, et on lui paie son salaire là-bas, à un moment, pour qu'elle se remette encore, peut même faire 1 an, 2 ans.
Elle laisse d'abord. Elle fait en temps, elle fait les commandes. Quand elle ne travaille pas, elle fait les commandes les week-ends. Quand elle ne travaille pas, elle fait les commandes. Elle ne prend plus trop les commandes. Elle ne prend plus les... Parce qu'elle travaille, elle ne prend plus les grandes fêtes. Elle prend les commandes, les anniversaires, elle fait des trucs comme importés. On parle, elle paye les livres. Elle gagne l'argent à côté. Mais son travail lui permet d'avoir la stabilité. Son travail... Est-ce qu'elle a même... Elle n'est même pas obligée de prendre un homme. Elle a les papiers, elle a son permis, des trucs, des permis. Hein. Et elle dit, tu as mangé sa cuisine. Non, mais même si je n'ai pas mangé, Aka, les gens ont dit que sa nourriture est bien parce qu'elle fait une nourriture très bien. Parce que moi, je vois, elle prépare bien. Et elle a sa façon de faire. Non, elle prépare bien. Les gens ont toujours témoigné. Moi, je n'ai pas mangé. Les gens ont toujours témoigné qu'elle prépare bien. Oui. Et elle est raffinée dans ses repas. C'est Coco Lago, je suis comme elle prépare la nourriture depuis des années. Elle prépare bien la nourriture. Comment? Même si je n'ai pas goûté, la façon de préparer. Vous, là, vous êtes méchante, hein? Vous êtes trop méchante, vraiment. Vous êtes... Moi, je vais vous laisser. Mais les femmes, si vous-même. Moi, vous êtes toujours me sortir. Non. Je n'ai pas même. J'ai fait la talakou venant comme. Non, vous êtes. Non, mais les Camerounaises. Toi, tu me vas écouter ça. Moi, j'ai senti humain sur la vidéo. Quand je vois les yeux, je vois c'est bien fait. C'est bien présenté. Elle fait toutes les qualités de notre nourriture. La cuisine camerounaise. Comment? Elle fait tous les repas. Elle connaît faire l'entrée des blancs. Des trucs. Elle connaît bien. Et j'ai vu comment elle fait dans les fêtes là. Les blancs mangent. Elle fait les blancs mangent. Ça veut dire qu'elle a, une droite culinaire. Elle a la main de la cuisine. Aka, allez là-bas, vous riez quoi. N'importe quoi. Je vais trop ça. Mais tu dis que sauter le bobola au persil, ça veut dire que c'est le modernisme. Ça veut dire qu'elle a. C'est-à-dire que la cuisine africaine, elle a moderne. C'est-à-dire qu'elle a changé ça d'une autre manière, on voit un peu. C'est-à-dire qu'elle ne fait pas le genre comme au village. Ça veut dire que si elle fait la sauce d'arachide, si elle fait les bâtons de manioc, elle fait ça comme le truc. Comme on pique avec les bâtons, avec les trucs. C'est-à-dire qu'elle met. C'est la culinaire. C'est-à-dire qu'amener un peu de. C'est-à-dire que notre spécialité. Parce que beaucoup de blancs mangent, il faut changer la façon de faire pour attirer et que les blancs mangent. Comment vous parlez comme ça? C'est ce qu'elle a fait. C'est ce qu'elle fait. C'est-à-dire apporter ce qu'elle de mieux sur la cuisine africaine, parce que la cuisine africaine, elle est trop bourrative. Elle est, c'est-à-dire que la façon de présenter, il faut bien la présenter et il ne faut pas changer un peu le contexte du repas. C'est ce qu'elle fait, c'est-à-dire qu'elle trouve comment changer un peu les choses et que les blancs puissent manger. Mais elle a cette main là. Je dis Mais que vous ne voulez même pas. Oh, les doigtés culinaires, voilà, les doigtés culinaires. La présentation des menus, merci beaucoup, Esther Priso. Elle a les doigtés culinaires, elle a la présentation. Mais je crois que parce que c'est une fille africaine, elle ne connaît pas tous les repas, mais elle ne peut pas bien. Oui. Parce que les gens mangent, les gens font des commandes. Si les gens ne faisaient pas des commandes, on aurait parlé qu'elle peut pas mal. Ne regardez pas la décoration du bâton de manioc. C'est que, parce qu'elle, avant, j'avais vu comment elle fait les bâtons. C'est spécial. Au lieu qu'on vient avec la. Ma chère, elle a fait ça, elle a coupé comme ça en rondelle, elle a coupé, elle a mis un peu les persils piqués sur le bâton. C'est que pour que c'est la périte, les gens viennent, ils coupent un peu, au lieu de piquer les bâtons qui collent là, tu piques, tu prends, tu piques le truc, tu mets à la bouche. Moi, je trouve que c'est bien, c'est plus moderne ici, elle a changé un peu la présentation. Les choses comme ça là, même les blancs ont mangé, les blancs mangent, ils sont contents parce que c'est difficile, vous voyez, les blancs mangent nos repas. Hein. Il faut quand même quelqu'un qui amène ça, qui léger, qui veut se rendre ça un peu léger. Et ça, et Coco Lago, elle est. Elle a gagné dans ce côté parce qu'elle n'a même pas pris ça en considération. Vous comprenez? Elle peut présenter ça dans les restaurants ici, même à la cuisine des Blancs. Elle peut bien, même si elle ne peut pas parler en dessus du Cameroun, elle peut parler en dessus des Blancs. Très bien. Mathieu, arrête. Va te coucher, il est l'heure. Elle parle les repas des Blancs. Vous voyez un peu. Vous voyez un peu, non? Moi, c'est moi, elle, je laisse, m'avait me présenté dans un restaurant. Je travaille au restaurant pendant 2 ans pour avoir le CV, un CV, et puis. Permettant de payer son loyer et en même temps à côté maintenant, elle se prépare à faire de l'économie. Elle peut ouvrir un bon petit truc, mais sachant que ça peut lui rapporter beaucoup. Au cas où ça n'aura pas beaucoup d'argent, elle reste toujours à faire ses petits travaux. Neben Job, comme on dit, Neben Job, c'est sa cuisine. Elle ne prend pas beaucoup les commandes. Je ne sais pas pourquoi la cuisine est revisitée. Elle fait la cuisine revisitée. C'est même pourquoi tout le potentiel. Hein. Elle a tout ce potentiel. Moi, je sais. Moi, je crois en elle, en fait. Moi, je crois en elle. Si elle se donne, moi, je crois en elle. Elle n'est pas finie. C'est parce que c'est elle qui ne veut pas, au fait. Moi, j'ai vu qu'elle a jeté l'éponge, au fait. Elle a jeté l'éponge. Il ne faut pas qu'elle jette l'éponge. Elle a tout ce qu'il faut pour s'en sortir. Mais il faut qu'elle se redonne elle-même de la force. Personne ne peut pas l'aider si elle-même, si elle se rappe, si elle se...
si elle se renferme dans ce qu'on lui a fait et qu'elle se renferme dedans, non, ça peut pas donner, ça peut pas donner. Bien sûr, Rosalie, vraiment, elle est créative et raffinée dans ses présentations. Non, pour ça, hein, Coco, il n'y a pas son deux. Pour ça, sans vous mentir. Non, elle, quand tu as même le goût de manger, pour ça, elle est perfectionniste, au fait. Elle est une femme, elle est perfectionniste dans ses trucs. Mais je ne sais pas, mes soeurs, je ne sais pas ce qui arrive à Coco Lago. Je ne sais pas. Non, vraiment, parlons. Non, elle est quand même un peu de la compassion. Hein. Je ne sais pas. Je peux même parler, mais à la fin, je me dis, je ne sais pas ce qu'il arrive. Quelqu'un qui est belle, raffinée, cuisine, ravitée, machin, tout. Maman, la beauté du corps. Tiens, je l'aime une tamana, je l'aime une tamana. Tu parles à Monaco, tu ramasses les blancs. J'ai dit à ma soeur, même Coco Lago, tu parles de ramasser un bon riche blanc. Anti, Anna, tu es la jeune femme que les blancs aiment. Tu n'aimes pas les. Tu vois, qui est les Ntamana. Pourtant, à l'époque, tu vivais avec les Ntamana, non, ma soeur. Repas avec les Ntamana. Je dis, tu es Wanyap, tu es belle. Va-toi à Moknako. Va-toi, habille-toi comme tu t'habilles. Tout le monde ne t'habille pas pour TikTok. Toi, tu t'habilles pour TikTok, ma soeur. Tu t'habilles pour TikTok. Tu t'habilles, sors dehors avec les habillements là. Anye. Tu ne peux pas t'habiller avec tes chapeaux très, très belles, avec tes chaussures. Tu viens nous faire des vidéos, tu nous envoies, tu allais pas 2000 vues, ça te sert à quoi, Agnès? Habille-toi comme ça, tu portes ton manteau, tu peux marcher comme ça là. Même les blancs, maman, tu peux tomber sur un blanc riche à Coco Lago. Un blanc riche, et Agnès. Tu as encore le temps de tomber sur un blanc riche avec ton corps là. Tu as une belle peau soignée, un beau corps. Tu connais ta bille, la bille, c'est maman, sur toi. Tu nous filmes tout le temps, tu nous mets sur Facebook. Et à Zambé, maman. Ça te sert à quoi? Habille-toi, tu sors, va dehors, va présenter ta démarche là-bas, là où il y a les grands restaurants des Blancs. Ta démarche là-bas, en voie de nuit des Blancs, va faire ta démarche comme Coco, comme Natacha de Monaco fait. Va faire ta, comme vous voyez Natacha de Monaco, quand elle s'habille sexy là, c'est qu'elle part dans les grands restaurants, elle marche là où les Blancs lui regardent. Non, c'est comme ça, Coco. Habille-toi comme ça, pas pour nous les sorciers, pas les sorciers de Facebook. Là, tu t'es fait pour venir montrer dans les sorciers de Facebook. Et vous dites, oui, capi, oh, tu es saigne. Habille-toi comme ça pour aller, que les hommes te voient. Tu comprends? Moi, si je m'habille comme tu t'habilles là, comme ça, moi, je veux seulement aller marcher là où il y a les blancs. Hein. Mais comme je suis déjà occupé là, je veux seulement sortir pour aller là où il y a les blancs. Maman, je sors, c'est maman, je prends un verre de champagne avec le sac. Tu t'assois avec ton sac à main. Tu croises les pieds. Tu vois le blanc qui avait dit, bonjour madame, bonjour mademoiselle. Maman. C'est parti, hein. C'est parti, Hawaii. C'est parti. D'abord, tu es mince, raffiné. Tu vas voir un blanc laquelle qui gagne. Va te dire que madame, je peux t'inviter. Tu manges, après, changer le numéro de téléphone. C'est comme ça. Hein. Tu attends là. Après, il va te dire, je peux t'inviter chez moi. Maman, tu vas entrer, tu vois une belle maison comme ça. Là, comme tu dis encore que, ah, ça va, maman. Mais tu calmes ton cœur. Tu te calmes. Tu te calmes. Tu prends le. Comme tu connais bien préparé, là. Hmm? Ne vous habillez que pour venir nous monter, ah Coco. Tous les habits qui sortent, tu portes tous les chapeaux, tu sors, tous les machines, les perruques, tu as. C'est pourquoi? C'est pour venir dans Facebook avec. Montre ta beauté là-bas. Tu es à Paris. Ou bien viens en Suisse, là où tu étais à l'époque, non? Tu crois les belles endroits où tu pouvais aller. Va là-bas, repars là même en Suisse. Reviens même en Suisse, ma chérie. Laisse Facebook. Reviens même en Suisse parfois de temps en temps. Des gens que tu connaissais avant là, tu parles à les endroits que tu connais. Ma soeur, va rechercher ta vie. Agnès, va chercher ta vie. Fais-nous la surprise, dis donc. Mais maman, chez le blanc. Tu es chez le blanc, ma soeur, c'est au Cameroun, on va comprendre. Mais tu es chez les blancs. Reviens, Coco Lago, qui avait les moyens à l'épaule. Reviens, cette femme-là. Tu le peux. Je sais, j'ai confiance en toi. Tu le peux. Tu n'es pas comme moi, là, que je suis en train de travailler à l'espoir pour arriver les bourrelets. Toi, tu n'as même pas les bourrelets. Ma soeur. Moi, quand je vois ton corps, il dit qu'Agnès, qui m'amène encore le corps de Coco Lago là. Je t'admets, ton corps là que tu portes la vie, tu tournes jusqu'à. Après, il dit qu'Agnès, c'est pour TikTok. Elle est à l'hôpital. Moi, j'ai vu, elle a mis l'eau sur elle, a filmé, elle a mis dans le truc à l'hôpital. Elle est à l'hôpital. Mais ça va aller, on lui a mis l'eau. Parce que tu sais, je suis dit qu'avec le froid là, non, c'est pas bien. Vous savez qu'elle était là avec tout ça, ça là aussi, c'est quoi? Parce que depuis, elle fait les directs tous les jours. Est-ce qu'elle mange? Elle se nourrit bien. Après la pression, quand on est venu encore là, blablabla, elle ne s'attendait pas. Broum. C'est normal, elle a un choc. C'est normal. Parce que
Lorraine est venue sans la prévenue. Vous avez vu un peu le direct. Moi, j'ai vu le direct là où elle était le direct. Allah, là, elle était sa Bible. Lorraine est entrée. Ça l'a fait un choc. Ça lui... Moi, je sais que ça l'a fait un choc. Et ça aussi, il faut qu'on lui. Et la façon qu'on l'a plaqué au sol. Quand tu pars à l'hôpital, tu dis que tu as mal, ils vont regarder. Après, on te met les trucs, les vitamines, parce que je suis sûr que même, les... même se nourrir, elle ne se nourrissait plus. Elle ne se nourrissait plus. Je vous jure, Coco Lago ne se nourrissait plus. Elle était seulement là en train de faire les vidéos, les problèmes. Oh là là, c'est pas possible. En tout cas, je vais vous laisser mes soins. Vous aimez ça? Ah, si elle avait encore fait les directs, non? Après l'hôpital. C'est là aussi, je veux, j'attends un peu quand elle finisse. Parce que la situation qu'elle est là maintenant, il faut que c'est quand même les directs, ne fait même plus les directs, dis donc. Il faut qu'elle se calme. Parce que là, maintenant, là. Salut, ça a quoi, elle fait les directs? Salut, ça a rien. Salut, non, on n'est rien pas. Salut, ça a rien de faire les directs, sans vous mentir. Salut, ça a rien. Il faut que. C'est Coco, là, c'est Coco Gang qui l'envoie l'argent. Qu'elle essaie de faire ce qu'elle va faire. Il faut, sa vie est plus importante que les directs qu'elle fait là. Il faut que, parce que le temps qu'elle fait les 1 heure, 2 heures, elle fait les directs, ça lui, celui perd le temps. Il faut qu'elle trouve la situation, comment elle va s'en sortir. Les directs à la con, là, ça ne sert à rien, dis donc. D'accord, c'est votre capi. Hein. Elle crache déjà. En tout cas, si elle a décidé, tant mieux, mes chéris. Ok, je vais vous laisser. Bonne soirée. Demain, je vais aller bosser. Je ne vais pas rester longtemps. Voilà. Tu vois, non, capi, capi, voilà. Je parle comme si tu parlais comme moi, comme ça, tu sors de la maison le matin. Moi, je vais aller travailler demain. Mercredi, j'ai mon salaire, capi. Voilà. Demain, j'ai mon salaire. Hein. Mercredi, j'ai mon salaire. Hein. Ah, oui, oui, oui. J'étais avec mon chéri, hein, capi. Capi. J'étais avec mon gars le week-end, là. Mon gars, je ne dors plus un week-end sans mon gars. Hein. Capi, l'Europe est dure. Tant que tu es une Européenne, tant que tu sais comment l'Europe est dure, là. Enfin, là, quand tu restes que tu lances longtemps sans avoir l'homme, là. Et quand tu trouves un bon homme, hein, tu t'accroches, capi. Si toi t'as pas, tu t'accroches, ma soeur. Oui, 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 oui. Même sur le blanc, accroche-toi. Comme toi, tu bavardes beaucoup, viens prendre le blanc parce que le blanc, il est calme. Parce que si tu prends mon frère africain, là, vous allez tout bagarrer tout le temps. Cherche-toi un blanc. Hmm? Tu deviens comme Lydia, là. Un coco. Tu jouis. Même si tu as ton copain, tu as ta maison, tu as ton gars, il vient de temps en temps chez toi. Comme à part, là. Ah, je ne cours pas pour chercher qui sa maison, non. Moi, ici, chez moi, ici. Bien sûr qu'on va vivre dans la même maison, mais je suis pas pressé. Je suis pas pressé. Il m'a demandé qu'on a. Je vous dis que regardez, alors moi, je suis même déjà une personne qui peut payer l'appartement. Il m'a même demandé que allons vivre dans ma propriété. J'ai refusé. Parce que trop rapide, on ne sait pas. Peut-être qu'il ne peut pas avoir les problèmes avec lui parce que je ne supporte pas d'être à ses côtés. Après ça, on ne se sépare encore. Je vais encore prendre mes bagages pour chercher où il va l'habiter. Moi, j'ai dit, parce que comme moi, j'ai refusé. Il dit que tant qu'on vit ensemble, il faut qu'on se connaisse bien d'abord. Voilà, il y a 3 ans. Hein. Mais je suis allé chez moi. Mais le chéri, il vient, il repart. Je pars là-bas, je reviens. C'est comme ça. Je pars, je gagne mon argent. Il me respecte parce que je gagne mon argent, ma chérie. Le mercredi, là, je vais aller taper mon compte et l'argent est dedans. Ça fait du bien. Le premier, mon loyer est directement payé. Hein, capi? Donc, quand je travaille, mon argent, là, quand ça vient, le premier, mon loyer est payé directement par la banque. Voilà. C'est comme ça, tu as su. Tu peux même faire les directs. Tu peux même faire être clashé dans Facebook. J'espère qu'après, je vais me demander les bêtises. Je peux même venir être même clasheuse là. Mais le lendemain, quand elle fait ma mère travailler, je reviens encore, je clash. Après, elle travaille, elle vient, elle clash. Mais c'est qu'il n'y a rien, je suis déjà en sécurité là où je suis. Demain, je ne vais pas mettre les lutins pour demander les aides. Je sais que ma vie. Ma tête va te coucher. C'est Yabel, tu n'as. Je vais vous laisser mes chiens. Allez, dis-moi, tu vas à l'école. Va te brosser les dents. C'est un coup de ça. Et tu portes ton truc, tu te couches, pardon. Je viens. Pardon, je vais vous laisser. Je vais faire ce que mon fils a se coucher. Maman, il est à 21. Ok, ok. Bye bye, mes chéris. Brosse-toi les dents. Maman, il est 21. Bien sûr, même si tu es un homme, le travail est important, ma chérie. Le travail est important. Je sais que je vais laisser mon direct. Il faut que Coco Lago, elle va suivre mon direct. Si elle va m'insulter, tant pis. Je ne suis pas là pour. Je ne suis pas contre elle. Mais moi, ce que je veux simplement qu'elle se calme. Qu'elle arrive de se ridiculiser comme ça, là. Parce que tout ce qu'elle a fait dans les réseaux sociaux, ça l'a pas changé sa vie. Et qu'elle prie le Seigneur. Et qu'elle prenne du recul. Voilà. Et elle, même si elle veut ses aides, qu'elle fasse ses aides, qu'elle ne vient plus dans les réseaux sociaux, ses aides, il faut qu'elle fasse ses aides même derrière. Parce que les Camerounais sont des sorciers. Elle fasse ses aides derrière.
Elle ne vient plus parler. C'est même pas un sujet. Elle parle de sa cuisine. Elle peut changer de sujet. Elle parle de la cuisine. Elle parle d'autre. Elle a des bons sujets. La cuisine. Elle conseille les femmes. Comment elle ne peut pas conseiller les jeunes filles. Si vous avez des hommes et tout, si vous avez vos maris préparés, elle parle un peu de la cuisine. Comment on fait? Si elle fait sa nourriture, elle dit comment. C'est bien, mais elle ne parle plus des problèmes un peu qui vont toujours la faire. Non. Elle change. Mais en attendant, elle arrange sa vie derrière. Donc, mais elle arrange sa vie derrière. Vous voyez un peu, non, mes soeurs, qu'elle arrange sa vie derrière. Tu comprends, Hermine? Qu'elle arrange sa vie derrière, qu'elle ne vient plus. Même si elle va faire quelque chose qu'on lui donne, qu'elle ne vient même plus dire. Parce que même là, on voulait l'aider, n'est jamais trop coupé. Et moi, je suis pour que les gens l'aident, mais je ne suis pas pour que les gens le prennent encore. Attention, je suis pour que les gens l'aident. Et comme j'expliquais mon aide, mais je ne suis pas pour que les gens le prennent encore pour le mettre dans la maison. Parce que ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Mais moi, je me suis d'accord que si elle me dit, elle m'appelle, un jour, elle fait les dialogues, que j'ai mon appartement, j'ai quelqu'un qui m'aide à prendre ma petite chambre et je paye 400 euros. Oui, je dis bien ceci, moi aussi, je pourrais l'aider. Je vous dis la vérité, moi aussi, je peux l'avoir aussi même 200 euros. Ce n'est pas difficile. Tu l'envoies même 200 ou 300 euros. Je dis que ma soeur, voilà ma part de participation complète pour le mois-ci. Là, c'est comme ça. Mais en attendant, quand on lui donne son, je dis que ma soeur, il faut savoir que tu dois te battre parce que d'ici quelques temps, on te lâche. Je vous jure. Elle va vraiment tiquer. Parce que c'est la meilleure aide qu'on peut lui donner. Ce n'est pas... C'est la meilleure aide. Si elle trouve quelqu'un qui l'aide à trouver une maison, c'est déjà la première aide qui est importante. La deuxième, financièrement, les cocos gang c'est des gens n'importe... Un bon donateur pour lui donner l'argent et qu'elle ne trouve pas les choses qui sont très, très chères. Voilà, c'est ça que je dis, Amine. Donc, elle ne trouve pas une table. Il ne faut pas qu'elle prenne un appartement. J'ai même 400 euros, 500 euros. Un truc de deux pièces avec sa cuisine, petite cuisine. Vraiment. Elle recommence là-bas. Mais moi-même, je serais d'accord pour financer aussi. Je serais d'accord. Mais pour l'envoyer comme ça, qu'elle passe à soi chez quelqu'un, j'envoie là, elle ne peut pas. On dit, elle est toi aussi, elle t'aidera. C'est que même si elle met son. Moi, je ne le paye pas là. Hein. Moi, je ne le paye pas là. C'est dans mon téléphone. Ce n'est pas difficile. Je tape son PayPal, j'envoie l'argent dans le PayPal. Vous comprenez? Je ne suis pas une personne qui parle seulement. Moi, j'aime les gens qui se débrouillent aussi. Voilà, regardez. Moi, j'ai le PayPal. Ce n'est pas difficile. Voilà mon PayPal. Là. Regardez. J'ai même mon code maintenant. J'écris son nom. Voilà. Voilà mon PayPal. Voilà. À qui j'ai même mon code. Je commence à faire. Après, j'envoie l'argent dans son PayPal tout de suite. Parce que pour avoir un PayPal, il faut déjà avoir ça. Il faut déjà enregistrer dans ton truc. C'est comme ça que je fais souvent les achats, les dépôts d'argent dans les PayPal des gens. C'est simple. Voilà. Ouvrir un compte. Pauvre, comme elle a ses étapes maintenant, j'écris son nom. Si c'est son PayPal, j'écris son nom. Ça va apparaître ici. Et ça va me donner son numéro. Et là, elle a son numéro de code. J'envoie l'argent. J'étape son numéro de code et c'est fini. L'argent dans son PayPal. Elle peut aller retirer. Voilà. C'est comme ça qu'on aide les gens. Ce n'est pas le genre. C'est déjà qu'il faut qu'elle montre qu'elle veut. Ce n'est pas en donnant, en se moquant d'un nom. Et c'est même si je vais donner un truc, je vais faire derrière. Il ne va pas venir parler parce que moi, je n'aime pas quand je commence à parler. Elle avait son appartement à Luxembourg. C'est Lorraine qui l'appelle pour la piéger. Elle avait son appartement à Luxembourg. Elle louait déjà. Mais là, c'est direct. Je n'ai jamais entendu qu'elle a dit qu'elle avait son appartement et qu'elle louait. Hein, Sandrine Armine, moi, je n'ai jamais entendu dans ce direct parce que je sais que si Coco avait un appartement qu'elle louait, elle aurait parlé dans ce direct. Qu'elle avait son appartement, qu'elle louait. Peut-être qu'elle était là-bas. Parce que là où elle vivait, elle dormait. Moi, je vois, c'était comme une chambre d'hôtel. Parce que là où elle et son fils étaient, je vois avec deux lits. Parce que comme un appartement qui a deux lits avec le cook, avec un lit. Parce qu'elle, ou bien peut-être c'est un truc qu'elle a pris avec double lit. Je ne sais pas. Ou bien peut-être c'est quelqu'un qui l'avait donné. Est-ce qu'elle avait déjà un contrat de bail? C'était un hôtel. Moi, je me suis bien vu. C'est l'hôtel. C'était pas un appartement. Hermine, ce n'était pas un appartement. Parce que j'avais vu son fils venir, parce que c'est une chambre d'hôtel. Moi, j'ai allé loger là. Ça veut dire que le lit, un petit lit et un grand lit. Et il y a un truc comme ça là. Tu peux chauffer de l'eau. Ça veut dire qu'il y a ce genre d'hôtel là. Il y a le truc pour chauffer l'eau et puis tu peux chauffer la nourriture. Non, mais si elle avait, pourquoi elle avait un appartement et puis elle est partie chez Lorraine? Attends. Tu dis bien qu'elle avait un appartement. Mais pourquoi elle est partie chez Lorraine? Ça veut dire que peut-être l'appartement, on l'avait toujours aidé.
Ben, si elle avait un contrat de bail et qu'elle payait, moi je ne crois pas que quelqu'un est déjà bien assise, elle avait un contrat, elle va quitter pour aller chez quelqu'un qui lui donne un truc. Mais c'est un peu louche, moi je ne peux pas savoir, hein. Moi je ne sais pas, mais bon. Moi je ne peux pas avoir mon appartement, quelqu'un me dit j'ai un truc gratuit, je suis alors que parce que la liberté est très importante. Hein. Ça dépend. Si elle louait, peut-être elle est aussi placée là-bas qu'elle ne payait pas et qu'elle ne pouvait pas payer, je ne sais pas. Pour son business. Ok. Ok. Ah, je suis désolé. Bon, il faudrait comprendre qu'elle ne prenne plus les aides maintenant. Quand elle va se relever, qu'elle ne prenne plus les aides des maisons. Parce que les maisons ici en Europe, même si c'est moi qui la prends demain, je vais la chasser. Il faut être clair, clair. Parce que même si tu la prends demain, là, tu vas la chasser demain. Il vous jure. Bah, ça fait souvent là, c'est comme une sorcellerie, au fait. Mieux être juste son truc elle-même. Et puis les gens aident. En tout cas, bonne soirée. Et puis à la prochaine, mes chéris. Bon, bisous, bisous. Ah, je sais pas, je peux pas. Hermine, je peux pas. C'est toi qui connais, je sais pas. Peut-être que tu la tiens à personne, peut-être vous causez. Moi, je sais pas. Ce que tu dis, moi, je peux pas. Pour la dignité, elle aurait loué elle-même une chambrette. Mieux vaut être dans le petit, je sais pas, que la place de quelqu'un. Bye bye, mes chéris. Bye bye, mes soeurs. Ok, bye bye. Je vous laisse. On a fait plus de 2 heures. Bye bye. Il faut pas qu'on la déteste. Moi, je la déteste pas. Je ne mords pas d'elle, mais il faut que moi, je voudrais qu'elle change, au fait, et qu'elle trouve une bonne situation. Elle est belle, elle est encore jeune. Moi, je sais qu'elle peut encore. Voilà, elle peut encore. Moi, je ne suis pas là pour écouter que oh, elle est ici, elle a un mauvais cœur. Ah, nous tous, on a un mauvais cœur aussi. Nous tous, on a un côté mauvais. Hein. Mais il faut qu'on lui donne aussi une deuxième chance. Hein. On lui donne, il ne faut pas seulement qu'on dise, bon, moi, je ne peux pas la juger, trop juger alors que je lui connais. Elle ne m'a rien fait. Voilà, elle ne m'a rien fait. Elle n'a rien fait à quelqu'un que je connais. Hein. Elle n'a rien fait à quelqu'un que je n'ai pas quelqu'un en contact qu'elle a eu fait des problèmes. Ou de mes soeurs, mes amis, ou bien moi. Donc c'est ça que moi je reste un peu sur les gens qui viennent témoigner, les gens qui parlent, sont des gens qui connaissent, et peut-être des gens qui ont affaire, voilà. Moi je préfère qu'elle ait sa deuxième chance et qu'on lui donne aussi la chance et que vraiment on ne reste pas toujours sur ça. Parce que j'ai parlé aujourd'hui, c'est la dernière fois que je parle, je ne parlerai plus de ça. Good enough, tant que film. Bonne nuit, mes chéris, bye bye. Au revoir. À demain.